La température ou bien? C'est le début de stream le plus calme de l'histoire, mec. Il y a personne qui d'ailleurs, on est tous KO, mec. Mec, non, il y avait la musique de Mario sous la mer et j'ai bien aimé. Bah ouais. Ah, c'est ça, d'accord, ok, vous êtes tous détendus par derrière Dox en mode quoi. Ah ouais, moi je suis en train de manger des chips au jambon de pays. Comment tu peux manger des chips quand tu fais chaud? Non, mais apparemment ça va le goût. C'est, ah ouais, ça va, ça le fait. Je peux rien manger qui est chaud actuellement, en fait. Bah... Attends, Bah yeah, je voulais dire un truc. Il y a une règle, je pense, une règle tacite. C'est que quand tu vas faire caca et que ouais, la lunette, elle est pas froide, c'est qu'il fait trop chaud. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ok. Non, c'est incompréhensible. Faut se mettre direct sur la porcelaine. Le cul dans le bol, mon bozo. Est-ce que genre, y en a vraiment qui le font? Parce que ça me terrifie, cette idée. Non, mais c'est moi, ça m'est arrivé, ouais. Le moment, vous savez, quand j'avais fait une IRL chez moi, que j'avais acheté une lunette de chien parce qu'il y en avait plus et que vous l'avez pété en 10 minutes, par exemple, tu vois. En 10 minutes, ouais, littéralement. Il y a un mec qui s'est dit, je vais l'honorer. Je ne sais pas, je ne côtoie que les toilettes à la Turquie. Le mec qui s'est dit, putain, une nouvelle qui va être des chiottes si j'essayais mon axe king dessus. Et vraiment, il l'a fendu en 3 parties. Et genre, après, obligé de faire... Non, c'est bon. Obligé de faire directement sans cuvette, donc t'es un petit peu en équilibre, t'as le truc qui te scie le dessous des cuisses et tout, franchement c'est une dinguerie, c'est trop bien. Ouais, mais au moins c'est froid. C'est à ce IRL là que j'avais fait croire que j'avais filmé ma bite sur la GoPro. Ah, ouais, que t'avais fait croire, ouais. Non, mais non, c'est vrai en plus, parce que je m'étais filmé en train de pisser exprès pour faire une petite scène, et puis je vais voir Pouls et je lui dis, excuse-moi, j'ai voulu faire une vanne, mais je crois que j'ai filmé trop bas. En fait, je savais bien que non, mais... Ce qui revoit les images, c'est mais genre la main crispée sur la souris. Tu t'es dit, ah putain, je me suis filmé ma top, mais en fait, non, elle dépassait pas du 4, t'inquiète pas. La GoPro, il y a un harnais qui les voit. Tu risques rien du tout. Une fois, j'ai glissé sur les chiottes et j'ai défoncé la cuvette, mais j'étais malade. Ah. Quel rapport. Ah, le mec, il se trouve des portes de sortie, tu sais. Comment ça, en plus, t'as glissé sur les chiottes et t'es debout dessus? Ouais, mais c'est comme ça qu'il fait, ouais, parce qu'en fait, lui, il aime que les chiottes à la turque, du coup, il est tout le temps en équilibre. Mec, essayer de yesh, genre, vraiment, c'est comme essayer de mettre un 3 points au basket, quoi. Genre, tu te mets debout sur les chiottes, quoi. Et genre, tu te penches, déjà, faut squat. Ça doit être une horreur à faire. Le problème, c'est si t'entends... Ah! Oh merde. t'as la chouse qui glisse et qui tombe directement fouf, t'es vraiment dans le trou. Ah putain, merde. Mais tu sais que des gens qui font ça, genre tu sais, il y a des gens quand ils vont dans les chiottes publiques ou un truc comme ça, tu sais, ils font une espèce de petit matelas de PQ autour, tu sais, pour pas toucher avec ton cul le même cul que tout le monde, tu vois. Et il y a des gens qui sont accroupis, hein. Genre accroupi vraiment sur la cuvette, quoi. Ah bah si. Quand, si tu fais... Ça perso, je m'en bats la race. Tu se laves squat pas sur les chiottes publiques. La cracadure, Mais après, en vrai, genre, quand c'est des chiottes publiques, genre en ville et tout, y'a pas trop de problème, tu vois. Mais quand c'est des chiottes publiques d'air d'autoroute... Ouais. Sans déconner, je préfère chier dehors. Hein. Mais ça, tu dis ça parce que sur Angers, on est civilisé. Bon, parce que toi, les chiottes publiques sur Angers, bah, tu peux y aller, quoi. C'est propre. Ah bah ouais. J'étais sur Paris, j'ai voulu aller dans des chiottes publiques. Et je pensais pas qu'on pouvait coller de la merde sur le plafond. Non, mais c'est parce qu'il a chié en faisant un peu le poirier, en fait. Non, je rentre dans les chiottes, j'ai pas fait un pas de plus. C'est quoi, c'est vous? Il y a un poteau, il est arrivé en mode freestyler, mon gars, il a chié en faisant du breakdance. Littéralement, quelqu'un a dû prendre sa merde dans sa main pour la jeter au plafond. Ah bah attends, je veux pas tirer les chiottes, je veux mettre ça sur le plafond. Quand le bouchard entrer, il va regarder, c'est marrant, il y a quelqu'un sur le plafond.
Moi, je vais être là, ouais, c'est mon caca. C'est comme Russiane avec son ballon d'eau au-dessus. Tu fais, ça va tomber, ça tombe. Mais ouais, genre le stress. Genre, t'es en train de chier, avec quelqu'un qui a foutu du caca sur le plafond, tu te dis, ça, c'est un peu le caca de Damoclès en fait, quoi, c'est chaud. Ouais, ouais. Si, si, il y a eu le prout, merci beaucoup Nico. Quelqu'un était en train de parler, du coup j'ai pas relevé, mais si, si, il y a eu le prout. En parlant de public récemment, le caca de la mofesse. J'en ai croisé une ce matin et j'entendais quelqu'un gueuler. Il y avait un gamin en fait dans les chiottes publiques. Sa mère l'avait fait laisser dedans pour les chier, sauf qu'il comprenait pas comment sortir et qu'il fallait appuyer sur le bouton. Et le gamin, mais hurlait alors que son petit frère se marrait à se foutre de sa gueule. Ah bah et oui. Le plus drôle, c'est qu'il sait qu'au bout d'un moment, dans les chiottes publiques, elles se nettoient automatiquement. Oui, oui, oui. Il y a un moment, il commence, il dit « Il y a de l'eau ! Il y a de l'eau !» C'est comme ça qu'on crée des traumatismes. Ouais, alors, littéralement. Ouais. Non, oui, mais totalement, le mec, désormais, il est traumatisé des espaces clos. Ah bah, mais, ouais. Mais le pire, c'est que c'est sa mère qui se marrait. La responsabilité. Par contre, c'est pute, quoi. Ouais, ouais. Mais s'auto-nettoie comment ? Parce que j'ai plein de... mon imagination, elle est fric. Contre chaque passage. Oui, mais comment ? Bah, y a des petits jets. C'est un sprinkler. La prochaine fois que tu rentres, tu verras les murs et le sol, c'est entièrement tapissé de la même texture. Ça balance de l'eau partout. Vraiment. Mais c'est quoi, c'est un sprinkler qui descend du plafond et qui fait tout autour? À mon avis, ils sont déjà. C'est des petites buses déjà. Des buses un peu incrustées dans des coins ou même dans. D'accord. Il faut les voir. À mon avis, on les voit. Il faut. Parce que si c'est au plafond, ça veut dire que le mec il a mis son caca pour pas qu'il sprinkle. Il faudrait que ce soit au plafond. Mais c'était un braquage en fait. Il faisait un truc, le mec. C'est Ocean's 14. Le mec il est rentré, vite lance ton caca. Je vais raconter la fois où j'étais sur un retour de vacances et du coup on s'arrête sur une aire d'autoroute de merde, tu vois. Genre, il y avait même pas de station essence ou de petit magasin ou quoi, c'est vraiment juste un parking et des chiottes, tu vois. Ouais, ouais. Et je me dis, tiens, j'ai un petit peu envie d'aller à CEP, tu vois, je vais aller dans les chiottes. Et genre, déjà, je vois les chiottes, elles sont dans un état rien que de l'extérieur, tu vois. Ouais. C'est douteux, tu vois. Du coup, j'ouvre la porte littéralement avec mon pied. Hein. Ouais, bah oui, oui. Si je touche pas à ça. Et genre, une chiotte normale, donc t'ouvres la porte, t'as un petit espace, et après, au fond, t'as les chiottes, tu vois. Ouais. Et là, en fait, si tu ouvres la porte, t'avais le petit espace, les chiottes, et entre les deux, une merde. Oh, le piège à la fin. Il y a un mec qui a loupé son cuiteux, mais de loin. De vraiment très, très, très loin. Ou alors, il est sorti en urgence. Ah, il a entendu un coup de feu. Il a entendu quelqu'un se barrer avec sa bagnole. Est-ce que t'as vu la vidéo? C'est un gamin qui est dans un Walmart. Oh non, et le gamin, et il est en train de se balader et tu le vois rester statique, quoi, 2-3 secondes. Et il agite allez. Il agite un peu la jambe et t'as juste un caca tout seul qui tombe genre de son short. Genre vraiment un petit, tu sais quand tu secoues la jambe tu fais un petit zzz, c'est comme ça, tu fais un petit tremblement et juste un petit colombin qui tombe tout doucement et il part tranquille, ça a pas de problème, tu vois. Mais ah, c'est un chat move, moi j'oserais jamais chier dans un magasin. Et tu vois, c'est un gamin. Bon, my friend. À la limite. Tu trouves un calbar plein de merde une fois. Oh. C'était chez toi. Oh mais non, tu sais, caché pourtant dans mon slip. Tu sais, caché dans mon slip. Ouf. Oh putain. Attends. Mec. Ah putain, il y a Bill qui l'a mis dans sur le général. Allez, la matinée est trop bien. Il y avait une chiotte pour plein de gens. Et à un moment, je rentre dans les chiottes, il y avait une grosse merde, mais énorme, toute lisse, pas de PQ, j'ai eu un double de regard. Hein. C'était une ogive. Tu l'as vu la vidéo? Tu l'as vu la vidéo? Mec, mais il est trop fort, le gamin, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est une institution aux États-Unis de devoir chier dans les magasins. Genre, t'avais pas vu, il y a une vidéo d'une nana qui était assez fat. Et genre, si tu veux, un moment, tu vois, genre, elle se penche pour regarder les trucs, et elle se retourne, tu sais, genre, elle fait semblant d'avoir tombé un truc, tu sais, elle touche par terre, et puis genre, mais vraiment, le splash down. We have splash down. Oh mec. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et voilà, donc ça, c'était le caca talk, c'est pas mal. Ouais, moi, je vais me chercher un truc à boire. Alors, par contre... 34-5.
Et bah ouais, voilà, donc il fait 34,5 dans la chambre d'Adwim, ce qui va me faire segouer sur le prochain sujet. Ça va pas être un stream très très long, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure sur le général, on est vraiment pas à fond là, on est tous en train de claquer de chaud. Barotrauma est relativement spécial en plus comme jeu, donc je pense pas que ce sera un de ces streams qui va jusqu'à minuit, très largement pas. S'il va jusqu'à 23h, déjà je pense qu'on sera bien, tu vois. Je pense qu'on aura là, bien. Vu la température. Il y a Scolar qui a mis la meilleure vidéo du monde. Mais il est trop fort! En vrai, si tu coupes assez tôt, peut-être que je reprendrai. Pour continuer un petit peu de Medieval Dynasty. C'est vrai. Oh, dis donc, une double night, ça arrive rarement. Allez voir dans le général la vidéo. Que Scolar vient de poster, elle est folle. Et je comprends pas en fait. À quel niveau et, il doit être compressé à combien de bars son cul. C'est surtout le caca qui arrive sur le côté de l'urinoir, ça me fait. Oh my god, it's Jason Bourne. Mais c'est fou quoi! Je comprends pas comment il a fait, vraiment je comprends pas c'est comment quoi il a fait. C'est quoi ce bord? Non, il a fait à côté, c'est pas possible! C'est pas possible. Oui, mais attends quand même. Mais comment tu stage ça? Mais tu peux pas avoir de pression, c'est un relâchement musculaire de faire caca. Bah oui. Ouais, enfin, rayon. Il est arrivé des moments où j'avais de la pression. Ah, parce que t'as du gaz derrière, mais. Mais peut-être qu'il a beaucoup de gaz! Oui, c'est vrai. C'est vraiment c'est un patator, tu vois. Pourquoi il chute de ça d'ailleurs? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il en a envoyé un autre. Mais c'est quoi? Attends, virez les vidéos là, ça commence à devenir quoi le général, mec? Il vient de poser. Directement dans le général sur le. Vraiment, sur le général du Discord quoi! Mec! Et par contre, est trop fort, le backflip tout shit on the floor! Ouais, le backflip tout caca, il est sympa! Hein. Incroyable! Oui, pourquoi t'en as autant de ces vidéos là, par contre, Scolar, ça m'intéresse aussi là, c'est assez étrange! C'est donc un back-to-back? Oh mec! Collectionne les tuiles, Scolar! Les tuiles? Oui, les tuiles, oui! C'est quoi les tuiles? J'ai pas la ref. C'est ce qui recouvre le toit des maisons. Le mec sur 4chan. Il collectionnait les tuiles. Non, pas les tuiles, les. C'était. Oui, non, pas c'est les tuiles. C'est le carrelage. Le gars qui a un fétiche sur le carrelage, ouais, bien sûr. Le mec, il avait un fétiche sur les patterns de carrelage. Et ça, mais sur les patterns. Attention, quand on dit fétiche. Ah, mais il branlait. Ouais, voilà. Et il s'était fait, je crois, presque gauler par sa sœur. Parce qu'il était en train de se branler dans la cuisine où il y avait un carrelage qui lui plaisait, je crois. Ah, c'était assez wild. Et genre, il avait quoi, genre. Non, t'as vu comment il était habillé le carrelage. Après, il fait de mal à personne, hein, écoute. Bah, si, au carrelage, oui, mec, y'a des fous, quoi. Tant qu'il vient pas chez moi, de toute façon, ils sont moches. Le mec, il va au Ikea et au cuisine, ils sont déjà morts. Moi, j'ai du lino, ça va pourrir. Moi j'ai littéralement du carrelage juste dans la salle de bain et la cuisine, s'il vous plaît les mecs, faites pas les cons quand vous venez chez moi. mais bon bref, du coup ouais, ce soir on va jouer à Barotrauma. Je sais pas pourquoi on a choisi ce soir pour faire Barotrauma exactement, je pense qu'on voulait faire un peu C'est moi qui voulais le faire quand quelqu'un a dit qu'il était en réduc, j'ai dit ah je veux le faire, c'est trop bien. Et je vais vous laisser maintenant parce que je vais décéder. Ouais non mais ouais, Adwim va pouvoir rester, c'est pas possible. Mais en tout cas merci Adwim d'avoir dit bonjour en tout cas, c'est bien, c'est gentil. Oui. J'ai pas encore vomi. Ça va venir, l'insolation ça va très très vite, demande à Spider. Bois beaucoup d'eau. Oui, je vais les boire dans la gamelle du chat, il y a un glaçon dedans. Voilà, bisous, vas-y fonce, bisous à Dwim. Mais voilà, on est à ce niveau là où on commence à perdre peu à peu des facultés déjà. En vrai, moi ça va. Hein. Bah moi aussi là, je suis tranquille en caleçon. Merci ouais. Conker pour le reset, merci beaucoup mec. Merci. Avec ton beau short rouge. Merci. Mais moi ça va, en fait le problème c'est que si je me tiens pas droit, je suis pas devant mon rafraîchisseur d'air. Et donc du coup ça m'oblige à garder une bonne posture pour être rafraîchi tout le temps, sinon je claque instantanément en fait. C'est pas mal ça comme training. Oui c'est pas mal, mais bon je me tiens relativement droit la plupart du temps, moi je suis pas quelqu'un de trop voûté, j'ai pas l'impression. Mais là de toute façon c'est obligé quoi, mais enfin je dis ça, mais même là juste en parlant je commence déjà à avoir bien plus chaud que tout à l'heure, c'est déjà... Déjà quand tu respires et tu sens clair qui rentre est chaud, tu sais. Oh mec. Ah, ça, c'est horrible ça. Ah c'est une galère.
Oui, c'est ça. Adwin peut pas rester parce que son bureau est vraiment sous les combles. Il est pas vraiment. À partir du moment où il y a du soleil, il y a du soleil sur sa chambre en fait. Enfin, sur cette pièce là. Tu sais ce que ça me rappelle quand j'étais. Je devais avoir genre 12-13 ans. Et chez un pote, on jouait beaucoup à Vice City à l'époque. Ouais. Sauf qu'il habitait dans une toute petite pièce sous les combles. Tu sais, sa chambre, son coin juste est là. Et en été, mais on montait, on pissait de sueur quoi. On jouait 4 ou 5 heures quand même, on s'en battait les couilles. Oh la vache, on perdait son, on devait avoir perdu 6 kilos. En plus, ouais, mais attends, c'était pour jouer à Vice City. Ouais. Mais en plus, genre, tu sais, t'as toujours un petit impact psychologique sur ce à quoi tu joues ou ce que tu regardes, tu sais. Genre sur ta température corporelle. J'ai l'impression que moi, en tout cas, ça me le fait beaucoup, tu vois. Et en plus, Vice City, c'est un jeu où tout le monde est en t-shirt, en chemise, c'est tout le temps orange. Genre visuellement, il est chaud déjà le jeu, tu vois. Au moins tiède, quoi. Et en plus t'es dans un micro-ondes. Et moi c'était pareil dans ma maison quand j'étais petit, j'étais vraiment sous bah tu sais, t'avais une pièce en triangle en fait quoi, tu vivais dans une pyramide, t'es vraiment sous les combles. Et je me souviens qu'à un moment il avait fait particulièrement chaud. Je me souviens pas beaucoup de canicules quand j'étais gamin, mais il y en avait particulièrement une où il faisait super chaud, mais je pouvais pas ouvrir mon Velux parce que la barre était trop chaude. Oh putain. Genre vraiment c'était brûlant et du coup il avait fallu que je redescende et que je prenne un truc pour pouvoir ouvrir la barre. Genre vraiment j'étais en échec et mat quoi. Et ça avait même rien, ça avait rien changé en fait d'ouvrir une fenêtre. Ça met juste de l'air chaud de dehors dans le dedans en fait, donc ça arrive. Si tu as quelque chose pour pousser l'air, oui, mais sinon c'est pas la peine. Bah c'est ça. Les mecs là qui sont en train de dire oh putain l'été c'est trop bien par rapport à l'hiver, vous en pensez quoi là maintenant? Moi je m'en fous, je veux le printemps ou l'automne. Le reste je m'en attends, parce qu'il y a quand même là déjà quelque part mathématiquement, si j'étais un avocat je te dirais ferme ta gueule parce qu'on n'est pas en été déjà, on est encore au printemps. Mais le début tu vois, voilà, t'as compris, ça va. Et juin c'est toujours c'est le mois où il y a les gros pics. Le reste de l'été peut être un peu chaud, tu vois, mais juin, c'est là où il y a les gros pics. Et je sais que en 2019, je crois qu'en France, le record, ça avait été 46 degrés. Et c'est pareil, c'était genre le 28 juin. Donc c'était c'était au bord, quoi. C'est de toute façon, les solstices, c'était un peu avant. Non, le solstice, c'est le 21 juin. 21, donc ouais, vu qu'on y arrive, les journées sont de plus en plus longues, ça a de plus en plus de temps à chauffer, tu vois. Bah, c'est donc, ça. C'est logique aussi. Donc à partir du 21 juin, on va commencer à perdre un petit peu des minutes. J'ai hâte de revenir au moment où il fait nuit à 17h. Moi, c'est mon moment préféré. Putain, l'enfer. Ah non. Oh, j'aime trop, moi. Non, tu rentres du boulot au frais, mon gars. Oh, quel boulot. Quand tu vas au taf, il fait frais. Quand t'es dans le travail, il fait bon. Quand tu sors, il fait frais. Tu te couches, mec. Tu peux mettre une couverture si t'as froid. Même deux, même trois, mec. Oh là, tu te réveilles. Ça me manque les couvertures. Oui, non, mais forcément, il vit sous un pont, l'autre, donc... Mais non. C'est vrai que toi, t'es à Castello Radi, il fait pas souvent assez froid pour avoir des couvertures, toi. Si, mais bon, c'est plus pour décorer. Mais je sais qu'il y a des gens qui... J'en fais pas forcément partie, même si j'aime bien, mais il y a des gens qui ne supportent pas dormir s'ils n'ont pas de couverture. Ouais, s'ils n'ont pas au moins un truc sur eux, tu vois. Voilà, ma sœur en plein été dort avec de couverture. Surtout qu'ici, dans les fruits, c'est 40 degrés. Bah ouais, non mais c'est pas possible. Alors, puis un petit coup de vent, hop là, on met une autre couverture. Il y a un truc que j'aimerais bien tester. Ouais, vas-y, maman, excuse-moi. Moi, je suis comme ça, j'ai du mal à dormir si j'ai pas un truc sur moi. Du coup, l'été, souvent, ce que je fais, c'est que je prends vraiment juste un drap et je me le fous genre sur l'épaule et ça me suffit en fait. Tu sais ce que je fais l'été ? J'aime pas, moi. J'ai une couverture qui est pas très épaisse, je la mets 10 minutes et après, quand tu l'enlèves. Non, de ouf. Ouais, carrément. Ouais, mais c'est tu vois, genre, c'est. Le trade-off, il est un peu bidon. Genre, tu mets ta couverture, t'as encore chaud, tu l'enlèves, il fait frais, et genre 5 minutes après, la sensation de froid, elle est passée. Oui, mais tu as profité de 5 minutes de frais, et c'est ça qui compte. Ouais, mais pour 10 minutes avec la couverture sur le dos. Je m'en fous. Là, actuellement, tu mets 10 minutes de frais, je vais en direct. Hier, j'ai réussi à trouver le sommeil. J'ai mis, je crois, 1h30 à m'endormir. Et c'est vraiment beaucoup pour moi. Je m'endors très très vite d'habitude, tu vois. Alors, attention, parce qu'apparemment, depuis, d'après Nico, le 27, faut que je prenne un pull. Parce que Dieu. Ouais. Ah, fais gaffe, hein. Tu vas te cailler, ouais, comme le lait, fais attention. Mais du coup, hier, vu que j'ai très souvent chaud, je commence à développer des tactiques. Et je me suis dit, ok, alors j'ai eu du mal à m'endormir, mais là je suis sur le point de m'endormir, je sens que ça vient, tu vois. Alors je roule ma couette pour faire une espèce de boudin, là où j'ai pas encore mis ma peau, tu vois, donc la couette est encore fraîche. Et je retourne mon oreiller, mec. Et j'étais, ah la putain, je suis tellement bien. Et je me suis endormi sur le coup, genre ça a vraiment un coup du lapin, quoi. Et c'était trop bien, ouais. Spider, il doit connaître cette sensation, l'oreiller frais quand tu viens juste de te raser la tête. Ah ouais, mec. Mec, c'est une jouissance. Mais moi aussi, hein. Et bah oui, c'est vrai que toi aussi tu rases. J'ai deux tiers de la tête qui sont rasés aussi. Voilà, c'est vrai. Mais toi, c'est franchement,
y a là, rien là, qui bat ça. Hein. Là, tu peux headroll, là, tu sais, tu fais... Ouais, mais moi aussi. C'est sur le tour de la tête que je suis rasé. Je me mets pas la tête comme ça sur mon oreiller, sur le dessus du crâne. Ça me refroidit le front. Ta tête, elle est pas sur le côté, sur ton oreiller, quand non, tu portes. Par contre, si tu veux, genre, crâne rasé ou pas, si tu veux, genre, quand tu transpires, tu sais, parce qu'il fait trop chaud dans la pièce, même allongé, si tu veux, genre, tu sens que t'as des gouttes de sueur. Et genre, tu sais, tu retords ton oreiller, et en fait, il est chaud parce que tu l'as déjà retourné. Ah ouais, ouais. Y'a plus rien, en fait, tu dors plus. Et non, moi, ça va, j'ai un oreiller long, donc quand je le tourne, je peux faire un 180 degrés sur le côté, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Mais faudrait faire un oreiller qui a plus de dimensions en fait, quoi. Ah voilà, comme tu pourrais, moi j'ai 4 ans. Ouais, voilà, tu pourrais le retourner 5-10 fois, tu vois, ce serait un peu stylé. Mais en ce moment, moi, j'ai pas le choix, je suis obligé de comment. J'ai tous les deux jours, je change ma tête d'oreiller, hein, parce que je supporte pas. Quand je sais que j'ai transpiré un tout petit peu sur ma tête d'oreiller, je trouve ça horrible. Et du coup, je fais une rotation tous les deux jours au maximum, tu vois. Parce que c'est trop relou, t'as l'impression de dormir dans ton jus et tu te dis putain ça va traverser l'oreiller et tout, c'est dégueulasse quoi. Un traversin, Russian, pour qui tu te prends? Non mais même les traversins, hein, ça devient chaud au bout d'un moment. Hein. Bah bon, en plus, c'est ça ouais. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est un moment qui est un petit peu à chier. À partir de... Parce que, alors oui, là ce soir on est sur Barotrauma, il fait chaud, etc., etc. Demain, on est sur Insurgency, sur le serveur à 10 slots. Donc si vous avez Insurgency, Sandstorm, venez jouer avec nous demain si vous voulez, un peu comme sur Breakfast. Mais demain, il va faire encore plus chaud. Ouais. Donc demain soir, ça va être vraiment une galère parce que Insurgency, c'est pas comme Barotrauma et on va être bien, bien plus tendu. Alors pas tendu de la même manière, mais au moins tendu. Et ouais, on va avoir le trauma du barreau. Ouais. c'est quand tu te casses la bite, ça t'as le trauma du barreau. Tu peux pas te casser la bite. Ah si, tu peux te rompre les corps caverneux. Oui, mais tu peux pas te casser la bite, y'a pas d'os. Oui, mais tu peux quand même tu peux casser plein de trucs qui ont pas d'os. Hein. comme un mec qui vit sous des combles me l'a dit un jour, je peux pas casser des couilles. Non, mais je parle pas de casser une couille, je parle de casser une bite. Ça arrive, hein. Et genre, ça te tord la teub. Et je pense que tu dois avoir des marques de pliure comme un peu. Alors, sur un papier, tu vois. Tout de suite, on a sa fille. Mais il sait non, pas. Mais... Et tu confonds tout. Il sait pas casser la bite. Il a roulé une couille. Sa fille, il a quand même survécu à une torsion et pour ça je dis respect. Hein. Franchement, mec, pourquoi les Sith ou les Jedi ils font pas plus ça? Torsion. Mec, non, mais c'est vrai. Mais ouais, mais mec, t'es un Sith, tu bouges la couille d'un mec et il se tord de douleur. Comment il fait? Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, genre, ils arrêtent des vaisseaux qui sont en pleine propulsion, mais par contre, pour tordre les couilles d'un mec, genre, les mecs, même eux, ils te trouvent. Non, c'est trop bas. Non, c'est pédé. Ouais. Si t'as la force qui touche la couille, c'est pédé. Ouais. La force, ouais, voilà. Non, mais ils sont pas assez créatifs, c'est toujours ça le problème dans les films ou les trucs où il y a des pouvoirs qui sont jamais assez créatifs. Ouais, ouais. Moi, si j'étais un Sith, vous auriez toutes les couilles à l'envers, les mecs, hein, je vous promets. Un champ de force autour de la bite. À part Yoda, parce que je sais pas pourquoi c'est dans l'esprit collectif maintenant que Yoda il aime le CBT. Et je me souviens de la vidéo de. C'est une vidéo qui est très connue, mais où il y a Yoda qui fait Crush my balls with a rock I must. Et t'entends un vieux bruit d'écrasage et il hurle. Et mec, c'est beaucoup trop bien. Et peut-être que Yoda, du coup, lui il arrêterait pas un Sith qui essaie de lui tordre les couilles, tu vois. Non, 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 mais lui il kifferait, c'est comme le lapin du métro là. C'est... Ouais, il fait. Maître, ça va. mais bon, bref. Est-ce que on essaye d'aller sur Barotrauma? Ah bah écoute, nous on est déjà sur le serveur, on attend. Hein. Ah d'accord, ok, vous m'attendez moi. Ok, bah bougez pas, j'arrive, je coupe les Sims. La soundtrack, hein, j'étais pas en train de jouer aux Sims pendant l'intro. Je suis pas non professionnel à ce point-là quand même. J'ai jamais encore, genre pendant un broadcast ou pendant une intro ou quoi, joué à autre chose en même temps, tu vois. En fond. Ouais, bah, je sais que moi je l'ai fait pendant une réunion, je l'ai pas dit, mais j'étais en train de faire du Isaac et à chaque fois, en fait, tu veux. Tu l'as dit, hein, tu l'avais dit. Ah oui, je l'avais dit. Ouais, ouais. Ouais, genre, je cache rien, je suis pas quelqu'un de mauvais. Et genre, pendant une réunion aussi, je me souviens très bien, on l'entendait. Ça, c'était qui? C'était Poléon, et je lui dis, Poléon, tu fais quoi? Il fait, je joue à Diablo. Je lui dis, ah ouais, d'accord. Du coup, ça m'était arrivé et je jouais à Gran Turismo 7 et c'est Spider qui m'avait call out. Le bâtard! Parce que ça, au début des cours, ça te fait le petit décompte là, ça te faisait sur la manette, tu sais, le haut-parleur de la manette. Ah merde, d'accord, ok.
Attends, je vais baisser juste un petit peu le son de Baro Trauma, même s'il est pas très très fort, c'est pas un jeu qui est très fort, j'ai l'impression. Alors, moi niveau ordre, j'ai pris ingénieur, capitaine, mécanicien. Où est-ce qu'on fait ça? Ah oui, oh, préférence d'emploi, d'accord. C'est ça. Capitaine, agent de sécurité. Ah bah ouais, mais ça m'intéresse pas alors. je vais me foutre mécano, suivi d'agent de sécurité, suivi de capitaine. Ah, moi j'ai foutu médecin, mécano, ingénieur. Donc, Ok. Je vais garder mon perso là. C'est le perso que j'avais testé tout à l'heure. Il a une nuque longue et une moustache, donc je trouvais ça incroyable. Yes. À savoir que Baro Trauma. Qui a fait l'entraînement ici de Baro Trauma? Moi ouais. J'ai fait les deux premiers, mais j'ai pas pu finir le reste. Ok. Je les ai tous fait. Ok, moi aussi j'ai tous fait. Momo, tu les as tous fait? Ok. Donc c'est pour vous expliquer à quel point on connaît Baro Trauma. C'est un jeu de type voilà Space Station 13 SS13 dont je sais pas si vous connaissez beaucoup. C'est un peu un jeu de niche qui circule un peu de temps en temps, mais ouais, c'est un jeu qui est relativement poussé. Comment? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah ouais, tu fais des blagues, ok, d'accord. Ouais, ouais. Et on avait juste un conseil de B4 qui disait prenez un bot pour vous aider pour l'électricité, je crois. C'est ça, ouais, mais après, je sais pas si on le fait pour l'instant. Non. Mais... Écoute, de toute façon, on est parti pour claquer dès le début parce qu'on a jamais joué. On a littéralement déjà, jamais joué. Est-ce qu'on raconte l'anecdote de tout à l'heure quand on a lancé le serveur? Tu veux la raconter? Ouais. Vas-y. On a commencé. Si tu veux, déjà, Rutian, je l'ai vu. Moi, j'étais médecin et je savais pas comment ça se jouait. J'ai foutu des opiacés. Il est devenu addict. Voilà. Ensuite, il a vu des clowns dans la station, sous-marine. Il les a tabassés. Il a eu des menottes. On était bloqué, du coup, dans le sous-marin avec des menottes. On n'avait pas rempli l'oxygène. On est mort instantanément après. Genre vraiment, en plus, je vois un clown, je me dis bon bah par réflexe je commence à le tabasser, je lui fous des coups de cutter plasma. Et y a deux mecs qui arrivent avec des matraques qui me foutent une rouste mais pas possible. Mes yeux se ferment, je me réveille sur le sol, les mains dans le dos, dans le sous-marin. Et je commence à voir la vision qui se brouille un petit peu, je dis Spider c'est quoi ça? Et en fait je vois la jauge de deux qui commence à baisser lentement, je dis ouais d'accord ok je vois ouais. ouais. Alors attends, je vais changer juste mon pseudo, je vais juste mettre Ruru, ouais, que ce soit un peu plus clair. Et prêt à commencer, c'est parti. Mais ouais. On va se démerder, Momo, on va t'expliquer un petit peu sur le tas. En vrai, c'est pas très compliqué. Enfin, le control scheme, il est un petit peu comme, Zomboïd en fait, quoi. Oui. Ouais. C'est un Zomboïd en 2D, hein. On va mourir 20, 30, 40 fois, puis après on va comprendre un peu comment ça marche. Faut se mettre prêt, Momo. T'en bas. À savoir que Momo a pas envie d'être là. Non. Pour beaucoup de raisons. Ah oui, même on la voit pas l'eau, c'est bon. Ah oui, mais elle se remplit quand même dans les ballages. Ouais. Non, alors, l'eau, on la voit pas. Ouais, mais. On la voit pas jusqu'à ce qu'ils doivent sortir pour faire des réparations sur la coque. Oui, ou qu'on se mange des trucs et que ça fasse des fuites. Voilà. Et tu verras ça. Il y avait une. Oh, ok, bah prêt à commencer, c'est ce que j'ai dit, ouais, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est bon. Ouais, okay. Non, c'est bon, oui, si elle était prête. Il y avait une astuce que j'ai lue tout à l'heure. N'hésitez pas à utiliser les fusées éclairantes pour vous retrouver dans les caves sous-marines. Ah ouais. Non, merci. Non, ça ira. Ok, donc du coup je crois qu'on commence. Oh là là. Attends, vous aussi vous avez un pavé là. Ouais. La surface de l'air irradiée d'Europe, la lune de Jupiter se dissimulait une vaste mer. Okay. Ta gueule. Voilà. Donc on est en gros sur une des lunes de Jupiter qui s'appelle Europe et on est dans les grands océans sous Europe. Évidemment, je suis capitaine. Donc on se déplace comme sur Coop. Oui. Attends, appuie sur espace, Momo. Oh, t'as pu. Et oh, j'ai fait un grand écart. Wow. Oh putain, il se passe des folies là. Ok. D'accord. Je sais pas comment va se passer un petit peu le light rag, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc pour l'instant là, je crois qu'on est dans la station. On peut acheter des trucs, se soigner ou quoi, ou prendre des missions aussi, je crois. Ouais. Et notre sous-marin, il est en dessous. Alors on peut pas dézoomer, je crois, sur le jeu, hein. Non, il faut bouger ta souris loin pour dézoomer en fait. Ouais, mais ça dézoome même pas tant que ça en fait. Non, c'est assez limité. Hein. Donc il y a les. Wow. Ok. Momo qui fait juste un backflip. Oh là. Ok. Je viens déjà de me péter la gibole. Attends, il y a une combinaison de plongée. Ah ouais, mais non, mais si on la prend, on va la voler. Ok. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une espèce de petit aspect.
Bah je dirais pas immersive sim, mais tu vois ce que je veux dire quoi, donc tu peux voler les gens, tu peux te faire agresser, etc, etc, tu vois. Alors ouais, on sait qu'il y a beaucoup de hardcore gamers qui ont 8000 heures sur Barotrauma et sur Space Station 13. À cela répondrais-je, j'accuse vos gueules. Allez, on peut reculer. On n'a pas besoin de vos conseils, on a envie de claquer tout seul sans que vous nous aidiez. Donc vous inquiétez pas, on va se démerder avec, avec ce qu'on a et avec ce qu'on sait, d'accord? Merci beaucoup, m'obligez pas à gueuler. Bon, attends. Sous-marin. Donc, en fait, le sous-marin, c'est par ici. Ah bah, mais. Enfin, ouais, du coup. Là où on avait pop, là où on avait pop. Ah, salut. Alors, je sais pas si j'ai pris plein d'échelles, plein de trucs. Ah merde. Là, non. En gros, il faut juste. Il faut juste retourner là où on a pop et il y a une échelle pour retomber, pour retomber dans le truc. Voilà, ah, regarde. Je vous vois sur la map. Sur la map? Enfin, sur la droite. Ah non, c'est le truc de. Okay, non, mais non, tu vois rien. Il faut descendre par là. Ce qu'il a dit, il s'est jeté. Il s'est juste jeté dans le truc. Et donc, du coup, là, je crois que c'est chez nous. C'est chez nous. On a trois. Momo est étourdi. Non, c'est vrai. Ah, ok, oui, quand tu fais espace. Quand tu fais espace, ça considère comme étourdi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a. Trois combinaisons de plongée. Ouais. Scat hein. Qui fait de la GRS, mec, c'est un truc de fou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Touche pas. C'est quoi ça? Laisse-les. Chut. Ah mais ça va dehors, ça. Non. Non, je crois pas. Ah, c'est fermé, ouvrez. Ok, la pompe est active donc je pense que c'est bon, ça va. Oh non, putain la vache. Il est où le sous-marin? On y est dans le sous-marin. Ah mais oui. On y est là, on a passé les écouteilles rouges, du coup on y est dans notre sous-marin là. Faut qu'on se familiarise un petit peu avec les lieux. Ouais attends, je prends un peu le... Alors ici t'as des grenades sous-marines, ok. Placard à provision. Oh putain, il y a des chips. Ah non, masque de plongée, tiens, je prends ça direct. Ici c'est ici c'est la salle des commandes, donc Scad c'est toi qui va devoir utiliser ça. Ouais. Placard à médicaments ici, ah, du coup c'est toi, plus toi, Spider. C'est ici, ok d'accord, ça mène pas. On a le même rôle nous. Ok d'accord, bah écoute, nous je crois qu'il faut juste qu'on prépare les conneries qui pètent hein. Ça mène de la... J'adore ce truc. Mais tu peux cliquer sur le périscope, regarde. Ah un peu. Oh, au moment. Que vois-tu dans ce périscope? Tu diras pas au RH. Et Momo. Ok, et du coup, on peut voir le périscope. Et on peut voir rien en fait. Pourquoi y'a Spider qui a dit que le Airlock Success il était en feu? Ah non, mais j'ai fait des conneries. Hein. Oui, parce qu'avec le bouton milieu souris, en fait, tu peux donner des ordres ou des communications. Et je pense que c'est ça qu'il a dû faire. Oui, ici, t'as les étagères à munitions qu'on peut charger en fait ici, dans les lance-pires. Bon là, les lance-pires sont déjà chargés. Et en gros, faut mettre les munitions dedans pour pouvoir tirer avec le périscope en fait. Donc c'est un peu la position artilleur. Attends, moi, je me familiarise moi pendant que les autres sont en train de faire les cons. On peut descendre ici. Ça c'est quoi? C'est juste un ballast? Ah c'est juste un ballast avec une pompe. Ok, donc le contrôle de toute façon est automatique, on a rien à foutre a priori. Hop, laisse-moi monter par là. Ok, donc ça c'est une des extrémités. Là on a toutes les salles de raccordement. Ouais, ok, on a un électricien ou pas? On n'a pas électricien. Ça va être nickel ça. Parce que ça peut payer. Alors tout le monde peut plus ou moins s'occuper de tout, mais sauf que bah on sera moins bon quoi. Et genre voilà, c'est le genre d'interface qu'on peut avoir dans Barotrauma. Voilà, on voit ici l'énergie et la charge. L'énergie et la charge qui sont données par un réacteur nucléaire qui doit être quelque part. Ici, il y a un désassembleur et un fabricateur pour pouvoir faire par exemple comment ça s'appelle? Des extincteurs, c'est ça. Et c'est quoi ça? C'est ça le réacteur nucléaire. C'est ça le réacteur nucléaire. Attends, je vais montrer un petit peu. Voilà. Donc là on est en contrôle automatique, mais voilà un peu la gueule du réacteur nucléaire. On voit un peu toutes les avaries qu'on peut avoir dedans. La charge qu'il faut contrôler un tout petit peu, histoire que ça nous pète pas la gueule. Ici on a les barres de combustible et 3.16 Rentgen, ouais. Référence. Tournevis, tiens je vais prendre un pied de biche au cas où je dois m'attraquer un enculé.
Eh, Spider. On a de l'oxygène ou quoi, ici d'ailleurs? Bah, il y a un générateur d'oxygène là. Où ça? Là où je suis. T'es où? Tout à l'extrémité gauche. Tout à l'extrémité gauche. Après le... Ouais, là, d'accord, ok. On n'a pas de lit. Donc, ah oui, mais le générateur d'oxygène, c'est pour créer des bouteilles d'oxygène? Ou c'est pour vraiment... Oxygéner dans tout l'appareil, j'ai l'impression. Ouais. Insérer une bouteille d'oxygène pour la remplir. T'es sûr? Bah, vraiment. Ouais, non, t'en sais rien, ouais. Elles sont vides, tu les mets dedans, ça les remplit, ouais. Mais du coup, pourquoi on est mort tout à l'heure? Bah, je sais pas. On a dû faire une... Parce que vous deviez avoir vos masques à oxygène sur vous, vous n'êtes peut-être pas enlevés. Et du coup, comme ils étaient vides, vous êtes morts. Oh putain, mais c'est ça. Comme on avait fait, on avait failli faire... Non, on avait fait, Scad, sur le jeu à la con, là, dans l'espace. Empyrean Galactic Survival, ouais. Putain, tu te souviens du nom? Ouais, ouais, on était sur une planète et on était en train de crever parce qu'il y avait pas... nos réserves d'oxygène étaient finies. Ouais. Et on est mort alors que l'atmosphère était respirable. C'était vraiment Buzz l'éclair, quoi. ok. Y a pas de lit, par contre, pour se reposer? Ouais, je sais pas, peut-être qu'il est pas assez grand pour. Quand tu dors en fait dans un lit, ça te permet de. Comment dire? De régénérer un peu tes HP sans utiliser d'objets. Qu'est-ce que tu fous là? Non, c'était un peu au-dessus, non? Bah non, parce que là on sort. Ça nous ramène à la... Mais du coup, t'as pas pris. Oh là! T'as pas pris de mission du coup? Si, j'ai pris une mission, je crois. D'accord. Parce que sélectionner une mission et quitter la riposte. Il y a une station balise inactive dans ce passage. La réactive facilitera le développement de ces mutations humaines vers les personnes voisins. Et du coup, ouais, voilà, on a une mission de transport de matériel marinier. Minier. Mais... C'est où que tu vois ça? Là, ça remontait par contre, moi. Sur la map, là. Dans quel menu je peux voir ça? T'as pas un menu genre sélectionner mission et quitter la riposte? Où ça? En haut, tout en haut. J'écarte. C'est tout, oh là. Je le vois pas. En fait, la carte, on est dans l'avant-poste habité Undermoist. Undermoist, ok. Et en fait, au-dessus, il y a l'avant-poste Kritogorsk. Ah ouais, Kritogorsk, ok. Et on a une mission, en fait, j'ai l'impression que c'est dessus, du coup. Mission exacte, faut monter, ouais, faut aller au nord. Ouais. Ok, et du coup, Scad a lancé l'appel, ouais. Les enfants, je fais l'appel, est-ce que tout le monde est là? Oui. Oui. Ok, on y va? Oui, ouais. Faut qu'on aille à Kritogorsk, capitaine. Ça marche, on y va. Ok, une cargaison de matériel doit être transportée au secteur avant-poste Kritogorsk et 800 braves. Ouais, mais on l'a? Ouais. Ah non, je l'ai pas sectionné. Ok, c'est bon. Non, mais on l'a, la cargaison? Ouais, c'est bon. Ah, elle doit être dedans. T'inquiète, ça va le faire. Ok. Non, sinon, bah tant pis, quoi. Non, parce que c'est pas vraiment un open world, je crois que c'est des genres de... Ah, c'est un truc à la FTL, en fait. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, écoute, on y est, hein, là, on est dedans. Ah, attends, faut qu'on règle peut-être un petit peu la turbine, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu undercharge. Attends. Faut que je regarde il n'y a plus la carte. Température basse. On s'est mis, je crois qu'on s'est mis déjà dans un truc où on va pas gérer en fait. Production élevée. Ouais. Ingénierie électrique niveau 50 nécessaire. Ouais, parce qu'en fait t'es en train de m'expliquer que là je sais pas ce que je fous en fait. Cliquez sur la vue sonore. Je sais pas ce que je... Donc on a un sonore actif. Non, maintenant que c'est chaud, je peux peut-être mettre en contrôle automatique. Bon, on va foutre en contrôle automatique. C'est dans le vert, ok, ouais. Bon, là, on a l'électricité, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est bon, là. Ouais. Ok. Le capitaine, là. Le périscope. Oh, putain, là, je périscope au Périgord. Attends, parce que je suis en train de prendre de la profondeur et ça me stresse. Je sais pas pourquoi. Comment ça, tu sais pas pourquoi? Tu peux décider. Ah, c'est bon, c'est bon. T'inquiète. Non, faut mettre le sonar actif. Voilà. Ouais, on est bon. On a encore de la marge, on a un peu de caillasse derrière, mais ça va le faire. Ok, capitaine. Hey, capitaine. Regarde, capitaine. Regarde, tu vois, je vis. Bubble boy. Prosti. Pourquoi c'est marqué incendie? Fire. Ça. Là. Sur l'alarme. Ah non, c'est pour déclencher l'alarme incendie. Déclenche. Ok, d'accord, ok. Pourquoi okay, je peux plus piloter? Quoi? T'as mis le... J'arrive pas à le piloter. T'as mis le... Non, je viens d'enlever l'automatique là. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on se dirige. Ouais. Ah oui, du coup t'as pas pu finir tous les trucs en fait. T'as pas pu faire le truc de capitaine.
Pourquoi on n'a pas autant d'électricité qu'avant? Merde. Attends. merde, c'était où? C'était là, je crois. Ici. Ok, je vois comment ça marche. Je crois qu'il se passe un truc, peut-être avec le général. Mais je me perds en plus. Non, c'était pas là. C'était où? C'est fermé. Attends. Là, c'est là. Oui, il y a la flotte en bas. Bah, c'est dans les. C'est dans le ballast, c'est normal. Ça fuit là, non? Ouais, ça fuit là. t'as pas de couteau pour. Non. Putain, non, c'est bon. Pourquoi on est en production élevée? Pourquoi ça fait ça? Mais ça va dans tous les sens. Et laisser en automatique. Hop là, on va frôler 2-3 trucs, mais techniquement ça passe. Mais je peux pas laisser en automatique parce que du coup ça va vraiment dans tous les sens. C'est quoi ce bordel? On a plus rien, on est en train de descendre au fond là. Oui, bah écoute. Plus d'énergie, qu'est-ce que vous faites? Mais le réacteur est en train de péter un plomb. On va taper. On descend, putain. Attends, y'a pas de. Mais remets des trucs! Mais non, mais j'en ai pas! J'ai pas de barre à fission! Oh putain, remonte! Oh là 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 là! Ah ouais, les gars là, ça sont plein de sa mère! Les barres de combustible sont là-dedans! Elles sont là! Comment on fait les On tape le fond! Oh la vache, ça a tapé! J'ai senti ça a tapé! Je mets plein de barres! Je me sens pas grave, ça va surchauffer! Non! Putain, ça surchauffe! Les mecs, ça surchauffe! Putain, vite, on a 300 mètres de l'avant-poste! Ok. Momo, ça fuit, hein! Bah oui, bah attends, je suis en train de regarder les ballasts, mais. Ah, y'a de là-haut! Oh là! Oh là! Ça fait des pieds! Ok, les mecs! Attends, y'a un extincteur! Ah non, mais c'est normal, l'eau c'est juste un bug graphique. Hein. Ouais, c'est bon, c'est normal! It's fine! Everything's fine! C'est bon! Y'a de l'eau dans ma cabine! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Putain! Pourquoi ça crame là-haut? C'est rien! Occupe-toi de ton boulot! On tape! Bon, je suis sous l'eau, je peux pas piloter. Oh la vache, y'a deux. Je crois que je suis mort. Médic. Attends, c'est un peu chaud là. C'est pas grave, on est coincé à 2 km sous l'eau. C'est bon, je me suis remis en contrôle automatique, on touche plus à rien. Y'a des cibles en mouvement autour. Des cibles? Oui, y'a des trucs qui bougent. Ah oh, ça va, c'est les poissons, je crois. Ah, ils sont fat, les poissons, quand même. Putain, pourquoi... Oh, c'est quoi, ça? Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, casse-toi. Pourquoi l'eau, elle vient du haut? Mais pourquoi elle... Mais oui, parce que les ballasts, elles sont en bon état, hein, donc... Y'a un truc qui... Oh, la vache! Mon score, montez pas, y'a un truc en haut. Ferme la porte. Mais faut réparer. Bah, faut réparer où? Attends, mais j'ai... Mais dévoré. Il m'a dévoré. J'ai un pied de biche, on peut le taper. C'est un gun, comment on s'en sert? C'est un plasma gutter. Ok. Mais ça peut peut-être marcher. Il est mort. Ouais, il est mort. Faut qu'on aille réparer. Ouais. La vache. Rouvre. J'ai perdu ma casquette. On peut pas monter. Attends, mon boss il est pété. Comment je fais? Carburant de chalumeau? C'est quoi que j'ai mis dedans? Du gaz? C'est pas ça? Merde, non, je me suis gouré. Je crois que c'est bon. C'est pas bon là. Ici là. Mais y'a de l'eau partout. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, je respire. Je vais pas respirer longtemps, mais. Attends, vite l'eau descend. Vite l'eau descend, oui. Ah, presque. Non, la porte. Russell, il est tombé. Laissez ouvert. Pourquoi ça fuit? Mais ça repleure en haut, là. Faut ressouder. Soude. Mais souder. Mais ressoude. Je peux pas. Scad, appuie sur G. Attends. Remonte-moi. Ah, là, c'est bon. Tiens-moi et remonte-moi. Ça, c'est bon. Ah. Vas-y. Allez. Je vais t'aider. Oh la vache! Oh la vache! Ah, capitaine! J'arrive! Tiens bon! Il est où, Spider? Je crois qu'on est bon. Je suis à gauche. Attends, je te rallie avec mon cul! Attends, je te rallie avec mon cul! Allez, reviens! Ferme la porte, tu vas retomber! Par là. Allez, Lucien, ne me lâche pas! Attends, enlève-moi mon masque!
Si c'est bon. Je peux pas. Je suis en train de m'étouffer dans mon masque. Je peux pas te l'enlever. Mais ça va rien faire. Si on est bon. Ça y est. Oh putain. Ah merde, t'es mort. Ah non, non, c'est, non, bah non, c'est pas, ouais, c'est pas bon du tout en fait. Attends, je te finis. J'ai plus de balles. Et si c'est bon, ok. Alors, moi je vais fumer ma pipe. Il y a plus de flotte déjà, c'est pas mal. Je réapparais dans 5 minutes. Bon, ouais. Tu répares ou tu répares pas. T'en veux ? On entend encore un bruit qui coule. T'en veux ? Ah bah je veux bien. Alors les mecs, tu peux me réparer ça s'il te plaît ? Il y a un truc que je pense vous allez trouver relativement drôle. La salle du réacteur est entièrement pleine de flotte. Au moins, il n'y aura pas de surchauffe du réacteur. Mec, la salle des machines des fabricateurs, elle est entièrement recouverte d'eau parce qu'il y a un rampant qui est en train de bouffer la carlingue en fait. Oh merde, mais j'ai plus de balles, je peux rien faire moi. Mais non, mais prends le... Va au niveau du périscope et tire. Ah, je peux pas parce qu'on est en mouvement là. Oh merde. Quelqu'un peut aller au périscope? Y'a des balles au niveau du truc médical, juste en dessous ce qu'il y a. Mais il est dehors hein, il est pas dedans, il est dehors en train de bouffer, donc faut prendre le périscope. Mais si, faut prendre le périscope. Attends, je le cherche, je le cherche. Attends. Il est en bas à droite, il est en bas. Non, vas-y, continue à droite, Scad. Continue à droite, non, non. Ouais, ouais, ça marche. Y'a Voilà, tu prends le périscope de droite. Et il est où le. C'est celui qui est dessous et à gauche, regarde à gauche, il est là. Voilà, tu l'as vu, tu l'as vu. Flingue-le, voilà, flingue-le. Oh la vache. Tu peux tirer en automatique, hein. Mais attends, 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 non, 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 ça utilise beaucoup d'énergie, ça utilise beaucoup d'énergie, faut pas le stresser là. Ah, bon, c'est la galère, c'est la galère. Putain. Mais il est dans le vaisseau. Allez, il nargue, donc. Flingue, flingue le presque, 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 presque. Vous êtes tout niqué ici. Ouais, alors, c'est bon, tu l'as buté, tu l'as buté. Pas plus bas, parce qu'après tu sors du vaisseau. Hein. Ok, on, j'irai après dans 3 minutes. Je suis en train de saigner ou... Je peux te réanimer encore. Momo, je crois que dans le casier qui est juste à côté de toi, il y a un truc pour souder. Ouais, mais j'en ai un de trucs pour souder de toute façon. Ok, d'accord. T'as un masque oxygène? Non, bah écoute, on va y aller à l'ancienne, hein. Ok. Vas-y, vas-y, Momo, vas-y, Momo. Oh putain, Momo. Pourquoi le ballast de droite, il se remplit? Bah, c'est pour vider la flotte. C'est normal, tout est... Ok. Alors, c'est la merde de ce cascade. Ouais, parce que ouais, là, ouais, je vois ça, ouais. J'ai l'impression. Hop, vas-y, vas-y. Ouais, c'est pas une impression, Lucien. Hein. Moi, je fume un petit peu ma pipe. Son O2 a dû péter à cause de la chaleur du réacteur. Je crois que c'est pour ça que j'ai des KO. En fait, ma bombe à oxygène dans mon dos, elle a explosé. C'est possible. Ah, ouais, j'ai pas les dents en fait. Okay. Oh là. Ah la vache. Momo, c'est le seul qui a pas joué, c'est le seul qui est. Enfin, non. Ça, va, ça se vide, ça se vide. Ça se vide, ouais, ça se vide, c'est bon, c'est bon. Petit rafraîchissement. Ouais, bah oui, attends, il fait chaud. Amuse la bouche. Vas-y, je t'attends, regarde, viens où il a fumé. Le. Tu sais. En au-dessus aussi, Momo. Oh, c'est les batteries, c'est les raccordements, on a pas d'électricien. Ouais, de toute façon, les batteries, voilà. Oh la vache, c'est tout niqué là, ok, attends. Ah. Je pas aller là, hein. Je vais remonter, moi. Eh hey, le réacteur il... On est d'accord, il se passe un truc hein, au niveau du réacteur hein. Non ça va. Allez, 1 minute 40. On réapparaît dans 1 minute 40. Ah putain. Tu peux pas me flinguer? Ok. Non. Non ok c'est bon. Au-dessus au moment ouais. Ouais. Ok. Et pourquoi en dessous c'est encore sous la flotte? Mais l'eau va baisser au fur et à mesure, c'est juste que c'est long Ah ouais les batteries. Regarde, là elle baisse, regarde, l'eau elle baisse. On est bon là? Oh, y'a des trucs pétés, je sais pas ce que c'est. À l'arrière en fait. S'il y a des trucs avec les. Un petit symbole avec une clé, Momo, faut les réparer à la main. C'est pas ça, c'est quand j'utilise le. Ok, ok. Mec, regarde-moi. Je peux sortir ma pipe et mon flingue en même temps. Ah, ça tue! Ah, c'est classe! Ah, bon, on peut voir le sous-marin de loin. Regardez pas le sous-marin de loin, regardez pas le sous-marin de loin. Non, faut pas, non. Non, faut pas. Fait. Merci, Nate. Ouais, toi, tu peux pas, faut être mort. Ok, d'accord. Merci, Nate, pour le sub. Merci beaucoup, mec. Est-ce que tu peux réapparaître avec une pénalité, mais Ah bah, j'espère que t'as cliqué dessus, parce que ça prend 5 minutes pour respawn, hein. On a encore une brèche, par contre, dans le ballast arrière, là. Ah, attends, j'y vais. Je répare le générateur, là, et... Dans la citerne à ballast 1, on a une brèche de la coque... Et 49% de niveau d'eau. A cog breach. Ok. T'as Momo, il a jamais joué au jeu, il a peur des fonds marins, mais il fait tout le taf. Le mec, il a géré tout de A à Z, quoi.
Genre l'électricité, ouais, donc, par contre tous les fabricateurs, toute l'électricité est morte au niveau des bâtiments. Plus, plus loin, Momo. Ah, ok, c'est l'autre. Alors tu vas t'emmerder dans ton ballast parce que la pompe elle est à moitié nickel à 32%. Je vais essayer de m'occuper de la salle des machines avec les batteries là. Je vais essayer de refaire l'électricité dedans. Allez, moi je fume ma pipe. Bruxelles qui fout 3 barres de combustible, ça va pas du tout. Ah putain, ouais, y'a un truc là. Oh, faut que ça crame, qu'est-ce que je te dise. Taxe de la faucheuse. Le patient est tourmenté par des visions douloureuses de mort et de renaissance. Ça reste les souvenirs de sa vie passée. Un avant-poste, ok, faudra parler à un médecin. On est où là? Où est-ce qu'on est? On est au niveau, en dessous de la au-dessus de la balestre. Et du coup, ouais, c'est ce qu'il y a de là. Ok, bon, je vais aller m'occuper. Oh, mon dieu. Je crois que c'est ça. Ok. On va réparer ça déjà. Va falloir qu'on fasse tout le raccordement, je crois. Attends, scad, arrête de courir. Normalement, la balastre est bonne. Bon. T'as des morsures. Ouais. Ah oui, bah le truc qui m'a un petit peu pété le cul, quoi. Voilà. Arrête de bouger, scad, si je peux pas te tenir. Mais voilà. T'es sur moi, ça me stresse. Voilà. Je vais aller en bas. Non, mais tu peux pas respirer pendant quelques secondes, mais c'est parce que c'était les opiacés qui font ça. Ah. Tu chies avec tes opiacés. C'est bon, on peut repartir. C'est bon, là. Attends, c'est encore la merde. C'est quoi? Ouais, bah je vois qu'il y a encore la brèche vers le milieu droite de le bas, milieu droite de la citerne à ballast B là. Ah, bah c'est rien, Momo, tu vas sortir pour réparer. Bah pourtant, je croyais l'avoir réparé, j'ai été laissé. Ah, non, t'es là, oui, je crois que c'est une soudure de coque, je crois que c'est externe. Hein. Ah, bah démerdez-vous. Bah, je vais essayer. Je fais un œil avec une tenue de plongée vite fait, attends. Ok. Fais gaffe. Ouais, bah on a pas le choix, hein. Ok. Je sais pas si le raccordement a pris cher, tu penses, Momo, ou quoi? Je sais pas, je suis en train de tout réparer comme je peux, j'ai pas le niveau. Donc, bah oui, mais moi aussi, hein. Ok. Il faudrait peut-être un chalumeau si je vais dehors, attends. Ouais, il y en a un dans une des armoires, je sais plus laquelle. C'est même pas un chalumeau, c'est un plasma cutter qu'il te faut, non? Ah, il te faut le plasma cutter? Bon, bah écoute, j'en ai Non, le plasma cutter, c'est pour couper. Bah normalement oui. Ouais, c'est vrai, oui, Romain. C'est le welding tool qui te faut. En toute logique. Romain, ouais, non, ça ok, ça allait. Ça c'est quoi, y'en petite a pompe part de welding tool, là. La petite pompe ici, elle est pétée. Quelle idée de pas prendre un ingénieur pour le réacteur. Putain, hey, mec, hey, quelle idée. Ça c'est pété aussi, quelle ça. Idée, ouais. De pas prendre un ingénieur pour le réacteur, les mecs, quoi. L'injecteur. Oh là là. J'en trouve pas. Oh, des balles de revolver. Ok. C'est pété, ça, quoi. Composant relais. Alimentation bon, zéro. Ah ouais. Engine. Par contre, je ne trouve pas un de... Non, mais prends un chalumeau, ouais. J'en trouve pas, justement. Bah c'est pas ça qu'il y en avait là. Dans ce placard-là. Si, un chalumeau-là. Reviens dans la pièce d'avant, à droite. Ah non, c'était Spider, pardon. Ouais, voilà. Suis-moi, viens là. Et c'est dans ce placard-là, regarde, il y en a un. Yes, nickel. Regarde bien s'il a ce qu'il faut dedans, mais a priori... Ok. Allez, je vais aller voir ça. Avec un tournoi, Russian, si je meurs, regarde ma pipe. Ok. Oh tiens. Tu vas sortir... Ah ouais, avec plaisir. Voilà. Capitaine, j'ai paumé ta pipe. Ok, bonne chance. Attends, Momo, tu vas bien? Je crois, ouais. Attends, fais voir, j'essaye de te soigner, mais... Merde, y'a plus d'énergie dans la pompe, ouais. Du sas, du coup je vais en prendre plein la gueule quand je vais ouvrir la porte. Ah, mais attends, tu veux que je vienne? Peut-être qu'on peut... Attends. Oh merde! Y'a Spider qui est mort. Je me suis pris un coup de jus. C'est pété, ça. Le problème, c'est qu'il y a plus d'énergie sur la pompe du sas. Et je ne peux pas ouvrir la porte. Ah bah, faut un pied de biche, non? Ouais. Bah j'en attends, grand sac, moi j'en avais un je crois dans le mien. Y'a personne qui est ingénieur, non? Tac. Nous on n'est pas ingénieur, je crois. Non, on est mécanicien. Ouais, je mécanique ça, merci. Attends, redonne-moi mon sac. Y'a mon masque à oxygène dedans. Voilà, masque de plongée. Ah mais ouais, j'avais pas d'oxygène dedans, c'est peut-être pour ça j'ai eu du mal à respirer en fait. Putain, je me suis encore électrocuté parce que le putain de sa mère, j'essaie de réparer des trucs. Je me suis écorché les dents, craché. Attends, ceinture porte-outil? C'est par quoi contre, Christian, j'ai mon. Bah, je vais changer de tenue parce que celle-là, elle est en train de se vider. Est-ce que tu penses que tu peux le réparer, Momo, ou quoi? Je vais essayer. Écoute,
Dès que t'as le pied de biche, tu me dis Russia, non ? Bah, en fait, j'ai le pied de biche et j'aurais bien voulu avoir aussi une bouteille d'oxygène parce que j'en ai pas là pour mon. Prends une autre tenue, regarde, prends-toi une tenue directement. Non, juste vraiment le masque, ça va me suffire, moi. Hein. Non, parce que la pression va t'écraser dans l'eau. Ah bah oui, il va y avoir tellement de pression, ouais, t'as raison. Je te déconseille de prendre le milieu. On est profond là ? Ouais, 2 km 2, ouais. Ok. Ouais, Momo dégage. Ouais, allez, ouais, bon, prends la porte. Ok. Vas-y, pète-moi ça. Et du coup, je peux. Comment je fais ? Attendez. Ah, non, mais il y a plus d'énergie dans la pompe, on peut pas mettre. Ouais, non, ouvre pas, hein. Attendez. Non, ouvre pas ! Maman, referme ! C'est bon. Juste pour faire un peu le ménage là. Mais j'étais en train de forcer la porte. Oui, bah c'est bon. Ah, attends. C'est pété où là ? Oublie pas, regarde en bas. Sur ton cadavre, il y a ton sac hein, aussi. C'est vrai, j'ai pris ce que j'avais. On peut ouvrir là ? Non. Ok. Et pourquoi on peut pas. Pourquoi la porte elle est pas fermée en fait ? Mais parce que. Parce que c'est pété, le générateur il est pété. Il touche pas, on a plus de pompe hein. Faudrait peut-être que je retourne. Parce que je suis avec toi, Skad. Y'a un bout de flotte. Je vois pas de brèche à l'extérieur. Ouais, ça va là ? Excuse-moi, je crois que je t'ai mis un petit coup de chalumeau. Non, bah moi je crois que je m'en ai mis un petit aussi. Mais là y'a rien hein. Y'a pas de problème hein. Je vais retourner là-bas et voir si je peux pas réparer la pompe. Ouais, attends, je suis déjà dessus là. T'es dessus là ? Ouais, attends. Okay. Non, je peux pas la réparer. Faut que je fasse le tour de l'autre côté parce qu'on est sur un rocher. Ouais, je suis en train de faire le tour aussi déjà là. Allez, vas-y. T'as un chalumeau sur toi ? Ouais, j'ai pris le chalumeau. Ok, ouais. Nickel. Bah, je rentre alors. Non, je peux pas la réparer, elle fonctionne. Elle fonctionne ? C'est la ballast juste qui est trop profonde. Oh, c'est Skad, il nous a menti, le capitaine il est devenu fou. Mais là, on a une brèche ! Bah ouais, apparemment on a une, j'entends la flotte, mais... Attends, y'a Ryssen qui fait le tour pour voir. Ouais, écoute, côté là, ça va. Ouais, de la flotte partout, en fait. Côté là, ça va. Ouais. Mais mec, j'arrive pas à voir de brèche, hein. Si là, vite fait, mais enfin... Ouais... Ça te fait pas leak là normalement. On est posé en tout cas sur un caillou, on est impec hein. Oui bah c'est ça. Aïe, c'est pas ce que tu. Pardon. Une des pompes qui était flinguée. Oh, putain de sa mère. Ok, allez, on rentre. Ah oui, on rentre okay. Là. Il y avait une des pompes qui était flinguée. Oh la vache. Je crois qu'on est bon. J'ai mal à la nuque tellement j'ai eu peur, mec, tellement j'ai sursauté. Oh la vache. Normalement, on est bon. Bon, on va rentrer par le même sas. Ouais, normalement, ouais. On est bon. Arrive, attends. Vas-y, ouais. Normalement, attends. Tu fermes la bande d'artère. Vas-y, Skad, tu peux fermer ? Hop. Ok. Procédure de vidage ? Ah, ça se vide. Vas-y, je fais tout de suite. Regarde, je fais du backflip. La nôtre, elle se vide pas là. Oui, mais la nôtre se vide. C'est déjà pas mal. Attends, peut-être qu'on peut faire ça, Marc ? Ah non, cette porte est contrôlée par des boutons. Ah oui. Bah oui. Eh ben. Vous pouvez ouvrir vous quoi. Sous l'océan. Là-haut, dans toute la journée. Esclavagé. Attends, mais va falloir que je l'ouvre encore avec le pied de biche. Bah je peux hein, mais. Vas-y. Comment. Il y a un bouton de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'il marche en fait. Non, il marche pas. Mais je pense qu'on a. Le raccordement en bas a dû péter hein. Non, mais laisse-le là. Mais si tu veux. C'est bien. Wouh! Et bah! Allez! Range ça! Là-dedans! Voilà. Allume ma pipe! Elle a pas bougé voilà. Parce que j'ai pas retrouvé réussi à la retrouver! Ah! Oh, attends! Attends, je cherche ma pipe sinon je peux pas piloter moi! Impec! Mais... non, mais arrête! Mais il est con ce bolossoïde là! Hein. Attends! Bolossoïde! Voilà, normalement on est bon là! Coupeuse plasma, scooter sous-marin, ok. Arrêtez tout, faites l'appel, j'ai pas ma pipe. Elle était en bas. Mais non, mais pas partir sur un son. Bon bah tant pis, j'ai pas de pipe. Mais ah oui, maman, j'arrive. Oh là là. Attends, lacération, c'est quoi? Ok, excuse-moi. C'est des coupures. Ah, du coup, il faut des bandages. Oui. Fous-moi des bandages. Non, c'est pas des bandages. Je vais te foutre, il stabilise le Boeing. Bon, on va essayer de remonter doucement. Ouais, je crois que tout est réparé. C'est bon. C'est quoi ? On est pas mal là. Pourquoi il fait tout noir ? Pourquoi il fait tout noir ? Qui s'est passé ? J'ai touché. Mais c'est moi qui utilise un peu le moteur en fait là. Bon, déjà on s'est décollé du fond, c'est pas mal. comment ça quand tu utilises le moteur, il fait tout noir ? Parce que je demande beaucoup de puissance et à mon avis on est limite en puissance.
Je vais ralentir, regarde, si je ralentis comme ça, normalement ça devrait être un peu mieux. Ah mais fonce hein. Enfin fonce. Ouais non, je veux pas foncer du coup. Plasma. Je vais garder juste le chalumeau sur moi. T'as vu, il y a les pilotes automatiques sinon. Je répare tout ce que je trouve hein. Là je sais pas c'est quoi que j'ai réparé, mais je les ai réparés en tout cas. Les batteries, c'est, okay. Deux, c'est pas mal, faut que j'avance. J'ai mis trop de barres de combustible, mais c'est bon. C'est pas facile de se déplacer au sonar, hein, putain. Ah bah ouais, non. Ça le fait, hein, mais... Et Faut vraiment anticiper la mort. Ouais, c'est bon, il est en bon état. Ok, alors Scad, vas-y lentement, réduis la cadence, parce que... Faut qu'en gros, tu vois, quand tu zoomes sur le sonar... Là, je te l'ai zoomé, là, tu vois, ok. Ouais. Tu vois la petite barre verte de l'avant-poste? Ouais. Faut qu'elle touche notre petite barre okay, verte. Ok, ça marche. Ok, j'y vais. Et comment dire, hésite pas ensuite à te foutre en pilote automatique et mettre maintenir la position. Fou quoi, j'ai pas compris. Non mais en mettre maintenir la position comme ça on pourra y arriver plus vite. Oui, juste pour maintenir la position, ce sera utile, Scad. Quand ils mettent charge de la batterie 33. Peut-être changer la batterie. C'est ben non, mais c'est des batteries qui, enfin c'est avec le réacteur en fait. Le réacteur il fait ce qu'il veut là, je suis dessus. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en raccordement en fait on a rien pris, y'a aucun câble qui a pété. Mais j'ai pas l'impression, y'a toujours le bouton en haut du sas que je comprends pas trop comment. Attends, parce que du coup j'ai pas trop compris pourquoi il marchait pas. Donc on va y retourner voir. Ouais. J'ai failli me prendre une écoutille dans la gueule. C'est nous. Alors vous avez un problème avec le câble. Parce que c'est pas celui-ci qui marche pas. C'est celui d'après. Non, c'est celui-ci, c'est le tout petit sas, normalement c'est celui-ci hein. Ah oui, il marche pas. Faut le recâbler. Bah oui, mais y en a pas des milliards de... Bah surtout que... Ouais, recâbler tournevis. Et voilà, t'as sorti... Bon. Il faut avoir ton tournevis en main et faire E dessus je crois. Ouais. T'as plus là. Ah ouais, mais... Ouais, c'est bah, bon, ouais, c'est bon, tu l'as réparé. Ah mais attends, et l'autre il marche. Ouais, l'autre il marche, on l'a utilisé en main. Fais gaffe, tu vas claquer. Okay. Ouais, c'est bon, il marche. Non mais c'est bon, il marche. Attends, lui il me gonfle, je vais le foutre dehors. Ouais, vire-le comme dans Alien. C'est moi qui l'ai. Les qui gars, l'ai, on est en train de tomber, ok, c'est bon. Merci. Après, on est en train de tomber. Ouais, capitaine, on peut pas faire grand chose si on tombe. Hein. Et pourquoi tombe-t-on Maître Bruce, ouais, oui, ça c'est clair, ça j'ai toujours dit moi. Hein. Faire un petit de morphine, tiens, hop là. J'ai pas pu m'amarrer. Comment je fais? Pas ça? Putain, mais la vélocité elle pète un plomb là. C'est bon, Spider? Ouais, voilà. J'ai jeté l'arbre. Ok. Putain, je suis bien. Donc, on a failli claquer notre premier voyage, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Ça va, oui. Hein. Qui c'est qui joue avec mon zoom, là? C'est Christian, il joue avec ton zoom. Ah. De quoi? Tu joues avec son zoom. Et j'étais en train de regarder le super conducteur, m'emmerde pas, je fais rien. Ouais, c'est ça. Ça c'est quoi, base mais de chargeur? Mais y a une boîte de raccordement qui est en train de péter là, hein, les mecs. Hein. Où ça? En bas, là, ici là. Ah bah oui, mais putain, mais... Mais le matériel se dégrade au fur et à mesure aussi. Hein, donc, qu'est-ce qui ferait de mal ce truc? Regarde, à droite aussi elle se met à péter. Ah ouais, putain, ouais, l'électricité ça pète tout le temps. Hein. Foxy, j'arrête quand je veux. Hein. C'est vrai? Ah ouais voilà. Et ça vient de quoi? Mais putain, on s'est pas marré. Mais t'as mis le doc? Ouais. Tu veux que je le fasse? Non, t'inquiète, ça va le faire, mais... Tu te fous en automatique, du coup, juste avec maintien position? Ah, oui. Non, mais tes barres de combustible, ça va se casser la gueule, là, Russian, hein. C'est vrai, bah attends, je vais les changer, alors, j'en ai encore sur moi. Ah bon, c'est chiant, c'est nul en automatique, du coup. Pas drôle. Tac. Voilà. Les stats, elles augmentent au fur et à mesure, ou... Ouais. Ah. Oh. Énergie insuffisante. Oh merde, on tombe les mecs. Attends, il s'est passé. Faut que je mette ça? Ouais, alors j'ai peut-être un petit peu hot swap les barres de combustible. Ah. Normalement, ça devrait revenir. Hein. il fait n'importe quoi, le pilote automatique il nous éloigne. Hein. Non, mais faut mettre juste conserver la position. Pas automatique. Putain, ça s'est pété. C'est quoi? Boîte de raccordement, réparer tournevis. Ah ouais. Tout en bas là. Bon, dans l'accordement, on est en train de péter un plomb. Après, j'ai l'impression que les trucs, au fur et à mesure qu'on les utilise, ça pète tout seul aussi, hein. Mais pourquoi est-ce que t'as mis ta position vers le fond, là? Ah oui. Mais c'est pas moi, c'est le truc automatique qui va nous faire taper dans le machin, là, il est con. Je touche à rien, là. Mais pilote manuel, du coup, là, tu conduis à la main, là. Oui, mais fais pas ça près d'un mur. Ouais, mais regarde, moi, là, tu diriges. Eh, mais ça produit n'importe comment, mec.
tu switches au pilote automatique quand t'es pas loin pour maintenir en position et faire des missiles justement. Mais on a pris une mission où on est dans des températures basses et du coup la turbine elle est en train de péter un câble hein. Mais on va racheter des trucs, on va racheter des trucs. Mais en deux débats, hein. Ouais. C'est trop débat. Et là du coup elle produit trop. Ouais. Après, elle produit vachement trop, elle produit vachement trop. Arrête, enlève. J'enlève. C'est... Ah putain, ça produit beaucoup. Ah la vache, oui, oh putain, l'extincteur, il est où? Il est là. Donne. Momo. Oh putain, ça crame. Va pas dedans. Pitié, donne-moi... Ouais, c'est bon. C'est bon. Merde. Ouf. C'est bon, vas-y. Oh la vache. Tout est sous contrôle. Vous inquiétez pas, on gère. C'est normal, le petit bip avec l'alarme. Okay. Non, c'est bon. C'est bon. Y'a rien eu. Là, on produit là. Avant ah, bon ah, ça produit là, ouais. Ouais, ok, on est bien là. Ça, on va laisser comme ça. Hein. Ouais. Okay. Y'a eu un bruit là. Mais non. Ok. Cette boîte de raccordement en train de péter aussi un peu. Spider, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. Je me suis pris un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait doser. Attends, t'es où? Non, c'est toi qui viens. C'est en brûlure, au moment où il est en brûlure à 37%, wesh. Ouais. Ah, il était brûlé partout! Vache. Ouais, je suis cramé. C'est bon. Comment je drop ma merde là? Oh, putain, je suis bien. J'ai pique. Ok, mes brûlures s'en vont, mec, je fais de l'automédication. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? J't'ai peut-être pris un peu de morphine. Mais ça te guérit pas, ça! Faut des bandages! Ça me guérit pas, mais je suis trop. Lâche-moi! J'ai pas de problème! De toute façon, je vous emmerde! Sous-marin à la con! Bon, bah, t'es ricon là! Ah, c'est bon, là, je suis bien. Casse tes couilles, tous. Il peut pas comprendre. Comment je drop mon putain d'extincteur? Il peut pas comprendre. Ah, voilà, oui. On est amarré! Oh! Ok, avec. Putain, j'en ai chié, mon gars, il a fallu que je force un peu le truc. Hein. On a fait une mission. On a gagné quoi? On a gagné des Deutschmark ou je sais pas quoi là? Je sais rien. Des MK, ouais. Faudrait qu'on achète. Faudrait qu'on achète des trucs, hein. Il faut une pipe, tu peux aller te faire enculer, il va surtout nous falloir des soins vu que vous avez tous fait claquer. Ouais, il va nous falloir aussi des barres de combustible, etc. Ah, je suis coincé dans une porte. Je veux une pipe. Non, c'est comme ça, c'est horrible. Bonjour Jackie. Alors ça... Y'a quoi là? Donne-moi une pipe. Ah putain, j'ai que dalle comme thune. C'est le capitaine qui a la thune. Ah bon, je suis... Moi, j'ai 0 MK. Moi, j'ai 1300. Bah voilà. C'est parce que c'est toi qui a pris la... C'est toi qui a pris la quête. Alors par contre le truc c'est que du coup soit je peux nous soigner ou alors... Parce que l'autre il a encore si tu veux une addiction aux opiacés, donc évidemment ça va être super fun. Mais je suis pas accro. J'arrête quand je veux, j'ai juste pas envie. Et du coup vous avez pas de thunes? Non, on a pas de thunes. Ouais. Du coup prends-nous des bonbonnes d'oxygène, trucs comme ça. Non, remarque, les bonbons d'oxygène, on en a plusieurs, il faudrait juste qu'on les remplisse au truc. Mais tu sais quoi, je vais aller dans le sous-marin et je vais remplir un peu les trucs à oxygène et tout, moi. J'ai pris déjà une bibandage. Pété, ça. J'ai pris 8 bandages, ok. Qu'est-ce qu'on aurait besoin C'est où le sous-marin? On a... C'est tout en bas. Ok, c'est là. C'est là, hein. Le fentanyl. C'est comme le Fanta. Oh putain, le chill Fanta. C'est... Le mot pchit fantôme avec moi. Ah bah si, c'est toi, Momo. Putain, je me suis dit, c'est pas mon sous-marin. Je me suis dit, merde. Attends, je vais prendre... Attends, faut me dire par contre où sont les marchands, parce non, que... Celle-là est pleine, ok. Non, toutes les combinaisons sont remplies automatiquement quand on rentre à la base. Ok. Je voulais dire des trucs, mais je vais fermer ma gueule et vous laisser découvrir. Exact, Mégalo, merci beaucoup. Pareil. Mec. Il y a des balles de revolver, faudrait peut-être en prendre quelques-unes. Non, j'en ai encore, t'inquiète. Bleu de travail, boîte de carburant pour laser, bouteille d'oxygène on a, et du coup il faut quoi? Il vous reste du carburant pour les chalumeaux ou quoi? Ouais, il reste des chalumeaux, je crois. Ouais.
Ouais, il en reste un petit peu quoi, mais je sais pas, j'espère comment on les remplit tout à fait les chalumeaux. Quand tu mets, quand tu prends genre par exemple ta bonbonne de gaz, tu sais genre que tu la cliques and drag. Non, mais je veux dire comment on remplit le carburant en fait, comment on oui, remplit. C'est ce que je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer un truc que je sais déjà. Je sais pas comment le faire, une fois qu'on t'explique en fait, je savais. Non mais c'est pas ça, c'est remplir les bonbonnes elles-mêmes, c'est où? Ah mais je crois qu'on peut pas. Hein. Ah bah voilà. Normalement oui. Quand même, attends, et où notre générateur d'oxygène là? Parce qu'on peut, non mais l'oxygène oui, mais le carburant. Ah, le carburant, je sais pas. Pour les chalumeaux, c'est pour ça, je pense pas quoi, mais. Est-ce qu'on faut des fils pour raccorder? Il t'en faudra un moment. Hein, si on pourrait. Avance-nous et prends-en-nous, ouais. Mais si tu peux nous prendre du fuel pour chalumeaux aussi, vas-y. Ouais, du coup, hein. J'en prends combien? Il fait quoi ce bouton là? Je sais pas. Ça coûte 114 balles, hein, par contre. Oui. Ah, c'est pété un peu là. C'est quoi, j'en prends deux, ça coûte cher quand même. Bah là, c'est lampe de poche. Je sais pas ce que ça fait, t'as vu J'ai vu, ouais. Composant relais, bah maintenant ça fait du vert, mais je sais pas exactement. Batterie sortie, batterie rentrée. Y'a une pipe de capitaine, mais elle coûte 47 balles, mec. Quoi? Ah, mais. Et apparemment, on en a 5 au stock. Regarde! Avec capitaine, regarde. J'ai l'impression que la charge de la batterie, en fait, c'est la batterie rentrée, tu actives pour que ça charge la batterie. Pour que ça la remplisse, ouais. Ensuite, c'était un genre de kill switch. Train, ouais. Et ensuite, tu fais batterie sortie pour pouvoir tirer dessus tranquille, non? Je pense, ouais. Et ça, il faut la mettre le switch, retirer le switch et retirer la batterie. Mais contre, c'est. Ah, c'est pour ces batteries-là! Je sais pas où il est, le générateur d'oxygène. Il est. Tout à gauche. Tout à gauche, ouais. Quelque part, tout à gauche. Ok, ça marche. Il reste 895 balles. Alors, du coup, vous avez besoin de quoi? Bah, moi de rien. Hein. Les barres d'oxygène, ça a été. Pas les barres d'oxygène. Les barres d'oxygène, on en a normalement, qu'il faut recharger. Pour les combis. Les barres de carburant, on en a aussi. Je peux te backseat la réponse pour les bonbonnes de carburant, non. Du coup, attends, on a le carburant pour les chalumeaux. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Parce que, du coup, ouais, c'est les bonbonnes de gaz. Est-ce que les bonbonnes de gaz, ça va pas être un truc genre qu'on peut crafter ici? Regarde, bonbonnes de gaz, il nous faut de l'éthanol et de l'aluminium. Ça, je crois que je peux en acheter. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression que ouais, achète de l'éthanol. L'éthanol, normalement, c'est du soin, c'est. Ok, je suis en train de. Je sais pas ce qu'elles font ces batteries là en fait. Éthanol et tu disais aluminium. Non, juste de l'éthanol. En fait, y a deux façons de les crafter, les bonbonnes de gaz. Soit de l'aluminium et de l'éthanol, donc pour faire la bonbonne, soit on recycle la bonbonne, en fait, et on utilise la bonbonne de gaz vide, et on fout de l'éthanol. Ok. Donc, non, prends juste de l'éthanol. Mais du coup, Momo, tu crois que ça sert à quoi, les batteries qu'il y a en dessous du générateur? C'est juste des batteries, Bah, c'est celles qui foutent du jus dans tout le truc, quoi, non? Attends, j'arrive. Je suis pas sûr de comprendre non plus. Mais c'est des batteries de secours? Si le truc c'est que des batteries, c'est. Genre si c'était un sous-marin diesel, je comprendrais. Non, c'est vrai. Tu vois? Bah ouais. Je comprends pas. Mais non, on est nucléaire donc on s'en bat les couilles. In et out, plus je comprends pas. Ah, en plus il est en si anglais. Je peux prendre une assistante hein, pour l'électricité. Pourquoi faire? Une gonzesse? Ça va mal, non? Une femme. Non, c'est. Non, dans mon sous-marin? Non, pas n'importe quoi, on va couler. Il s'appelle Bruno. Une femme qui s'appelle Bruno? Dans mon sous-marin! Non, mais on peut pas, on n'a pas les fumes. Vérification de signal. Mission de bloquer transport personnel. D'accord? Ok. Bah écoute, je vais fermer ça. Elle pète en boucle ou quoi? Non? Non, sûrement. Ah, c'est bon? Mais je comprends pas à quoi ça sert. Il y a surtout cette bestiole particulièrement mauvaise qui sème la terreur dans les grottes du coin. Ah non, on prend pas. Ouais, on est pas trop armés, on est un vaisseau d'exploration, nous, on est pas un vaisseau d'attaque. Bah ouais. Si on a pas la. Bâtiment, élimination d'une importante nuée. Importante nuée? Ouais, non, moi je pense qu'on a pas besoin de ça. On va faire le transport de personnel, ça va être très bien. Ouais, c'est bien ça, ouais. Attends, on a une brèche. Encore? On a une brèche au niveau du sas. Mais on a pas bougé! Non mais le sas avant, il y a une brèche qu'on avait pas réparée. Sas... La porte était pétée en fait. Okay. Tout en haut, tout à gauche. Tout en haut, tout à gauche, ok.
Ah mais j'ai plus de... d'essence dans mon... Ah mais c'est la porte qui est fermée qu'il faut qu'on pète à chaque fois là, donc tant pis, non fais gaffe, t'as pas de nuit, ouvre pas. Hein. Ah c'est celle-là qui a pété. Ouais ouais mais c'est bon, ça va le faire. Il y a une brèche derrière. Apparemment ouais, il y a une brèche. Ouais mais enfin... si on la répare pas mec, ça peut être la merde hein. Bah ouais, si attends. Vous êtes préparé, mais mettez une tenue hein. Mettez une tenue, faut sortir. Ouais ouais, attends, je vais, j'en ai une aussi. C'est quoi qu'il faut réparer exactement, je comprends pas. Il y a une brèche sur la coque, donc il faut aller au chalumeau. Ah ok, bah démerdez-vous. Bah faites ça, je vais pisser moi. Okay. T'as récupéré du carburant, Ursiane ? Où ça ? Bah, je te demande, en fait. Ah, bah non. Et attends, elle est où, ton truc, Sur la coque, bah j'imagine que c'était plus à droite, enfin à gauche, pardon. Et du coup, on a... ok. Il est où le carburant, du coup, Spider, que t'as acheté ? Il sera livré dans le vaisseau une fois qu'on sera barré. D'accord. Ah, ok. Il me plaît d'oxygène par terre, mec. Et attends, t'as dit que c'était où, par rapport au vaisseau ? Mais je sais pas, il au a sas, dit que c'était au niveau du sas. Ils ont activé les radiations sur leur partie ou pas? Je sais pas si on a les radiations. Non, on les a enlevées. Ok, c'est le truc qui te pousse en fait, ça, hein. Ouais, c'est le truc qui te pousse à avancer, mais le okay. Souci... Déjà, on a fait un transport, on est quasiment mort, mais... Hein. Et mec, c'est notre premier, et je trouve que pour notre premier, ça va, hein. C'était chaud, ouais, on a eu deux décès, d'accord. Mais franchement, ça va, hein. Mais où c'est que c'est pété ce cad ? Il est en train de pisser, hein ? Encore une fois. Bah oui, je suis laissé. Regarde ! Oh lui ! Mais tu fais quoi là ? Parce que le sas il est pas là, hein. Mais mec ! L'autre côté, c'est à gauche. Putain, mais moi j'ai demandé. Eh, hey, c'est où les gars ? C'est où les gars ? Mais on va dire par le sas ! Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con lui ! On va le laisser là ! Par capitaine ! On va le laisser là, mec ! La partie, alors, littéralement, la partie la plus en haut à gauche du truc. Tout à fait à gauche. Il y a une petite blague, les mecs. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est où? Putain, mais comment t'es arrivé là? Je suis coincé la pire. Attends, c'est bon. Non, il passe dans le truc de Doc. Merci Elda pour le sub. Merci beaucoup pour le sub. T'as pris le docking beaucoup trop littéralement là. Putain. Je vais retourner lui piquer de la morphine. Hey, tu touches à ma morphine, je te jure, je te soigne pas pour les 3 prochaines années. Ouais, vas-y. Me soigne pas, je m'en fous, j'ai de la morphine. Alors, y'a un truc qui est très rigolo, c'est que mon masque il commence à. Par contre, Lucienne, faut que tu me retrouves ma pipe. Hein. Mais elle est toujours au même endroit, mec. Hein. Mais je la vois pas, moi. Et moi non plus, c'est pour ça que j'ai pas pu la ramasser. Là, elle est dans le... en haut, là. Dans le supply cabinet, au-dessus. Oh, merci. Ah, mais elle est vide, ma pipe. T'as du tabac quelque part? Non. Je peux te mettre un peu de morphine dans ta pipe, si tu veux. Y'a quelqu'un qui a du crack. Ok, je sais pas trop ce que je peux foutre avec le sac. Elle est complètement défoncée, en fait. Et ouais, j'ai une ceinture à outils. Putain, faut que je l'utilise, ça, en fait. Ouais, c'est trop bien en fait. Mais ah oui, du coup, oui, on n'a pas les carburants encore. Je peux foutre le chalumzing dedans, c'est cool. Ouais, on a fait ça un chalumzing dans le métier, bon. Ouais, je connais. Non, non. quand on a fait un petit peu, tu vois. Attends, je vais remplir. J'ai une bouteille d'oxygène en plus. Là. Salut. C'est quoi ça? Ah. Ah mais c'est là le. Ok. Je suis coincé dans la porte du sas. Putain. C'est bon. Mais je peux pas l'ouvrir, merde, y'a un petit problème là. Ah, merde, non, ouvre. Je t'en supplie, ouvre la porte. S'il vous plaît. Qui ça? Je sais pas, la porte dans le sas, t'es ouverte, elle s'est refermée. Ah, mais bah attends, je suis en train de remplir une bouteille d'oxygène, je peux pas moi. Mais ça vous dit d'ouvrir la porte, je suis coincé dehors. Hop là, hop là. Oh la vache. Vas-y. Attends, je vais t'ouvrir, attends. Parce que du coup, il me faut la tenue complète. On voilà. Est, on est même pas fait pour. Attention Momo, à ta place je sortirai Momo. Ah ouais attends. Voilà. Voilà, et j'ouvre la porte ici. Non, ah bah. Ah mais ce bouton là il ouvre la porte de droite. Mais attends. Eh, vous pouvez recabler les murs hein, si vous voulez. C'est pour ça que ça marche pas. Alors, mais oui, il est pas relié comme il faut. Alors moi je veux bien les mecs, mais il me reste 20% d'oxygène hein. Mais on peut pas, comment on le recable? Il faut la péter, Russian, il nous faut le pied de biche. J'arrive. Hop là. C'est complètement con cette histoire. J'arrive, je prends une tenue. Tac. J'arrive.
Pied de biche. Bah il faut là. Ah bah ouvre hein. Ouvre hein. Voilà, ouverture. Ta c'est gueule, bon. Il me reste 13%. Moi je vais aller en pause de pilotage, sinon j'ai pas de tabac, ça m'énerve. Voilà. La porte a été scellée, vous aurez besoin d'une coupeuse au plasma pour l'ouvrir. Qu'est-ce que vous faites alors? Spider, me dis pas. Si, bah si. Il a soudé la porte. Spider, Momo, file-moi la découpeuse. Attends, j'en ai une. Mais non, mais file-la, moi j'ai déjà la tenue. C'est incroyable. Ferme la porte. Tiens, je vais faire l'appel. Accès interdit, c'est bon. Je suis claqué. Putain, mais mec. Ah, c'est marrant, ma tenue elle moule la vie. Le gogol. Oh, j'en ai marre. Voilà, c'est bon. Oh. Ferme maintenant. Mais où? Tiens, ouais. M'emmerde pas. Voilà, et en plus, je me suis enculé. Allez. Il est où, Scad? Je suis rentré. Scad? Mais pourquoi le truc il est rempli là? C'est mais ça. Putain. Non, mais c'est bon. Ça ouvre les deux putains de trucs. On a toute la partie du sas qui est C'est bon, ça descend. Où ça, voilà. Vas-y, Spider est mort. Mais comment il est mort? Ma tenue n'avait plus d'oxygène. Attends, mais du coup, là, 6 jours, c'est la merde. C'est vrai que, comme dit Deadpool, il méritait pas hein, d'être sauvé. Là, si tout, c'est la merde. Là, si tout, c'est okay, la merde. D'accord. Ok, d'accord. C'est quoi ce bruit? Bah, à mon avis, c'est le bruit que c'est la merde. Il y a des avaries, capitaine? Non, mais je crois que c'est Momo 2 qui est en train de péter, non? Attends. Non, ouais, on est bon. Là, il me bouge. Lésion interne. Oxygène back, quelqu'un me retire ma tenue, s'il vous plaît. Je peux pas te la retirer. Si, ça? J'arrive. Je vais foutre à poil. Si, c'est bon. Oh. Quelqu'un qui a un... Attends, je te fais un massage cardiaque. Mais tu lui des coups de cul, tout le monde, là. Voilà. Allez, non, mais ça avance pas, comment on fait? Oxygène liquide. J'ai pas l'oxygène liquide. La stablosine. Je lui file tout, on va. C'est bon. Arrête de me brader. Allez. Allez, on y va. Quelqu'un en masque pour respirer sa mère. Il y a une combinaison par terre. Tiens, t'es où? Mais la combinaison, ça suffit ou il faut le masque en plus? Non, mais putain, j'ai foutu la combinaison qui est vide. Ok, attends. Alors, bouge pas, je ferme ça et attends, je vais voir ce qui se passe là. Oui, ok, c'est cassé, ok. Ouais. Ok, je vais réparer. Tu fais attention, hein. Tire à vide, en plus. C'est quoi, ça, le... Ah, il pressure. Ouais, mais c'est bon, j'ai ma combinaison. Chromax qui dit, wesh, Poons, mate ton portable. C'est pas le bon onglet de Firefox que t'as, là, ouais, mec. Ouais. Sur moi, je suis très content, hein, mais je lui demande pas de checker son téléphone non plus. Non, d'accord. Normalement, on est plus souvent... Non, on est pas bon. C'est la sieste du capitaine. Voilà. On a pas de lit, donc on fait comme on peut. Momo, ça va? Non. Il se passe regarde le planking. Regarde le planking. Tu veux que je ou quoi? Le problème, c'est que la porte est réparée. Cependant, le bouton est toujours pété en fait. Et ça ouvre les deux en même temps. Mais regarde, ferme-la. Ouais, c'est bon, c'est fermé. Je pense que... Attends, je vais ouvrir ça. Je vais attendre, alors, je vais attendre attends, que attends, ça s'enlève. Attends. La pompe est un peu pétée, je vais la réparer. Ok. Attends, je vais rafraîchir le capitaine un petit peu. Je suis en train de faire le chien sur ta jambe. Du coup, va falloir, je pense, prendre un tournevis et en fait changer le raccordement, quoi. Mais comment? Recâbler et bah faut un câble. On a des câbles? Ouais, non, mais les câbles on en a acheté justement. Mais on en a acheté quelque part, non? On en a de base quand même, ils nous en donnent de base, je crois, des câbles. Je crois pas qu'on en avait, hein. J'ai fouillé un peu tout, on en avait pas, hein. Les câbles ils sont bons, hein. Non, mais il en faut d'autres en fait pour réraccorder en fait. Ouais, faut en piquer quelque part, mais. Ah bah non. Est-ce qu'on peut dériver? Mec, je sais pas. L'oxygène. Ah la vache. Alors ça c'est une mauvaise idée ça. Oui bah ouvre pas la porte. Ouvre pas celle-là tu... Pourquoi mais, non tu voulais couvrir la porte du pont principal, je le bute. Y'a pas de... Pourquoi y'a de la flotte? Vas-y ouvre pour voir. Non mais ose ouvrir. T'avais prévenu hein. Il a filé une bastos. Bah ouais, c'est le réflexe hein. Ça va, tu peux te soigner, non? Fais voir.
Ouais, c'est bon, tu as pris dans le torse. Ton boîtier de raccordement, putain, je comprends que dalle, en plus je suis pas électricien. Soigne-toi. Soigne-toi. Ouais, t'es gentil, toi. Je suis pas électricien, je suis scientifique, moi. Placard à provision, le placard à toxine. Regarde. Y'a pas de trois toxines pour moi là-dedans. Putain, que dalle. Ouh, esquive. Tiens, attends, je vais remplir la bouteille d'oxygène, ça me fera ça au moins. Donc on a pas de cab. Bah j'en trouve nulle part, donc ouais, je pense que ce qu'il y a de l'a dit tout à l'heure, on n'a peut-être pas de câble. Mais on, dès qu'on quitte le port, on en a un. Tu comprends okay. Jamais, je suis caché. Tu... Bah ça me fait un petit peu chier de quitter le port avec un sas qui est semi-fonctionnel. Après, c'est pas le seul sas qu'on a, hein. C'est supérieur aussi, hein. Ouais, on ouais. On a transport de personnel ou alors élimination de grands rampeurs. Transport personnel. Transport, c'est bien le transport, j'aime bien le transport. Ouais. On a un vaisseau d'exploration, je rappelle, encore une fois. Genre juste transport, mais même pas transport, en fait, villégiature. T'as pas villégiature? Non, pas encore. Ça me plaît, moi, ça. Par contre, pourquoi il y a deux crânes? Parce que c'est la difficulté. Super. Ouais, et du coup... Attends, 1100 balles, on se fait là-dessus? Ok. C'est pas beaucoup, hein. Ok, donc on a les marchandises qui sont là. Mais les marchandises, c'est des gens. C'est ouais, bah écoute, c'est ma marchandise. Moi, je suis capitaine, je suis pas censé rentrer en contact attends, avec... Attends, elle est où, la marchandise? Ont été livrées dans la cargaison? C'est où, ça? Il est où, le cargo? C'est en bas. Ouais, il est là. Il y a une musique crée, c'est ça. C'est bon, le sas est fonctionnel maintenant. Ouais, il y a le fil, les fils rouges. Okay. Je les laisse, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans, les mecs. Hein. Ouais, ouais. Ici, hop. Attends, je voudrais voir la carte. On peut pas voir la carte. Très bien. Bon, on se met en route. Dans la caisse, ici. Mmh. Ah, ça, c'est une avant de partir, je voudrais qu'on me vérifie le réacteur et tout ça, s'il vous plaît, les mecs. Alors les batteries sont pleines déjà, donc même c'est si on sait pas à quoi elles servent, au moins elles sont pleines. Et ouais. L'équilibre d'énergie dans le réacteur, est-ce qu'il est bon ou pas? Combien il était OP tout à l'heure en tout cas. On est un peu en dessous, hein. Ouais voilà, moi je prends pas le dessous de mer si on est pas... Alors parfait. Bah le truc c'est que tout à l'heure on était en dessous aussi, mais Ah. Bah qu'est-ce qu'on fait, on y va? Attends, je vais augmenter un petit peu le taux de fission. Voir si on peut pas, regarde, là je fous en contrôle automatique et normalement on devrait être pile dans ce qu'il faut, attends. Je vais augmenter juste un tout petit peu le jus. Vous me dites quand je le désamarre, hein. Je sais pas si ça fait ce que ça fait, en fait. Je sais pas si moi, ça fait ce que je crois que ça fait, en fait. J'en ai désamarre. Mais le truc, c'est qu'en fait, on est en sous-production parce qu'il fait très très froid. Encore, dans ces putains de coins, là. Ah, moi, ça a l'air d'être bon. Ouais. C'est qui? Ah oui, c'est con, hein. Le carburant pour les... Chalumeau. Oh, chalumeau. Mais d'ailleurs, oui, c'est où que ça a été livré? Non, mais c'était en bas, hein. Et tout a été livré, j'ai l'impression. Mais en bas où? Bordel, là, on peut même pas passer ici. Mais Momo, il a récupéré encore... les câbles. Non. Ah non. C'est bon, ça. Bah... Ah putain, je m'ai pris un coup de jus, sa mère. Ah c'est la galère. Vas-y, occupe-toi de celui-là, je m'occupe de l'autre. Ok. Putain, et comment on voit la progression de nos stats Oh, c'est avec tab, non? Tu fais tab et t'as plein d'informations et je crois que tu peux voir ton perso à toi. Ok. J'ai pris l'éthanol, du coup. Personnage, ouais, ouais, voilà. Ok, d'accord. Oh la vache, putain, c'est long pour trouver des trucs, hein. Ah, mes compétences, moins 6 et tout, et je crois que c'est très folie. Ah mais je suis devenu taré. Ah putain, je me suis pris un coup de jus. Vite, de la morphine. C'est pas ton rôle. Mais écoute, faut que je me l'auto... Oui. Ah, c'est pour ton... Vas-y, continue, Russian. Russian. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va, ça va. Bah, très bien. Tranquille, bien. Rien. Pourquoi j'entends des coups de poing, là? Russian, rien, il non, fait... il y a juste un NPC qui est en train de péter un câble... Qui c'est qui a plongé? Dans le ballast? Ah oui, je suis allé dans le ballast pour être... Ah ok, bon. D'accord. Je crois que c'était un NPC qui avait foncé la tête la première tempête. J'ai chaud. vous m'excuserez si je parle pas trop, mais faut vraiment se concentrer pour piloter cette merde. Ah ouais, non mais écoute, concentre-toi, hein. Parce que mec, il faut aller, faut avancer, mais pas trop avancer, parce qu'il faut que les coups de sonar, ils te montrent ce qu'il y a devant et au-dessus et en bas. Pourquoi il me suit, l'autre assistante sociale, à ça? Cache-toi. Du coup, j'ai de la dope, Russian. Vas-y, ah ouais. Peux voir. Merde. Mais du putain, le carburant pour. Ah oh, putain, c'est bien là. Ouais, je suis bien là, merci. On est sur bas là. C'est là-dedans. Ça a été livré où du coup?
Putain, non, c'est pas là. Mais en fait, c'était, elle était livrée tout à l'heure, j'ai lâché la boîte et... Mais y'a rien dans la boîte. Y'a pas de carburant, y'a que dalle. Mais tout à l'heure, y'avait une autre caisse. Ah là, y'en a une caisse là-dedans, là. Y'a une caisse en métal et dedans, y'a des câbles. Putain, qui était foutu là-dedans. Mais pourquoi c'est dans le fabricateur? J'en sais rien. Par contre, on peut la défabriquer. Ah, il désassemblait, bah non. On va pas désassembler ça. Et du coup, on a deux bonbonnes de gaz, ok. Non, mais par contre, t'as repris la caisse avec toi? Moi, j'ai rien pris, moi. Qui c'est qui a la caisse? Il y a une caisse de matériaux dans le fabricateur aussi. Mais du coup, y a rien dedans. Hop, je vais la lâcher là. Par contre, je vais... Attends. Non, mais... Mais pas là. Lâche-la. Attends, là. Là. Voilà, bon, elle est conne cette caisse. Mais... Je vais la prendre et je vais la désassembler. Mais et l'éthanol, du coup, il est où? C'est sur moi, c'est moi qui l'ai. Ok. Ah bah, oh Russian. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai filé un truc. Tu m'as quand même pas blindé avec l'éthanol pour faire les bonbonnes. Non mais... Scad, touche rien. Mais qu'est-ce que tu m'as injecté, toi? Putain, mais tu m'as foutu le carburant pour le chalumeau. Hop là, on est bon. Ok, alors, sûr. C'est qui le meilleur? Ok, on a de la chance. Et en plus, j'étais déjà défoncé à l'opium, mais toi tu me fous du carburant, chalumeau, mais t'es malade ou quoi? Est-ce que tu as injecté du carburant? C'est de l'éthanol. Je me dis ça aussi, ça me mettait un truc, résistance psychique, qu'est-ce qui m'a mis ce con? Ah bah ouais, tu m'étonnes que je résiste à la psychique, mec. Spider, toi qu'elle est une, si tu peux me trouver du tabac, franchement, je suis preneur. Putain. Parce que là, je t'avoue qu'après le stress qu'on vient de se taper, je me ferais bien une petite pipe quand même. Putain. Il vient de me péter les genoux. Ouais, bah prends du carburant, tiens. Connard. Bon, écoute, pour l'instant, je vois que tout est nickel, là, à l'intérieur. Ah, attends. On est bien. Ça ouf là. Alors par contre, je suis pas content parce que dans le sas, la qualité de... Y'a une brèche. Non, mais c'est quand on ouvre la porte. C'est quand on ouvre la porte. Ouais, j'ai testé un truc sur la porte, c'est normal. D'accord. Et je comprends pas, hein. Attends. En fait, faudrait que je retourne là-bas, faudrait qu'on déraccorde en fait ce bouton-là à l'autre. De quoi vous auriez besoin? Tu dévis le fil, hein. Tu l'ouvres avec ton tournevis et tu dévis le fil sur une autre entrée. Bah, ça va être ça, ouais. Mais y'en a qu'une. Y'en a qu'une d'entrée. Mais attends, tu le mets dans le vide. Tu mets ton fil dans le vide, comme ça il prend pas la. Vas-y, Momo, reviens. Sors. Attends. On a pas besoin de barre de combustible. Pas celui-là, du coup, hein. Vas-y, ferme. Du coup, stack, ok. Et donc, ça, faut que je recable. Et qu'en fait, faut que je vire celui-là. Vous avez quand même de la chance d'avoir un capitaine de génie. Hein. Non, merde, je me suis foiré. Je suis tellement bon que je vais me permettre une chips. Celle-là? Non, c'est la même que j'ai mis. Oh, merde. Le con. Il y a plein de trucs à améliorer, mec. Je veux du tabac. Non, dans le réacteur, on peut réduire le taux de consommation combustible. Ah non, ça coûte cher. Mais... Sans vouloir te commander, mais un peu quand même, parce que je suis capitaine. Mais ta gueule, on n'a pas le choix, en fait. T'avais raison, Momo. Bah oui, tu on vois. On est obligé d'ouvrir et de fermer le sas comme ça, en fait. Et du coup, ça ouvre et ferme les deux, c'est complètement con. C'est un sas de merde, en fait. Mais au début, ça le faisait pas. Bah alors non, parce que regarde, tu peux condamner. Si tu condamnes le bouton intérieur ici, tu... Pardon. Si tu condamnes à l'intérieur du sas, là, il y a un fil bleu, tu sais, qui va relier la porte au bouton. Ouais. Si tu le condamnes, ça fait qu'on ne pourra pas ouvrir cette porte-là avec le bouton extérieur, mais quelqu'un pourra nous ouvrir d'ici. Ouais, mais du coup, c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique, mais c'est fonctionnel. C'est comme le sous-marin. Mais je préfère limite garder les deux portes qui s'ouvrent d'un coup, en fait, parce qu'on a, on a et toujours... Et on se sert de cette porte-là comme de... Ah, le sas, ce sera ici, quoi, ouais. Oui, si on arrive à évacuer dans la première salle, y a pas de souci, on peut garder ça comme ça. Mais je pense qu'on va faire ça comme ça, alors. Ouais, ce sera plus simple. C'est mieux. Bon bah le carburant pour les wet gun, on verra plus tard. Alors attends, parce que c'est vrai qu'il y a des personnages améliorés, comment on fait? Attends, non, qu'est-ce qu'il vous faut là du coup? À part l'autre, il fait le mot tabax. Du carburant, pour lequel? Il me faut du coup, éthanol du coup, Russian t'as dit? C'est de l'éthanol, ouais. Ok, éthanol, ok. Est-ce qu'il vous faut d'autres trucs? Comment est-ce qu'on ouvre sa feuille de perso, les mecs? Tab. Tab est tout en bas. Le dernier onglet. En bas, le je vais prendre de la morphine, vu que l'autre, il me sniffe littéralement tout son stock. J'en ai pris que 6.
Mec, on en avait 10 pour démarrer tout. On en avait 12 très exactement, je les ai comptés. Ok, on a le placard à provisions. Ça fait quoi les grenades? Leurre sous-marin? C'est des grenades sur le sous de nous, non? Oui, c'est des grenades sous-marines, c'est ça? Oh, d'accord, oui, c'est des leurres surtout là qu'on a en fait. Okay. Pourquoi il y a une bouteille d'oxygène et un masque à oxygène? Bah, je vais remplir le masque là. Hein. Comme ça sera fait avant qu'on parte. Reprenez les filles. Ouais, les. Ouais. Alors, du coup, bonbonne de gaz, il vous en faut combien? Je sais pas. Pour recharger les batteries, des chalumeaux et tout. Déjà au minimum deux. Ouais, file-en deux. En fait, j'ai deux bonbonnes de gaz neuves sur moi et trois bonbonnes de gaz qui sont un peu vides. Qu'il faudrait que. C'est toi qui les prends toutes. Non, mais j'en ai deux, trois. Mais... J'en ai une. Elle est vide. Oh là là, il se plaint beaucoup, je trouve. Hein. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il vous faut des barres de combustible? Non, il me faut du tabac. Putain, je me suis pris un coup de jus, sa mère. Attends, non, c'est... j'en avais quatre. Sur moi. Il y a Foxy qui dit il y a du sang sur le corps pour engager une femme de ménage. Attends. C'est vrai qu'il y a un peu de sang partout là, j'aime pas trop ça qu'il y ait du sang dans mon vaisseau. Ok. C'est où? C'est là? Elles sont rangées où les éponges? Des fuel rods, on pourrait en choper un ou deux. En vrai, on en a 4, on a une barre de combustible au thorium, je sais pas exactement ce que ça fout. Momo, tiens. Thorium, c'est mieux. Hein? Je crois que je t'ai filé des bonbonnes de gaz, non? Non, elles sont par terre, regarde. Ah bon? Ah oui, Zach. Est-ce que on prend un harpon au cas où? Non. Ah, apparemment, on en a déjà deux sur dans notre. Ok, merci bien. Pas de revolver, t'en as scan? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Ouais. On a des harpons, nous? Apparemment. Mais dans quel monde? Des trucs d'oxygène, on en a ou quoi? Des bombes d'oxygène? Ouais. Ouais, moi j'en ai une sur moi, il y en a une qui est en train de cuire là. Apparemment, on en a 20 en stock. Tac. Ok. Non, on en a 27. Super. J'ai okay. Quoi, des bouteilles d'oxygène, on en a beaucoup, mais elles sont juste un petit peu disséminées quoi. D'accord. Et okay. Puis il y en a beaucoup qui sont déjà dans les masques, déjà dans les tenues, etc. Oui, oui, aussi, oui. Moi je sais que j'en permanence un masque sur moi qu'une bouteille dedans, comme ça. Ouais, moi aussi, ouais. En cas d'impératif, je peux agir. Bon, là actuellement. Ah non, ah oui, non, c'est celui-là qui est vide, mais. Ouais, ok, hop, je peux remplir l'autre. Tac, je vais foutre un autre masque. On a un petit peu dissipé au niveau d'où on range les trucs, mais c'est pas grave, hein. Ouais. Donc bon, ça va, tiens, dans le placard à provision. Non, pas dans le placard à provision. Faut que ce soit dans un vrai gros placard en métal, c'est celui-là que je fouille le premier à chaque fois, moi. Alors celui-là, là par exemple, je vais pouvoir foutre un masque de plongée comme par ça, contre, si tranquille. Tu peux, si t'as moyen de nous choper un ou deux pieds de biche, peut-être. Moi j'en ai un sur moi du coup. J'en ai pas moi. Et je crois qu'on en avait que un dans tout le vaisseau hein. Je crois hein. J'aimerais bien en avoir un aussi moi. Ok. Élimination de raptor fongeux. Non. Transport de matériel. Oh le Tchad. Je me suis chié dessus mais. Oh putain je me suis dit. Il va quand même pas me flinguer maintenant. Oh là là, mec. Du coup, tu me disais que tu voulais quoi, Scad? Des pieds de biche? Des pieds de biche et du tabac. Prends deux pieds de biche et du tabac. Regarde mon perso, comment il s'est mordu le truc. En vrai, si vous êtes sympa, ma pipe, je la partage. Oh. Bon, Russian, je te soigne de ta lésion aux organes. Je sais pas comment tu t'es fait ça, mais... Ah, mais c'est le coup de jus que tu t'es pris tout à l'heure. Ah, peut-être, ouais. Ah, c'est possible. Ça okay, va, on est tous à 100% de vie. Là. Parce que c'est pas moi que t'es en train de soigner là, moi je suis dans le ballast. Hein. Non, mais j'ai soigné tout le monde. Je t'ai attrapé, attends. Oui. Attends, comment t'as fait? Avec G, avec G, tu peux attraper les gens. Ah non, c'est parce que je faisais soin, je te regardais en fait. Ah oui, ok, d'accord. Viens là. Ah. Et à eux. Alors, par contre, je suis désolé, Scan, mais il y a pas de tabac sur. C'est pas grave, tant pis. Je ferai des émissions sans, c'est pas grave. Hop là. Ouais, il y aura sûrement du bon tabac sur la route, t'inquiète pas. Trouve-moi de l'alcool, t'as fait tout, non. On toi, s'arrête sur le bord de l'autoroute, s'il te plaît. Mais c'était pas du carburant, c'était de l'éthanol, c'est pas pareil. L'éthanol, c'est quoi, connard? Oh, il y a de l'eau ici, toi. Mais dans cette ballasse là, j'ai l'impression que ça fait mal, Momo. C'est pas du bois, c'est du charbon. Dans tous les ballasses, il y a de la flotte à chaque fois, hein. Oui, 40%, c'est normal, c'est pour la stabilité. Ok, d'accord. C'est une pièce qui reste mouillée. Ok. Mais c'est juste que comme on bouge pas et que le niveau d'eau dit change, ça me paraît bizarre en fait. Il fluctue. Ouais, non mais c'est normal, bah en fait ça nous équilibre par rapport à la pression Ah oui ouais, ok. Mais non, mais en fait, bon, pourquoi... là on le voit pas, mais dans le ballast t'as de l'eau et t'as de l'air pressurisé en fait. C'est avec ça que tu gères. Parce que moi je peux acheter des pipes mais y'a pas de tabac. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. Détecteur d'eau.
Je ferai une, un deuxième secteur sans tabac, ça va le faire les mecs, ça. Si tu veux, oh, il y a du liquide tonique. Du liquide monster. Mec, du gin. Mais j'ai une tenue capitaine. Une demi-mâle. Yeah. T'as le nombre de trucs qu'on peut crafter en fait. Gilet pare-balles, ouais. Grenade 40 mm. Non, c'est cool pour tout ça. Hein. On peut pas crafter une canne à pêche. Tu peux pas me crafter des parents. Eh, capitaine. Oui. Tu crois qu'on peut monter à la surface? Non. Oh, l'idée de merde. Mais pourquoi on pourrait pas? Mais parce qu'on est sur une lune. Et alors? Y a du rien dans la lune. Quoi? Oh la vache, comment il est attardé, mec. Est-ce qu'on peut se casser de la station? C'est juste con que ce soit lui le médecin, quoi. Est-ce qu'on peut se casser de la station? Oui, mais capitaine, il va nous faire nous tirer, là. Mais oui, on non, y va. C'est moi qui dis qu'on... Bah alors, pourquoi tu nous emmerdes? Alors attends, soit du coup, on va transforminer un groupe de colons. Okay. Vas-y, transporte-moi un colon, ouais. Lucian! Ouais? T'es où? Attends. J'ai trouvé un truc, regarde. Si je prends ma lampe, c'est pas je prends le flingue. Non mais regarde, Momo. Ouais. Avec le flingue, regarde. Ah, oh, c'est trop cool. Oh, c'est oui, classe, c'est comme dans... comment? Le Nid de l'Arc. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ouais. Donc là, on va transporter des Goldbars avec nous, c'est ça? Bah, d'accord. Mais on va y aller vite fait, t'inquiète. Oh bordel, on va tous mourir. Mec, ça se passait super bien depuis tout à l'heure. Allez, avant de partir, je te laisse encore une fois vérifier tout ce qui est niveau de générateur et compagnie. Bah, comme d'habitude, on va te dire que... que ça part un petit peu en couille, mais que c'est faisable. Ah, genre, si je décroche maintenant et qu'on part et qu'il y a un truc qui déconne, tu vois, on a un peu niqué. Non, je pense que là, tu viens de mettre le contact. Faut qu'on attende un petit peu que le moteur soit chaud, littéralement. Okay. Et mais qu'on réacteur... on pourra partir après. Faut attendre que le réacteur nucléaire démarre. Ouais. Regarde, voilà. Tu accélères un peu. Ah, tu vas le noyer. C'est là, on est en sous, on est en sous-production encore. Ils sont au niveau des. J'attends que ça se charge. Ils sont au niveau des désassembleurs, les. Comment dire. Mais ils se baladent. Non, les cargos. Les cargos. Ah, les cargos. Comment dire. Tu peux pas, les cargos. Ta gueule. T'as mais à voir ton steak. Les provisions. Les caisses en métal qu'on vient d'acheter là, avec tout le contenu, c'est dans les caisses en métal qui sont dans le constructeur et le déconstructeur. Ah, c'est pas mal ça. On est passé à ça arrive tout le temps là-bas. Ok. Non, ça c'est le ballast, je suis con. Ça avance pas. Les opiacés, le putain de Taras. Non, c'est normal. C'est moi, je vais voir des trucs. Il y a les opiacés. Je me suis coincé dans la putain d'échelle de mon cul. Je vais pas te soigner la kick si tu t'es coincé la kickette entre deux portes. Hein. Et l'éthanol. Si, ouais, si, non, ça va. Il est bon, générateur. Il est pas endommagé la sortie énergie, sortie température, niveau charge. Je sais pas ce que ça fait tout ça, mais. Je crois que c'est parce que tu peux régler en fait différents. Tu peux plus ou moins foutre des PC en fait qui sont liés. Tu sais, pour scanner par exemple, tu vois, tu fous en. Comment. T'as un truc alerte fusion, tu vois. Tu colles un PC et le PC va t'alerter qu'il y a une fusion, tu vois, mais par exemple. Attends, par contre, je comprends pas. Russian, tu peux accéder à mon placard à toxines ou quoi? Ouais. Sérieusement? On se met en route, hein. Mais t'es pas censé. C'est parce que je t'ai piqué ton badge, je crois. Et le placard à médicaments, tu peux pas y accéder. Putain, tu m'as piqué mon badge. Attends, tu viens de me poser deux fois la même question, c'est moi qui suis attardé ou c'est lui? Attends, Momo, tu peux accéder au placard à médicaments? Attends. Attends. Là. Mais je peux pas regarder, réparer le truc mégalo s'il est pas pété, même si je fais avec eux là, avec la clé à molette, non, il est pas pété, hein. Le quoi que tu... Est-ce que tu peux accéder du coup toi au placard à toxines? Non. Celui qui est sur le bas. Donc Crucial, tu peux me rendre mon badge? Mhm. Crucial. Ah non, celui à toxines, je pouvais pas moi. C'est celui-là moi, c'est le placard américain. Mais celui-là, faut pas y toucher. Bah c'est dommage. Fallait le dire avant. Allez, je me reconcentre. Capitaine, Spider il me menace. Je peux pas, j'écoute pas, je le pilote. Capitaine, faut le laisser sur le bord de la route. Ta gueule. Rends les opiacés. Putain. Rends les opiacés, ferme ta gueule. Tiens, prends le ton opium. Culé, va. Il m'a parlé de mon opium. Si, je l'ai jeté. Et du coup, il y a l'éthanol qui est là-dedans, Russian. T'as besoin. Tu voulais pas crafter un truc? Mais non, mais les bonbonnes, ça va. Pour l'instant. Mais on va quand même garder l'éthanol de côté, ouais. Vous me dites quand vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous êtes brûlé ou quoi, hein. T'inquiète. Bah, je crois que je suis bon.
Bah, de toute façon, si t'as pas un petit logo au-dessus de ton image de perso en bas à droite, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je me suis cramé tout à l'heure, mais ça avait passé tout seul. Donc... Et du coup, faut qu'on aille où? À l'installation minière, là, c'est ça? On est à 700 mètres, ouais. Ah, c'est un peu loin, quand même. Bah, le problème, c'est que j'avance, mais je peux pas avancer trop vite, parce que le temps de freiner avec le sonar qui m'affiche le mur qui arrive en face, tu vois, c'est chaud. Après, en fait, plus t'es proche, plus le sonar, il est rapide, en fait. Après, bon, par contre, tu vois rien aux Le problème, c'est qu'à partir du moment où je dépasse 10 de vélocité, il me faut 3 sonars pour ralentir à 0. Ouais. Ah oui. Après, on va vite, là, en vrai, il reste 400 mètres, hein. Ouais, t'inquiète, j'y vais tranquillement, c'est ça le truc. Oh, ça fait chier, hein. Ramasse. Qu'est-ce que vous foutez dans le sas? Ramasse, par terre, là. Juste devant moi. Où vous êtes, les mecs, hein, je vous vois, hein. Vas-y, vas-y. Le pont supérieur arrière, qu'est-ce qu'il branle? Paul, clique sur ton avatar. Tu cliques en bas. Eh, je peux avoir un truc aussi, moi? Hein? Quoi? Hein? Comment ça marche? Clique sur ton avatar. J'ai vu quelqu'un tomber dans les chiens à côté de moi. Ouais. Et en bas, normalement, tu peux cliquer sur ton truc dans ta barre de... Tu double-cliques. Ah ouais, oh là. Ils sont où? Ils sont en dessous du sas dans le pont supérieur arrière sur la gauche. Pourquoi je te tiens? Lâche-moi. Je te disais, le réacteur, c'est pas pété tout là, tu vois, parce on que... On fait un bouton biassé. La putain de t'es mort. Et attends, le voltage là, le voltage, il est... Attends, faut que je mette une barre de combustible, parce qu'on a plus beaucoup de combustible. Ouais, on est en... Je fais pas du trafic. Je fais pas du trafic, je fais vérifier les pompes. Je peux le souder? Attends, non, t'as raison. Ouais, les pompes, elles marchent bien. Là, on devrait passer dessous, normalement. Mais... Par contre, capitaine, c'est pas une sinécure. Non, mais je suis en train... Il est en train d'essayer de me souder, mais il crame juste Momo. Ouais. Ah. Je vais pas cramer Momo, il est en parfaite santé. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je crois qu'on est bon. Mais il fait n'importe quoi le putain de générateur nucléaire là! Mais ouais, il fluctue de ouf hein! Ouais, mais c'est parce que je lui tire un peu sur la gueule aussi, regarde, hop là, genre elle arrête. Oh, le cul va pas passer! Si c'est bon, il passe, allez, c'est bon, on a pas un gros cul, aussi gros cul que ça. C'est bon, y a rien qui crame là, on va retourner. Bah, je vais retourner voir vite fait les boîtiers de raccordement au cas où, mais j'ai l'impression que ça va. Ah bah... Bah non, c'est dans les balasses. T'es déchiré. Putain. T'es passé deux fois devant, hein. Après, on s'étonne que le capitaine ait besoin d'une petite clip. Ils font n'importe quoi, mec, avec mes opiacés, là. Non mais j'entends bien, hein, je suis désolé, mais je vais les punir, mais on peut faire confiance au médecin, il nous injecte directement de l'essence, le con. Oui, c'est vrai que t'as pas mérité le respect de l'équipe non plus. Mec, tu crois qu'on va pas s'automédiquer en tête, médicamenter après ou quoi, là? Tu vas parler, mec, comment tu veux? Ouais. Ouais, voilà, ouais, vas-y, fais des remarques, toi. Gol but, toi. Allez, on va pas tarder à arriver, là, j'amorce la remontée sur le peg. Le décollage, là. Prends la boîte, ouais. Oh, il reste un petit truc dans la boîte. Bon, moi j'ai chopé de l'éthanol. Putain, j'en ai marre. T'es où? Je suis dans le fabricateur. Tu peux... Non, l'éthanol. Ça coûte super cher l'éthanol, merde. Bah, faut pas le laisser traîner, les gars. C'est toi, le ton fixe. Il est fou, quoi. Oh, pas mal. Et du coup, je peux faire bonbonne de gaz recyclée. D'accord, ok. Donc, faut trouver une bonbonne de gaz vide. Non, mais t'inquiète, on tape pas fort. Fais confiance, je suis capitaine. Moment. Non, il faut être vraiment dessus. Regarde. Oh, merde. Ouais, efficace. La quête. J'étais en train de réparer un truc, ça m'a coupé. En fait, j'ai remarqué qu'à partir du moment où tu tapes à moins de 3 de vélocité, ça t'arrête juste. Non, c'est bon, je l'ai encore. Hop, est-ce que tu peux me trouver du tabac cette fois, ça m'arrangerait s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai essayé de voir si je peux trouver qui vend du tabac. Mec, c'est le capitaine qui demande et l'autre en plus. Il y a un clown, il y a deux clowns. Je vais chercher un truc à boire, j'arrive, puis je vais pisser un coup dur. J'hallucine quoi. Oh, clinique. Je suis bien moi. Je suis à 100%, je vais trop bien mec. Ah, c'est parce que je me soigne. Y'a quoi là où? Du coup, lui il vend quoi? On peut améliorer le bateau. Merci. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux améliorer? La coque, histoire que ça tienne un peu plus.
Bah, la coque, à part la première mission, on n'a pas eu de problème. Hein. Ouais, la coque, c'est relativement facilement fixable. Je sais pas, est-ce qu'on peut pas améliorer le générateur nucléaire? Générateur d'oxygène, moteur, réacteur. Bah ouais, réduisez le taux de consommation, augmentez la production, augmente le temps pendant lequel les réacteurs peuvent rester à une température critique avant d'entrer en fusion. Voilà, alors, les cocos, vous excuserez le capitaine, mais quand on se tape des trous du cul de drogués dans l'équipage, il faut qu'on amortisse un petit peu le coup. Voilà. Capitaine, je peux avoir 175 marques, s'il te plaît? J'ai rien, je suis carrément à zéro. Capitaine, je peux avoir zéro aussi. Spider. J'ai pas de thune! Putain! Spider? Non. Envoie-moi 75 marques. Quoi faire? Envoie-moi, c'est pas ton. Tes os à gnon. Il veut se payer une pute sous-marine. Ouais, c'est ça, ouais. File-moi 75 marques, putain! Mais je peux pas te filer de l'argent! Mais si tu peux! Comment? Faut que je tabe un mec. Mais attends, t'es où? Allez, à la santé du capitaine. T'es où, Christian? Pourquoi y'a un clown de sa merde? Je suis déchiré, je crois. Je suis pas très loin du mec qui vend l'opium. Ah, celui qui vend le tabac, il est où? Mais je sais pas, je crois qu'il... Attends, parce qu'en fait, y'a trois marchands ici. Et celui qui vend le tabac... Dans ma tabatière. Électrochimie 20 légendaire. Mon gars. C'est pas dire, tu peux filer 53 balles. Arrêtez de me demander de la thune, je peux pas vous... Mais t'as qu'à nous payer, espèce de connard, aussi. L'autre, il prend les contrats, il prend toute la thune et il s'étonne qu'on se drogue. Le mec, il trouve quand même un moyen de s'en sortir. Oh la vache. Lui, c'est le fil vert sur le bouton vert. De la morphine, Russia. Non. Attends, je peux vous... Tu veux juste... Attends, Russian. Non, moi, je peux, regarde. Tu veux combien, Russian? Je sais pas, on se fait... Attends, faut qu'on en discute, les gars. On se fait combien par mission? On se fait 1000. On se fait 1000. Je peux filer 53 balles. Mais on peut se filer 100 marques par personne. Et comment tu fais, Skaz? Il peut gérer les taux qui sont envoyés à chacun. Je peux l'envoyer depuis la banque. T'as une banque? Ah bah, Groupama, hein. Attention. Et quand t'ouvres un compte, en plus, il te file 150 balles, alors mec... Par contre, ça n'a pas marché. Ah yes. Non, mais c'est peut-être pour les prochains paiements. Mais c'est peut-être Spider qui doit le faire. Ou que c'est lui. Mais le... c'est où? L'autre de la partie? Elle est où, la banque, Skull? Quand tu fais tab, ouais. Tout en haut sur équipage, quand tu cliques sur quelqu'un, tu vois le truc de la banque à droite. Sauf que je peux pas filer les salaires en fait. Ah, mais il y a zéro marque dans le. On a un truc à la banque, mais on a zéro marque ici parce que c'est de mon compte à moi. Attends, comment ça marche cette connerie là? Attends. Comment ça. C'est... En fait, c'est des pourcentages. On met 20% chacun. Ouais, mais je peux pas les toucher, moi. Moi, je peux. Attends, par contre, Russell, je t'enlève tout ce que... Qu'est-ce que t'es en train de faire? Attends. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça a l'air marrant, moi. Attends. Est-ce que je peux? Dis-moi que tu veux. Non, je peux pas. Je me suis foutu dans une wheelchair et j'ai pris 2 litres d'éthanol. Mon perso, il est en train de bouger, un mec. Mon perso, il est flingué, mon gars. Ah, mais j'ai volé sur le mur. Pourquoi je peux pas te... Oh, c'est nul, par contre. Je crois que ouais, tu peux pas. Même si tu fais G à côté de moi, tu peux pas me... Non. Me pécho? Après, attends, si je fais. Ah, mais non, mais du coup. Non, c'est juste un truc. Ouais, on peut pas. Voilà. Je suis pas bourré, tu me touches pas, je suis pas bourré. J'ai zéro dans mon portefeuille, je peux rien faire. Mais je suis en train de le mettre! T'inquiète, je regarde des trucs. Normalement, vous avez tous 200 balles. Oh putain, un peu, je peux prendre. Ah oui? J'en prends deux. Pourquoi c'est toi qui peux gérer ça? Russian, t'es ivre. Non. Je me demande, non, je suis pas ivre, je suis Russian. Quel que là. Oh la vache, j'ai envie de te flinguer. Toi, tu veux s'acheter des canettes? Non, c'est pas des canettes, mon poteau. Putain, tu l'as chopé où là? Et hop. Et du coup, on peut venir ici et je crois que je peux crafter de la morphine. Ah non, je peux pas faire de l'opium. Ah, y'avait du tabac? Ah, y'a du tabac! Où ça? Là où je suis, alors faut aller sur la droite, vers chez les médecins, et c'est dans un distributeur, par contre c'est 180 marques. Je m'en fous! C'est quoi ces conneries là? Qui c'est qui m'a viré ma thune? J'ai utilisé juste ma thune à moi, mais. T'es là? Regarde, ici, j'ai plus distributeur là. 20 balles.
Mais... Momo, t'as 200 balles? Tu te fous pas de ma gueule, je suis sur l'écran, j'ai 20 balles. Parce que moi je vois 20 balles en bas, en bas aussi, pas, mais... Pourquoi je peux pas acheter? Mais parce que 20 balles, ouais. Ah bah ouais, t'as que 20 balles, mais du coup c'est partagé, c'est pas pour tout le monde. Spider, c'est gouré du coup, parce que là je viens d'utiliser la thune, mais c'était pas... Genre, tiens Momo, tiens, prends 200 balles. Non, il est où, tiens, même si... 100 balles. Moi aussi il me faut 180, 170. Putain, mais vous faites chier. Okay. Ah, on fait chier, eh oh, c'est moi qui pilote, ça va, non? C'est bon, je l'ai chopé le truc ou... Merci. C'est bon, Skate, t'as 370k? Non, j'ai 180 balles. Pourquoi c'est... C'est... Putain, ils ont une rupture de stock! Je m'en fous, je prends de l'opium. Ah, tu vois! Au bout d'un moment, ça va bien. Hein. Oui, on voit, on voit portefeuille, on voit que t'es à 180, Skad, et que toi, Mums, t'es à 194. Ah non, je suis à 4. Mais c'est quoi en bas alors? Je comprends pas ce qui est marqué en bas. Parce qu'en fait, ça ne change pas en temps réel, c'est ça qui est super spé. Ah. On retourne au bateau au pire et... Bah on prend une mission, hein. Ouais. T'appelles mon sous-marin, un bateau. Par contre, elles sont où les missions? Dans ton cul. Comment on redescend, putain? Non, c'est par où? Putain, mais c'est super cher. Faut aller à gauche, faut aller à gauche encore. Ok. Là, je voulais me prendre une monster, c'est 42 marques, quoi. Russia, j'ai pris des trucs, tu vois. C'est vrai? Ouais. C'est à gauche? C'est à gauche, je crois que c'est par là, Momo. Je crois que c'est par là. Merde, putain. C'est de l'autre côté des clowns. Ah, je me suis pris une corde. C'est de l'autre côté des clowns, Momo. Une fois que tu passes des clowns. Y'a des clowns partout aussi, je suis déchiré ou quoi? C'est... Comment ça, ou quoi? Voilà. Et hop, c'est bon, on est dedans. Ah, on est chez nous, là. Vas-y, viens, viens. Bonne soirée, capitaine. Viens. Bonjour. Donc ici il y a les périscopes. J'ai vérifié les pompes. Oh, vas-y, c'est parce que je suis capitaine que voilà. Oh comment ça, périscope là. Hey, regarde. Tac, je suis plus capitaine, qu'est-ce qu'il y a? Momo il est à poil. Même capitaine, vous êtes à poil. Si la pompe est pompe, c'est bon. On peut jouer au limbo avec le capitaine. Et quoi, base de périscope, ok. Bon, je vois pas tout à quoi sert tout, mais Merde, c'est ballast. Ah, c'est quoi, je ballast? Ouais. Attends, j'ai pris une mission où faut qu'on s'occupe des clowns, mais sans les buter. Quoi? De quoi? Mais on prend la mer. Non, on veut prendre une mission de transport, un truc comme ça, on va prendre la mer. Oui, mais attends. Pour m'occuper des clowns, moi. Je suis pas clowniste. Je suis pas Georges Clownest. Bah oui. Mais où est-ce qu'on se casse? Tu sais quoi, attends, sectionner mission, ok. J'ai pas de mission. Parce que moi je t'ai mis un coup de déo, Momo. Ouais, mais je pue, c'est l'air du sous-marin. Ça va, c'était un peu mieux là. Fais voir, attends, bouge pas. J'ai éteint le générateur. Non, ça va. J'ai éteint le générateur parce qu'on est à l'arrêt là. Et je crois qu'on est où à la station. On a pas de mission en fait. Écoute, tu sais ce que tu fais. Hein. On a pas de mission. Fais voir, est-ce qu'on peut aller ailleurs sur la carte? Attends, c'est bon, faut que c'est bon. On est à l'avant-poste qui me joue. Non, mais en fait, on peut aller ailleurs, oui, mais il faudrait qu'on ait des missions histoire que ce soit pas un voyage qui sert à rien. Quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr, on va pas. C'est comme les camions, tu voyages pas avec ta remorque à vide, quoi. La remorque à vide. C'est qui ça? Y'a un amas de minéraux. Attends, y'a Russian, attends. Extraction de quartz. Oui? Je suis désolé, mais comme on a pas de douche en mer. Voilà. Ah, c'est vrai que je sens bon. Oui. Génitrice, alors, mission de bloquer génitrice de rampeur. Tu l'as pris saveur gaz carbonique, je vois. alors. Je travaille de plus en plus mes rires. Chat, je fais ou quoi? Alors, qu'est-ce que. Les mecs, T'es où? Rien, je suis là, je suis tranquille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Extraction de. On a deux choix. Extraction de quartz, où va falloir péter des cailloux. Ou alors, désinguer des bestioles. Spider, je crame de l'intérieur. C'est pas mon problème. Bon, vite de l'opium alors. Viens là. Ah. J'ai bu 1,5 litre d'acide sulfurique. Mais... Je le savais parce que j'ai regardé dans le coffre à toxines, j'ai vu qu'il n'était plus. Attends, je m'en fous, je soigne plus. Alors par contre, j'ai oublié qu'il fallait que je réactive le générateur.
Voilà, il va remonter tranquille. Quoi dedans? Oh yes. Et où mon tabac? C'est pas dans cette caisson. Voilà. Oh, ça fluctue là, ça fluctue là. C'est toi qui as mon tabac? Non. Il est où? Le tabac, t'as pas oublié de le prendre au distributeur? Parce qu'il faut le ramasser, hein, au distributeur. T'as dépensé 180 balles et tu l'as laissé à un mec! J'ai dépensé 300 balles parce que j'ai acheté de l'opium que j'ai pas ramassé non plus. Oh putain! Mais je savais pas moi! Capitaine, je suis pas un trader! Spider, tu ne peux rien dire, littéralement. Tu as passé ton droit à dire des choses, mec. À chaque fois que j'achète des trucs, c'est pour les utiliser, c'est pour te soigner, pendant que toi tu t'enfiles de l'éthanol et de l'opium. Comment ça, je m'enfile de l'éthanol? Évidemment, je m'enfile quand tu m'en injectes, connard. Fou la nuit. T'as bu deux bouteilles en quart tout seul. Vous me direz, les mecs, quand on est actif au niveau du générateur? Bah normalement le générateur là il doit être relativement chaud, je vais aller voir vite fait. Par contre, là faut juste qu'on aille miner hein. Oui on va aller le mine et puis on va aller Bernard. Écoute, on est toujours en sous-prod mais je peux pas vraiment y faire grand chose hein, je peux essayer de... Non mais une fois que tu veux démarrer ça va aller. Ouais, ok ça marche. Je te fous un peu plus haut quoi, histoire de voir. On a de la prod un peu Ok, ici c'est bon, ça marche. Là je tire dessus là. Ouais c'est bon, ça remonte, on est bien. Bah ça remonte mais le truc c'est que... Non mais il fait ce qu'il veut, tu sais quoi. Oh ah ouais, là t'es en train de demander de fou non? Ouais, ok, plus d'énergie, on est en train de tomber. Ah bah ouais, bah demande pas, arrête. Désactive tout. On tombe. Tu veux tout désactiver là, tu peux pas arrêter de lui demander? On tombe, 1220 mètres. C'est capitaine, tu peux me répondre, est-ce que tu peux lui demander d'arrêter? Lui demander quoi? Bah tu ne bouge plus rien quoi, ne touche plus rien. Parce que voilà. Non, on est bon. Là bah, du coup, c'est bon, ça va revenir. Moi, à la base, je ne touchais à rien hein, vu que j'avais plus de contrôle sur rien. Donc. Attends, contrôle. Putain, merde. Ouais. Ah, les contrôles automatiques. Attends, c'est la production de la turbine, je la comprends pas, putain. Mais moi non plus, la turbine output, je comprends pas. Ok, tu vois, production de la turbine, bah ça en demande plus parce que Scad tire dessus. Mais. Enfin, j'ai l'impression que ça. Ça va, je crois qu'on a juste un générateur de merde. T'avais pas amélioré le générateur, Spider? Mais non, parce que ça coûtait 1700 balles, et du coup, vous voulez là-dessus, du coup, j'ai divisé, quoi. Mais pour l'instant, il marche, hein, tu sais quoi. Ah, il est juste pas top, quoi. Ah ouais, c'est juste qu'on comprend pas comment il marche, mais il marche, à partir de là, on s'en fout. Bon, écoute, de toute façon, c'est à la russe, hein. Attends, viens voir. Ok. Je suis dégoûté, j'ai pas mon tabac. Alors là, par contre, j'ai un passage qui va être assez compliqué. Ah ouais, faut... C'est clairement le... Alors l'oxygène, c'est bon, on est bon au niveau de l'oxygène, Momo? J'ai une fuite ici. Où ça? Dans mon câble de commandement. Oh putain, je touche à rien. Comment t'as fait? On a tapé une bestiole. Oh la vache. Merde. Oh la vache. Ah la vache, ça c'est vous, il faut que je répare. C'est bon, c'est où? Oh là là, remonte enculé. On est en train de perdre toute la puissance. On va taper le fond. On va taper un truc là. On est sans ballast, on est sans ballast. Oh la vache, c'est rempli partout. Ouais, c'est la merde, ouais. Ah, je me suis pété un os. Ok. Sur le ballast de droite, c'est bon, ici, ici on est bon, ici on est bon. Non, on est pas bon, là. Il y a des trucs à buter autour, là, en fait. Est-ce que quelqu'un peut aller... Oh, je vais au... Ouais, vas-y. Oh, putain, de merde, c'est... Je vais pas pouvoir. Oh la vache, oui, c'est bien pété, ici. On a du bridge au niveau de la citerne de ballast A en bas à droite. On a c'est bon, je suis en train de commander, On a une bridge encore au tableau de commandement sur le haut. Oui, bah je vois ce qu'il y a dedans. Non mais je vous annonce, je vois pas ce que vous faites. On a deux bridges au niveau de SAS et entrée de SAS et un bridge en arrière sur le pont supérieur. Et tu fais un truc super marrant vu que l'autre il s'est enquillé tout l'éthanol et bah j'ai plus de truc. Oh la vache. Je peux rien faire, Scad. C'est à droite, ici là. Attends. Allez, mais putain de porte à la con, mais monte! Il est con ce jeu! Ouais, y'a un truc qui est rentré! Capitaine, y'a un truc qui est rentré! Je sais! Oh la vache, ça a repété! Putain! C'est bon, il est mort! Il est mort? Ouais. S'il est sur la droite, je sais pas s'il est mort. Je vais aller voir Sas à l'arrière, tu m'avais dit, hein! Oh la vache, oui! Oh, il y en a un qui est rentré, il y a un rampant à l'arrière, les gars! Capitaine, il y a un rampant à l'arrière! Où ça? Ça, c'est arrière, c'est arrière! Côté gauche? Ouais, côté gauche, il m'a buté! Non, il m'a foutu KO!
Dégage ta race. Ah, oh la vache. Je suis plus bloqué où là où je suis moi. Ah merde, c'est pété. Ok, il est mort. Traumatisme contondant, morsure, perte de sang, saignement. Il te faut du bandage, il te faut de l'éthanol. attends. Ok. Mais pourquoi ça se pète en boucle ici? Normalement c'est bon, monsieur. C'est parce qu'on est... merci. C'est parce qu'on frotte contre un truc, non? On frotte contre rien, là, capitaine? Non, mais on est posé au fond, là. Mais au-dessus, là, au-dessus de là où je suis, là, enfin, que je suis en train d'apparaître, ça se pète en boucle. Mais c'est parce que mais il y a une bestiole au-dessus, là, faut choper le périscope pour buter celle qui est en haut à droite, là. On a pas de périscope qui va au-dessus, en ouais, fait. Ouais, on a pas d'angle en haut à droite, capitaine. Oh, merde, putain, faut que je le bouge, alors. On a... On va taper, hein. Écoute, on a l'angle du bas, on a l'angle du haut, mais on a pas en bas à droite. Ça marche, je bouge, je bouge. Oh putain, le moteur, il a pris cher. Ouais, je ne peux pas bouger, j'ai pas de propulsion, là. Vite. Ici, c'est bon. Je répare le moteur, Guiden, je répare. Oh putain, oh là c'est là ici. J'ai plus l'oxygène. J'ai plus l'oxygène. Bah viens me voir, viens me voir. C'est bon. Momo, casse-toi. Oh la vache. Je peux mettre tout là, le connard, là. Mais non. Il est vivant? Ah oui, oui, il est vivant, ferme le moteur est réparé, Guiden. Le générateur, c'est la merde. Ouais, là, ça va être compliqué, là. Il est mort, j'ai le rempart, là? J'ai plus de balles. Oh putain, mais il y en a un autre. Il est pas du tout mort, le rempart. Il vient de nous bouffer. Les balles, elles sont en bas. Non, mais putain, c'est les balles pour les... Viens le rampeur. Elles sont où, les balles? Ah, mais tout est pété. Putain, ici. Mais il a chié, ce truc. Je sais pas où sont les balles, les mecs. Je sais pas où sont les balles non plus. Mais on en a plus 4, c'est pour ça que je te demande si tu voulais qu'on en rachète. Bah, le problème c'est que j'en avais, mais je viens d'en utiliser 16, en fait, c'est ça le truc. Je m'attendais pas à ce que j'ai 3 rôdeurs à buter. J'imagine. T'es, il est encore là. Putain. Attends, j'ai un pied de biche, moment, on peut tenter un Hail Mary. Ouais, parce que moi j'ai que dalle, hein. Tu penses que je peux taper avec ma wrench ou quoi? Je crois pas. Ah, si. Aïe. Il est bloqué, ce cadre. Ouais. Putain. Attends, recule. Tu l'auras pas avec ça, tu l'auras. Allez, pas. Allez, il me chope. Ok. À la limite, c'est quoi, il est coincé, hein. Va voir Spider. Ce qu'il faut, c'est réussir à réparer le moteur. Je vais claquer. Ouais, t'as l'air en sale état, poteau. Je vais claquer, j'arrive plus à marcher. Ouais, Spider. Ouais. Quoi? T'es où? Je suis au générateur. Au générateur. Je suis claqué au niveau du générateur, il va falloir faire un massage cardiaque, là. Ah la vache. Ah, il est sorti. Ah, putain. Il vient me bouffer, il est en train de me bouffer, laisse-le me bouffer. Je suis en train de saigner. Oh merde, t'es rentré, le connard. Il est en train de me buter. Je suis mort. Bah, je peux rien faire. Oh là, j'ai pris cher. Alors, j'ai pris cher sur la gauche. Y'a un rampant dans la salle du... Ouais. Générateur. Ouais, on a tapé le fond. De... je saigne, j'ai tout. C'est bon, normalement. On a tapé okay, bien le fond là. Faites attention. Comment on va pour s'en occuper de ce connard? Non, tu pourras pas, Scan. Ouais, je suis mort. Ouais, Scan est mort aussi. Demande une réapparition tout de suite. Je vais aller chercher un truc à boire, je reviens vite fait. Vous voulez qu'on recommence ou quoi? Oh bah non, attends, on n'est pas mort encore. Il m'a éclaté. Donc il y en a combien à l'intérieur? Il y en a deux. Il y en a un dans la salle des machines et un au niveau comment dire des pour le déplacement en fait pour les moteurs quoi. Donc il y en a deux. En fait il y en a un au niveau de l'engin nucléaire. Ouais. Et un là où on a tout notre stock de médoc et qui permet d'accéder à la cabine. Ok. Oh la vache. Et le fait qu'on ait pas d'autres armes, il nous faudrait un bâton ou un truc. Ouais. C'est la galère. Eh B, il est en train de me taper toujours le truc par terre là. Au moins ça prend plus l'eau, c'est vrai, général.
Et ouais, je crois que j'ai plus ou moins tout colmaté, mais. Mais elle subit pas. Rebonsoir. Rebonsoir. Oh bah ça se passe bien. Ouais, un pack. Ouais. Toujours là le bordel, hein, mais. Toujours vivant, toujours la banane, tout ça là. Mais y'a plus rien à bouffer, pourquoi il reste là? Vas-y, avoue, Romain. Il continue à me tabasser, moi, le truc. Il s'en bat les couilles, hein. Je suis mort. Ah, mais c'est. Moi aussi, je crois qu'il est en train de bouffer mon cadavre. Ouais, ouais. Non, mais il veut pas me manger, il me tabasse. Point. Il tabasse mon cadavre. Je pense qu'il nous faudrait, pour ces missions-là, il nous faudrait un garde du corps avec une AK, là, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a régène mais d'ailleurs en mangeant ton corps. Ah, stylé. Yes, génial. Attends. Il faudrait limite foutre des. Comment dire? Au moins deux bots, genre soit pour la sécurité. Marche ça là? Non, ça marche pas. Si, non? Si, si, c'est enlevé un petit peu, c'est enlevé un petit peu, mais en fait, il est en train de bouffer le cadavre de Skad. Skad, demande de repop. Bah, je peux pas, faut que j'attende deux minutes. Oui, mais tu l'as demandé déjà. Non, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, j'ai fait attendre. T'es en train de te faire niquer là. Si, sa vie elle a baissé. Mais c'est juste que c'est pas rapide quoi. Oh la vache! On est bloqué en bas en fait. Là, ouais. On peut pas faire une turbo purge de tout là, bah non. Par contre, j'ai envie de dire que maintenant qu'on a compris à peu près comment ça marchait, est-ce qu'on se relancerait pas sur un autre sous-marin et au moins on sait ce qu'on fait? On peut relancer une nouvelle partie, je pense. On peut peut-être changer aussi nos rôles. Ouais, 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 si vous voulez. Ouais. Moi, après, capitaine, ça... Oh là. Ça me va, hein. Ah. Ah. Ouais, est-ce qu'on relance pas une partie? Ouais. Attends, attends, je veux juste savoir ce qui en se vrai, passe. En vrai, hein. Bah, c'est la S. Ah, il a pété le. Ouais, il a. La. Au moins c'est pour ça que je fais ça. Ouais, on peut aussi prendre un plus petit sous-marin, ouais. Ah oui. Un petit truc qui se faufile partout, là, comme ça on est bien. Ah bah tiens. C'est moi qui ai coupé. Ah ok, ouais, ouais, ouais. Non mais t'as raison. Parce que j'ai pas envie non plus de faire paniquer Momo pendant 3-4 ans, quoi. Mais c'est vrai, il était bien, là. Plus petit sous-marin, on en a un d'attaque. Regarde, le dugong d'exploration, je crois qu'il est petit, non? Le dugong, il est 3-5 personnes. Non, 38 x 9, vas-y, regarde les plus petits du coup. Ouais, ouais. Donc du lavant. 29 x 9. Ouais, le bazooka. Ah, mais c'est un d'attaque. Bah, après, ouais, on peut attaquer des trucs, hein, sur son site. Exploration. Ouais. Plongée profonde, en fait, ouais, non, mais. Ah, il y a une navette. Oh la vache. Oh, c'est une navette. Une navette. Un moyen de transport entre les hommes. Aucun chargement. Le problème, c'est qu'on va avoir aucune arme. Ouais, non, non, on pourra rien faire avec ça. Ouais, c'est ça. Prendre du gong. Tu parles du gong? Ah, il est pas mal, non? C'est quoi? Attends, parce que nous on avait l'azimut qui était 39 x 9 et le dugong il est à 38 x 9. Il peut stocker jusqu'à 8 caisses, 3-5 d'équipage en débutant vanille. Ah, par contre, ouais. Je vais. Attends, du coup, on garde le dugong. Campagne. Attends, il a plus ou moins le même layout. Hein. Alors, moi, si vous voulez, je reste en capitaine, ça me dérange pas, hein, vu que je fais le trajet. Ouais. Okay. Je vais rester en médecin, par contre, est-ce qu'il y a moyen... Je vais ajouter un bot qui s'occupera de l'électricité. Bah non, je me fous en ingénieur, moi. Momo, tu restes en mécano, du coup? Ouais. Je me fous en... Et du coup, en dernier rôle, je me fous en agent de sécurité, mais... Je vais me fous en ingénieur, du coup, je vais m'occuper du générateur et du coup, de l'électricité. Ouais, bah je reste en capitaine, alors. Et Momo, je crois que c'est ça, hein, ingénieur. Donc, pilier de l'équipage des ingénieurs, professeur des aptitudes des mécaniciens et leurs compétences en électrotechnique. Ils sont capables d'entretenir les divers appareils électriques du sous-marin. Ouais, je pense que ça va être plus facile, du coup, comme ça. Et du coup, on met pas de bot pour la sécurité? Tiens, parce que toi, Russell, t'es en sécu, c'est ça? Non, je viens de dire, je suis un ingénieur. Du coup, on rajoute un bot pour la sécurité? Tu peux foutre un bot de sécurité, ouais. Moi, j'ai pris qu'un rôle, c'est capitaine, du coup, comme ça, on est tranquille. Par contre, ne faites pas de nouveaux persos parce que vous allez perdre vos progrès. Bah, je crois pas que j'en ai refait un nouveau, ça m'a foutu automatiquement mes choix d'emploi. Non, c'est bon, t'es bon. Ok. Bah du coup, foutez-vous prêt, puis... Ah quoi que non, attends. On peut pas le gérer le bot, du coup, on peut pas lui dire quoi prendre? Si, on peut lui donner des ordres, mais... Ah mais on sait pas comment il va spawn, en fait. Bah ouais. Bah à mon avis, il va spawn en que dalle, quoi. Mais pas de bot, on est bien entre nous, là. Là, je reviens On me chopera plus de balles de pistolet et je les défonce. Bon, c'est... Momo, fous-toi après. Ah putain, il s'est barré. Mais c'est pas grave, on a le temps. Pire, c'est bon, oui. Ou au pire, on vous chopera des revolvers aussi. Ouais, au moins, on pourra essayer de prendre tous des guns, tu vois. Et franchement, le jeu, il est pas si compliqué que ça. Non, c'est sympa. Il est dur, mais il est pas compliqué. Des chercheurs ont découvert que sous la surface glacée irradiée d'Europe, une lune de Jupiter se dissimulait.
Qu'est-ce que c'est que ce... Ah non, il est en dessous. Pardon. C'est quoi cette forme pas du tout faite pour l'eau? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vais aller prendre des quêtes directement. Ouais, bah vu que tu gères bien ça, je te laisse le faire, ouais. Je me roule une clope et ensuite je vais aller voir notre générateur comment il est. Je vais surtout prendre mes marques dans le bâtiment. Pareil. Parce que je suis à chier déjà en sens d'orientation. Alors attends, je commence avec quoi? Une barre de combustible, une clé à molette et un tournevis. Et j'ai aussi une ceinture porte-outil, une tenue de protection qui me protège contre les brûlures et la radiation. Et ouais, d'autres slots. Ok, d'accord. Gauche, on a salle des moteurs. Alors voyons voir. Comment ça se présente? Transport de fournitures médicales. Élimination d'un gros rampeur. Du coup, là, on est sur... Ok, donc pas ici, il faut pas ouvrir ça. Est-ce que on achète des trucs déjà ou alors la première mission on la fait un peu à poil? Si, hein. J'ai rien. Non, on peut la commencer à poil, c'est pas grave. Alors, le mec qu'on a chopé, le bot, du coup, c'est un agent de sécurité, ce qui est plutôt cool. Très folie. Ok, il est cool, alors, mais. Les mecs. Oui? Ouais. Pont supérieur tout à droite, il y a une armurerie avec deux canons harpons, une matraque étourdissante, un couteau et deux revolvers. Tout à gauche, il y a le truc de navigation. Tout à gauche au pont supérieur, il y a le truc de navigation. Et juste à gauche de ça encore, il y a une armoire avec trois chalumeaux, trois bonbonnes de gaz, des tournevis, des pieds de biche, etc. Ah, Simon, ouais, je veux un de chaque. Il y a des masques de plongée, etc. Moi, il me faudrait quand même un chalumeau. Je vais prendre un chalumeau quand même. Ouais. C'est normal par contre qu'il y a quasiment pas de lumière dans le bateau là. Oui, c'est qu'on l'a pas allumé. Oui, t'inquiète, ça va, t'inquiète. Il doit pas être. De toute façon, il doit pas être allumé. Et il est où le générateur? Il va être où là? Du coup, à droite, ici, donc il y a le matos. Ici, il y a. Ok, ici c'est le ballast. Ici, il y a la salle des médecins. Ayez un masque de plongée avec une bouteille sur vous en cas de problème. Ouais, toujours. J'ai un tournevis, une clé à molette, j'ai des balles, un chalumeau et ça va. Voilà. Et là, on a 5 tenues, hein. Tout à l'heure, on en avait 3. Hein. Je commence avec une pipe vide. Ah merde. Sale malus. Mais on a 4000 en banque, c'est ça que je comprends pas. Là, on a un générateur d'oxygène. À la limite, c'est quoi? Je vais directement, vu qu'on a un peu de thunes en banque, je vais aller voir si directement on peut pas acheter. Comment dire. Genre des améliorations pour le bateau, genre les réacteurs, parce que c'est ce qui nous lâche, ça a pas mal lâché. Alors non, c'est pas ce qui nous a pas mal lâché, c'est parce qu'on avait un manque de gestion d'énergie. Oui, mais enfin, la gestion elle était là, mais le problème c'est que on est toujours en... Non mais, je sais, mais le problème c'est que du coup, comme moi, quand je manœuvre, je suis obligé de cliquer à fond, décliquer, mettre un petit peu, enlever. Du coup forcément le générateur il fait vouf, vouf, vouf. Bah c'est ça, ouais. Et ça je peux pas y faire grand chose, hein. J'essaye de smooth un petit peu la conduite, tu vois, de pas mettre trop de gros inputs dedans. Ouais. Mais c'est pas facile. Attends, qu'est-ce que je fais? Du coup, c'est quoi qu'il te faudrait, toi, ce qu'il y a de groupe réacteur? Non, mais moi, je me démerde avec ce que j'ai, franchement. Hein. Mais après, il faut de la solidité et de quoi réparer, merde, en fait. C'est surtout ça, tu vois. Okay. Il nous faudra un réacteur plus moderne. Il faut de quoi faire face, ouais, j'ai vu que t'as ouvert le sas, Momo, ça a clignoté à côté, ouais. Ouais, attends, j'avais pas compris que c'était le sas ici. Donc, en fait, ce qu'il nous faut. C'est être sûr qu'on a ce qu'il faut en chalumeau, il nous faut quelques câbles pour être sûr de réparer. Il nous faut des trucs médicaux, il y en a pas mal, là, j'ai vu dans le truc de la salle médicale. Éviter de faire les cons à bouffer comme j'ai fait là tout l'opium. J'ai quand même, ça m'a quand même reset tous mes points de talent, hein, donc j'ai perdu de l'ingénierie. Mais mec, moi je pilote depuis tout à l'heure et j'ai aucun point de talent. Et du coup, attends, Scad, ouais, j'ai réduit la consommation d'énergie, moi, que je peux améliorer là. C'est voilà, pas mal ça. Ou alors réacteur, réduisez le taux de consommation de consommation de combustible. Le combustible, on s'en fout, on le rachète. Ou alors augmenter la production du réacteur. La production de réacteur peut être pas dégueu, en vrai. Ce sera plus facile à gérer pour les mecs en bas niveau équilibre. Je pense, ouais. Et tu sais quoi, je prends ça. Et c'était quoi sinon dans les moteurs, réduire la consommation d'énergie, comme ça... Ça c'est pourrait... pas mal, ouais. Comme ça je ferai moins fluctuer quand je ferai bouger le truc. Il reste 600 balles, mais on peut pas faire grand chose. Si on peut... Attends, ouais, donc il y a un extincteur juste à côté du truc. Il est beaucoup mieux ce vaisseau-là. Hein. Ah bon? Bah il est tout long, il y a que deux ponts. Oui, il est sympa. Ouais. Hein. Il est beaucoup plus pratique en fait, quoi. On est sur deux ponts et le pont supérieur c'est avec le sas et les ponts supérieurs quoi, tu vois, donc c'est pas non plus y a rien dedans. Ouais. Mais c'est vrai, on est sur deux ponts dont la salle des moteurs qui est juste les deux et l'armurerie qui est tout à l'arrière en fait. Et là par contre il est beau parce que on a une citerne de ballast A à l'avant et une citerne de ballast B à l'arrière et ça j'aime beaucoup.
Donc B c'est sur la gauche. B c'est sur la droite. B, le vaisseau apparaît à l'envers. C'est, ouais, c'est con, mais il apparaît à l'envers. Il y a un pied de biche à l'arrière à côté du moteur. Vous avez un assembleur, ouais, un désassembleur. Je crois, ouais, quoi, j'ai vu un tout à l'heure. Normalement, ça fait partie de tous les vaisseaux. Merde, putain, c'est ballast à chaque fois. Parce que maintenant, ouais, je suis en train de me douter. Parce qu'ici, il y a un truc pour donc, l'oxygène. Mais c'est là-bas. Au pire, assembler, ici, désassembler, on peut le faire. Oui, on peut le faire aux avant-postes. Sur le dugong, il n'y en a pas, nous dit Fennec en poli. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. On peut le faire aux stations directement, si jamais on veut. Ouais. Les ballasts, ils sont où? Je les vois pas, ouais. Je suis con, quoi. Tout en bas à gauche, tout en bas à droite, simplement. Bon, en fait, t'as à l'entrée l'échelle qui mène au... Là, tu vois. Après, Momo, ouais. si t'es paumé, viens là où je suis, à côté de là où on rentre dans le truc. Et quand tu cliques sur le moniteur d'état, tu vois tout le sous-marin sur la gauche. Là, le moniteur d'état, là, le petit écran. Ok, ouais, ok. Tu vois tout le sous-marin. Ok, d'accord. Ah oui, ok, on y accède comme ça. Ah ouais, ok. Là où on peut descendre pour aller aux salles des machines, c'est le seul endroit où on peut descendre en fait. Le reste, c'est des ballasts. Ok. Donc, ouais, genre ici, il y a un ballast. Là en fait, il est à droite, le ballast. Regarde, oui, remonte. Ok. Il est là, du coup. Ouais, voilà. Il me plaît. Ok, d'accord. Ce navire-là. Après, si tu peux nous trouver une. Sans vouloir te commander, enfin, si, parce que je suis capitaine, une petite quête. Ouais, non, mais c'est, les quêtes, on est bon, et mais là, c'est juste... Ok, d'accord. Attends, c'est quoi, liste d'équipage? Ok. L'avantage, c'est que là, j'ai les périscopes juste à côté. Et ça, c'est cool. Ok. Ouais, tout le système de combat, il est centralisé, c'est pas mal. Ouais, et ça, c'est pas mal, comme ça, je pourrais m'en servir aussi quand on s'arrête. Oui, d'accord, les péris sont là, ok, d'accord. Et j'ai dit au bot de combattre les intrus si jamais il y en avait, hein. Comme ça, il fera pas trop chier. C'est Malcolm. Ouais, okay, agent de sécurité, alors... ok. En mission, de toute façon, on peut faire deux missions en une, vu qu'on va au même endroit. Mm-hmm. Transport de fourniture médicale et transport de personnel. On a de la place en cargaison, on était à 4-6, donc normalement ça devrait passer. Ouais. Et sinon, Est-ce qu'avant de partir, on peut commencer déjà à foutre un salaire? Non, mais les salaires, c'est bon, je les ai mis. J'ai mis 20% à tout le monde. Ok, d'accord. Malcolm... Là, il ah oui, je suis con, mais c'est toi qui gères parce que t'es host. C'est ça. Je me disais, merde, je suis capitaine. On commence avec 8 barres de combustible. Putain. Il est où le générateur là? Ah oui, il est là. Il est juste là, non? Et du coup, ouais, Malcolm, là, actuellement, il est en tâche inactive, mais dès qu'il y aura des enculés, il va se foutre à la baston, voilà, combattre les intrus, ouais, ok. Combattre les intrus, c'est sa tâche, il se réveillera dès qu'il y aura un truc, ouais. Ok. Transport de fourniture médicale et transport de personnel. Est-ce que t'as vu où étaient tes fournitures? Non. Alors, c'est juste à droite quand tu descends, c'est la première pièce à droite, il me semble. Je te laisserai regarder, c'est juste à droite, il me semble, la pièce médicale, fais voir. Enfin, je mets plein de trucs ici. Attends, embarcation. Ouais, centre médical, c'est à droite quand t'arrives, ouais. Putain, c'est sur le supérieur, mais à droite. Tu es au centre médical, ouais, mais par contre, ils sont où, tu disais, les fournitures? Bah, il y en a dedans, dans le centre médical, faut chercher une étagère. Non, il y a un truc clairement que je comprends pas avec la production de turbines, c'est que là, je suis... Là, c'est encore à cause de la température, j'ai l'impression, mais je sais pas comment on contrebalance ça, ouais, en fait. Ça se lance, là. Ouais, c'était pour ça. Bah, attends, il y avait un... Ouais, là, regarde, ici, Spider. Le gros truc au milieu de moi, là. C'est, ouais. C'est bon ? Ok, nickel. Bah, du coup, le truc tout ce qui est électrique, Russian, je le laisse. Bah, ouais. Putain, pourquoi le taux de fission, il blinde d'un coup, là ? Attends, j'ai pas bougé, hein. Je ne touche à rien, là. Tu vois, je comprends pas, il a des sursauts, le truc. Je sais pas pourquoi. Et je demande au bot de s'en occuper, au pire. Là, je suis parfaitement dans le vert à chaque fois et on est en sous-production. Alors, c'est à cause de la température, d'accord, mais... Je vais demander au bot de le faire, au pire. Non, mais non. Ah non, c'est un bot de rôle. Tu fais ça, Russian, il a plus le rôle après. Bah, bon, du coup, c'est bon, je nous détache. Ouais, vas-y, bah écoute, on va faire comme on veut, comme on peut avec la production, quoi, mais. Ça marche. Donc, on va stabiliser entre les deux barres rouges. Bah oui, mais on est stabilisé entre les deux barres rouges, mais tu vois la production, elle est en bas là. Alors que là, on est bien dans le vert dans chaque, et la production, elle est en bas. Et du coup, Skad, bah, il va pas pouvoir tant. Ah, mais ça ira, je vais doucement, t'inquiète. Bah, pour le coup, on risque pas la fission, quoi. Là, on est tranquille, hein, mais. Bah, il faut faire. Oui, il vaut mieux se méfier, hein. Essayez de conserver des valeurs équivalentes entre la charge et le rendement. Pour éviter de subir les pannes de courant ou les pics de tension. Rien compris. Ça là? Écoute, c'est pas mon rôle, tu te démerdes. T'as des boîtiers de surtension à côté du moteur normalement, à côté de ton. Ouais. Il y en a plein là. Et tu peux gérer l'input que tu fous dedans. Et je pense que plus t'en mets, plus la fission est facile à arriver. Un truc comme ça, tu vois.
Et là, on est en basse tension, par exemple. Ouais, je le sens, ouais. Mais je sais pas trop. Non, un réacteur en sous-production, ouais, c'est pas si grave, hein, mais c'est pas pratique pour SCAD, quoi. Ouais, mais je me démerde, moi, on bouge doucement, mais on bouge. C'est ce qui m'intéresse, c'est tout. Après, par contre, niveau électricité, on est que... Bah, faudra améliorer pour avoir plus de perméabilité à ce niveau-là. Faudrait mettre deux barres d'uranium appauvri, parce que bah, c'est vrai que là, les barres, on est en uranium enrichi, et si on en met deux, c'est un peu trop d'un coup. Tu veux, je demande au bot de faire fonctionner le réacteur, je sais pas comment il peut se démerder, hein, mais... Non, enfin... Non. Ah, c'est un bot de sécu en plus, non? Ouais, il va être con. Il faut que je descende à la station balise ou qu'on aille à l'INEA? Hein? Les quêtes que t'as pris, je sais pas ce que t'as pris, j'ai deux marqueurs en fait ici. Attends. Il y a une bah, station balise. Faut qu'on fasse les deux de toute façon, non? Je vais à la station balise. Bah attends, j'y vais. Ça dépend, ouais, ça dépend des quêtes, mais on a pris deux quêtes d'un coup, non? Bah ouais, c'est ça. Mais d'accord, bah je vais aller celle-là, c'est le plus près, ça marche, t'inquiète. Ah, parce que je sens que ouais, là, le taux de fission du coup il augmente un peu tout seul. Ouais, c'est moi, je tire à fond dessus. Ouais, ouais. Si je fous une autre barre de combustible, ça va cramer ou quoi? Ah ouais, alors dès que la tension elle est lente, dès qu'il y a moins de tension, mes mouvements sont complètement extérieur. Enfin, je sais pas comment le dire. Atténué quoi. Gros lag, tu vois. Genre, ouais, je veux ralentir, il fait ok, on va ralentir. Ouais, ouais. Par contre, là, faut que je fasse le tour d'un rocher, ça va être chiant. Donc là, il va falloir que je le règle manuellement, quoi. Ah, c'est dedans ce qu'il y a, ou c'est au-dessus? Je sais pas. Non, c'est dedans. Mais c'est dedans. Non, 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 ça foire avec deux barres, mec, ça foire avec deux barres. Faut que je le fasse à la main. Je sais pas ce que c'est la station balise et je sais pas quoi il nous sert en fait. Tu sais quoi, va à l'autre, au pire. Ouais, vas-y, on y va. On se casse. Attention, je tire un peu sur le courant là. Hop. Bah non, je suis en train de le régler manuellement, donc Alors c'est pas passionnant à regarder le chat, hein, j'avoue, hein, mais bon, si c'est le seul moyen qu'on a de se balader tranquille... Du coup j'ai foutu le taux de fission quasi au max, mais toujours dans le vert, et bah je règle la production de la turbine en fait. Attention, je vais tirer dessus. Si là tu fais contrôle automatique en haut à droite, Lucien. Si je fous contrôle automatique, on sera en sous-tension tout le temps, parce que du coup il contrôle juste pour être dans le milieu. C'est ça le problème qu'on a en fait. Je sais pas si tu sens, Scad, qu'on a un tout petit peu plus de jus. Ouais, ouais, je le sens, ça accélère un peu plus fort. Ouais. Et impossible de trouver les outils pour effectuer les réparations. Mais Malcolm, tu dois juste buter les trucs, ferme ta gueule. Quelle réparation? Il y a un truc à réparer, il y a un truc complété. Oh putain, on va tomber sur des bestioles devant là. Quelqu'un peut venir au... Ouais. Au péri, ouais. Ah, j'essaie de freiner, mais je peux pas, on se les tape sur la gueule. Je suis à côté, Sky. Ok, je vais essayer de tracer à travers. Ok, bah je reste du coup au jus. Je suis en dessous. Il y en a un en dessous et l'autre à l'arrière. Ouais, je le vois à l'arrière là. Juste toi. Je trace, il y en a juste au-dessus là. Deux. Et Sky, tu me dis quand tu t'arrêtes, du coup je me foutrai en contrôle automatique. Ça marche. Je vois rien derrière en tout cas au moment là. Ouais, bah au-dessus je vois pas grand chose. En dessous non plus là. Je veux juste le... La gestion des bots, c'est un coup à gérer, mais une fois qu'on l'a, ça va. Oui, parce qu'il faut leur donner des ordres relativement tout le temps. J'entends des fuites, les gars. Au-dessus, c'est sur le dessus, là. On a une brèche sur le haut du pont au niveau du sas, en haut à droite. En haut à droite Ah putain, ouais, j'ai. Ah l'enculé, monte. Ça me fait couler cette merde. Ah, je fais de mon mieux. Je sens que ça pompe, hein. On est en train de descendre, on va taper, j'essaie de reculer mais je peux pas, il me faut un max d'énergie, je peux plus contrôler. On a plus d'énergie, on va taper à l'avant droite, on va taper. Attention, 3, 2, 1, ça tape. Ah. Oh la vache. J'ai réparé la brèche en haut en tout cas. Scad, pose-nous. Je peux pas, j'ai plus aucun contrôle. J'ai plus d'énergie. Bon, je nous fous en contrôle automatique. Oh là là, c'est la galère. On retape, on va frotter, je ne peux pas faire autre chose que descendre parce qu'on a trop de ballast. Ok, je vais dans les ballast. Putain, on est en train de manger tout le sol en descendant là sur l'avant droit. Mais attends, tu les vois où? Okay. Oh la vache, ça va tabasser, attention sur l'arrière gauche. Ça touche dans 3, 2, 1, le ballast, ballast ici, il est bon. Où est-ce que vous voyez les trucs pour réparer là? Voilà, putain de sa mère. Ok, on est à l'arrêt à 2 km 2.
Ok, un pack. Je vais... Ok. Oh la vache, oui. En effet. Attends, je ferme pour l'instant, Mou. Hein. Mais ouais, va falloir les réparer. Hein. Ouais, mais prenez votre masque, mets ton masque, Mou, et au pire, vas-y. Hein. Ouais, vas-y. J'arrive au moment. Putain, j'arrive pas à passer. Allez. Ok, c'est bon. Je ferme derrière vous. Hein. Le moteur ouais. A pris cher aussi, il va falloir que j'aille le réparer. Ou oh, Momo, tu veux t'en occuper? Je crois que t'es meilleur que moi pour la réparation de moteur. Ah non, remarque électrique, c'est moi. Je sais pas. Mais je sais pas si c'est électrique ou pas le moteur en fait. Merde. J'ai peut-être fait une connerie. Ah bon? Ouais. Je suis sorti. J'avais pas vu qu'on sortait direct de là et la pression m'a buté. Ah merde. Ah ok. Bon écoute, demande le repop et puis on va continuer à réparer de toute façon. Apparemment on a une inondation. Où ça? Niveau de l'eau dans le ballast droit et... Attends, C'est peut-être... Ça commence bien. Franchement, là, ouais. On est tombé, j'avoue qu'on est tombé sur une carte de merde, par contre, parce que là, la navigation, elle était ignoble. Ça repétait là-bas. Ici, là, ça. Là. Russian, c'est toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, là où je suis. Au niveau des... Mais je sais même pas où t'es. Là. Oui, là-bas, là. Oh là là. Oh. T'as le perso, il fait n'importe quoi. Allez. Pourquoi il répète comme ça? Eh, ça se casse au fur et à mesure. Ça faisait pareil tout à l'heure sur l'autre. Oh là, ça se brise au-dessus. Ouais, ça se pète au fur et à mesure. On est en train de se faire bouffer ou quoi? Je vais check. On est en train de se faire bouffer, là. C'est oui. Ouais, y'a un truc. C'est bon, il s'est barré. Casse-toi, là. Par contre, si quelqu'un veut, il peut prendre une tenue et me drague, mais là, vous avez d'autres choses à faire. Hein. Bah, après... Je te fais bouger vers le haut, hein, les mecs. Hein. Ouais, je vois ça. Tu fous le pilote automatique pour nous stabiliser en haut, hein. C'est gentil, mais il y a mon cadavre qui est en train de... Ah, mais mec... Ah ouais, ça abandonne le capitaine, d'accord, j'ai compris, ouais. Vous mec allez voir les salaires. C'est pour toi qui fixe le salaire. C'est vrai. Il est recommandé de le détruire ou de passer en direction manuelle. Je vais prendre une tenue et je vais faire un tour dehors pour voir s'il y a des trucs à fixer. Attends. Je suis en train de partir, je suis en train de glisser à gauche. Je maintiens la position. Je m'envole. Non. Il me reste du soudage. Ok. Merde. Sors à gauche. Par à gauche là? Ah ok. Coucou. Vas-y. Attends. Y'a mon flingue qui est posé à gauche par contre. Allez. Hop là. Y'a mon flingue dehors là, tu le vois? Au moins, c'est toi qui tente des trucs? Un peu plus loin. Ouais, j'ai. Y'a une brèche de la coque sur la ballast A, sur la gauche. Non, ça c'est pour souder le truc, ok. Prends un truc pour... Oh là là. Ah, tu fermes le sas. Je vais fermer le sas. Ah bon? Ouais. Ah, coucou. Pas là. Merde, le bot est venu, il m'a regardé, il est reparti. Du coup, Spider, je suis à moitié mort dans le sas en haut, mais je suis pas encore... Mais attends, c'est qu'il y a les... En on bas, tombe, là. Mais oui, mais parce qu'on a une putain de fuite au niveau de la ballast. Bah oui, c'est pour ça qu'il fallait pas rebouger. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des bestioles qui sont en train de bouffer le cul. Ok. Les gars. Bah, du coup. Je suis dehors, moi. Bah, oui. Non, c'est bon, il a percuté un truc, je crois qu'on est bon. Il y a le bot qui est en train de marcher tranquillement. J'essaie de réparer la coque de dehors, hein. Oh putain, c'est le truc du réacteur qui est en train de. Il est en train de réparer un truc, lui. Mais attends, je vais me faire écraser. Ok. Putain de sa mère. J'ai pas pris de bonbonne en rab. Il me restera 22% sur une bonbonne déjà utilisée. J'ai une sur moi, mais je suis dans le sas. Non, c'est bon. Je crois qu'on est bon. Mais on remonte là, on est en train de remonter là. Ouais. Mais j'ai mis maintenir la position, je sais pas ce qu'il fait là. Ok, donc ici c'est bon. C'est toi le petit pont, Richard, qui est très loin là. Bah non, je suis sous la coque là. Du coup, bah c'est pas moi. Je vais faire paniquer personne, mais c'est pas moi. Je suis dans le sas évanoui.
Scad, eh, c'est super. T'es vano, il est mort. Cache-toi de là, toi. Mais non, il est mort, on le voit mais plus. Je crois pas que je sois mort. Salut. Attends, mais t'es où, Scad? Il est mort, lui. Là, juste là, dans ça, ça va. Vas-y, à gauche, là. Je suis de tarasse. Mais si t'es mort. Attention, fais gaffe, Frissel, il va ouvrir. Fais gaffe, Frissel. Je joue pas. Attends, ouvre pas. Voilà. Mais t'es mort, Scad, non, t'es clairement mort. Mais je peux pas apparaître littéralement, en fait. Mais faut attendre, oh putain. Non, mais j'ai aucun décompte, ni rien. Même en haut à gauche. Ça m'a fait pareil. Bah, j'ai rien. Ça m'avait fait pareil tout à l'heure. Ouais, décédé, c'est marqué, hein. Ah oui, hein, non, mais D, c'est aidé, hein. Bon, bah, donc, ouais, à ce moment, je rapparais, okay, tu peux les ballasts, ok, ils sont bons. Tout le reste, c'est bon, ok. Ok, tu penses qu'on peut repartir, du coup? J'arrive, t'es rentré? Secondes. Ouais, je suis rentré, je suis en train de tirer le cadavre de notre capitaine. Tout est bon aussi? Ok. Bon, je suis revenu. Okay. Il est où, mon cadavre? Il est dans le sas, hein, il a pas bougé. Elle est toujours là, hein. J'arrive. Y'a ta pipe. J'en ai déjà une. T'es devant moi là. Ton cadavre, il est là. Ah yes. Voilà. Ok, moi faut que j'aille remplir. Faut que j'aille remplir les bonbonnes parce que j'ai tout sucé là. Ok. J'arrive pas à looter mon cadavre. C'est la grosse caisse. Putain, c'est encore une putain de ballast. À chaque fois, je me gourre. La grosse caisse? Y'a pas de caisse. Y'a une caisse, normalement, à côté de toi, y'a un sac, un truc du genre. Normalement, y'a un sac sur ton cadavre. Mais sinon, si tu tiens ton cadavre, tu peux voir une autre barre, en fait, une deuxième barre. Oui, exact. Tu vois? Alors attends, je vais remplir les bouteilles d'oxygène parce que j'aime pas en avoir des vides. C'est laquelle ma barre à moi, du coup? C'est celle-là, d'accord. Ouais, bisous mes galos. Là c'était un peu la panique, j'ai pas trop lu le chat, hein, je vais vous admettre. Il y a une fuite dans le sas en haut ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Sur l'écran en tout cas de statue. C'est peut-être l'eau qui a pas été non, drainée de tout à l'heure. Non, ça a l'air d'être bon, je pense que tu veux faire le capitaine du coup, Spider? Non mais surtout que... Attends, c'est... Ouais, vas-y, remplis-moi ça. Voilà. Okay, check. Bon, on est bien. Une boot en rab. Je laisse faire, hein, vas-y. Ici ça énergie passe. Énergie insuffisante les mecs. Oh merde. Ah ouais, parce qu'il est éteint. Non, il est... Non, il est allumé. Ah putain, il y avait plus de fission, pardon. Il y avait une barre, la barre était finie. C'est bon, ça va revenir. Ok, c'est bon. Ça repart. C'est bon, là, faut le temps qu'il chauffe un petit peu et puis on sera bon. Ouais, enfin... C'est un moteur nucléaire diesel, hein, faut pas... Ouais. Oh là là, on va se taper un truc derrière, là. Oh là là... Bon, ça va frotter. Bah oui. Non, c'est bon. Non, ouais. Tu vas réussir à stopper, descends plus... Ouais, c'est bon, t'es bien, là. Ouais. C'est bon, t'as 0-0-2, tu pars là-bas. C'est quoi ce qu'il y a? Vas-y, reprends le volant. Je reprends le contrôle. Allez, ça marche. De toute façon, là, on va directement arriver au... C'est bon, on est bientôt arrivé, là. Ouais, t'inquiète. Oh putain, c'est comme qu'on arrive. Oh putain. Mon de Dieu. Est-ce que tu disais qu'il y avait des bouteilles à oxygène où, Océane? Je sais plus, un peu partout. Non, mais pour les recharger. C'est tout à droite. Tout à droite. Par contre, la station, elle est là, mais... Je vois pas de dock. What? T'as fait la mission... Qu'on y aille, yep. Si je me joue, je regarde, mais y a pas de dock. Ça va frotter là, non? Non, c'est bon. Ok. Par contre, je suis allé tout à droite, mais si, derrière. Mais. C'est en bas? Bah, à droite, mais t'es là, t'es dessus là. Oui, mais enfin, c'est... Oui, enfin, à droite, entre premier et deuxième étage. Y a pas de dock, je comprends pas. Ah ouais? Faut qu'on y aille à pied! Bah s'il y a pas de dock de toute façon, même si tu vas... Attends, je vais nous rapprocher à fond. Attends, au pire, tu sais quoi, je vais prendre une tenue, tu sais quoi. Parce que ça... Ah ouais, bah ouais, essaye de nous rapprocher attends, un maximum. Attends, je vais nous rapprocher, je vais nous stabiliser, d'accord. Laisse-moi le temps. Ah ouais, parce que c'est censé... Mais c'est pas une station, si? Bah je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi la mission. Tu me dis quand c'est bon, hein. C'est quand ouais, je te dirai, t'inquiète. Si je regarde par le...
Est-ce que j'allais voir si c'est une station ou pas? Non, le périscope, je vois rien au-dessus. Hein. Ok, attends. Alors, je sors. Hein. C'est pas l'activation de la balise? Faut pas réactiver la balise là Je sais pas, j'en ai aucune idée. Non, il y a juste du caillou au-dessus, hein, mec. Bah, mais la Udaeus Lydea, c'est ici. Tu peux remonter, Scan? On est en train de couler. Ouais. Je monte. Je sais pas pourquoi les ballasts te cassent les couilles, mais. Non, puis Udaeus Lydea, c'est censé être une station, hein. Bah, mais il y a 34 mètres, mais il y a rien. Bah, ouais. Bah, est-ce que du coup, on a un problème avec Udaeus Lydea? Il s'est passé un truc là-bas? Pourquoi vous tombez là? C'est moi, t'inquiète. Ouais, dans Spider, il est déjà dehors. Mais du coup, on fait quoi? Bah, faudrait que Spider voit s'il y a un truc à faire, quoi, mais. Je suis sorti, mais j'ai rien vu, moi. Attends, je vais prendre une lampe torche, c'est quoi? Un scooter sous-marin et une lampe torche. Rapproche-toi au maximum, ouais, Scad, et puis. Ouais, le moteur, il est relou, là. Les vieux moteurs, ils sont à chier, hein. Un peu, hein. On va taper. Le truc automatique, il m'a foutu à 8, là. Et quand je regarde avec le périscope, je vois que dalle, en fait, au-dessus. Parce qu'on voit, on voit qu'il y a une espèce de sous-caverne, en fait. Attends, je vais prendre aussi une tenue, je vais aller voir. Ouais. Ah. La zone est un peu inondée. Elles sont où, les tenues? Elles sont... Mm-hmm. Ah, c'est pas là, je me suis foiré. Mais... Je suis en train de regarder, mais il y a que dalle, hein. Attends, je suis curieux. Ok, voyons voir. Tac, j'ai foutu un peu de flotte, hein, mais c'est rien, on a les serpillères, ça le fera. Pourquoi tu montes, toi? T'es con. Ok. Vous voyez des trucs? Bah écoute, pour l'instant, on n'est pas étouffé par la découverte. Je vois rien avec ma putain de lampe torche de chiasse là. C'est quoi ça? Ça fait très peur. Mais c'est quoi? On s'est gouré de. Bah, de layers! C'est pas ce qu'il faut faire. Bah alors. Ska, tu me vois sur ton radar ou quoi? Ouais, vite fait, ouais. Et du coup, ok, je rentre dans le champ du périscope. C'est qu'on sait même pas ce qu'il faut qu'on foute en fait, ça aurait été... Si on avait eu une idée... Bah faut qu'on vive. Attends, je fais ici une mission et quitter le passage. Apparemment on est arrivé au point. Hein. Il faut descendre à la station balise. C'est... Non, inactive. Non, elle est inactive. Hein. Bah il faut l'activer justement. Je crois qu'on a une quête où il faut activer une balise. Mais Udaeus Lydea, c'est censé être une station, hein. Bah merde. Je pense que c'est juste qu'elle existe. Attends, quoi que là, genre. Comment c'est l'appel? Non, c'est l'appel. C'est non, mais ça, c'est pour nous, ça. Oui, non, mais. Putain, qu'est-ce que vous nageait bien, chef? Parce qu'il y a deux missions, mais là, du coup, Deus, il n'y en a pas. Ah! Bah. Moi, je suis fini. D'accord. La balise reste inactive, ouais, bon, on n'aura pas. J'ai cliqué sur la carte en haut? C'est pas moi qui ai fait ça? Non, c'est moi, j'ai cliqué, mais apparemment, bah, du coup, ça a été fait. Et normalement, vous avez eu de la thune, là. Apparemment. Ouais. Bah, ouais. Bon, bah, okay, c'était un peu étrange. Mais du coup, on n'est pas à une station, là? Non. Avant-poste habite. Avant. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Activation de la balise. Mission activation. Donc, maintenant, il faut qu'on aille à la balise du coup là. Attends, faut qu'on remplisse les tenues. Il y a des tenues qui sont vides. Je vais m'occuper d'en remplir deux là. Tiens, regarde celle-là. Hop là, impeccable. Hop. Tac. Merde, je me suis fermé le truc sur ma gueule encore. Ça, d'accord. Celle-là, elle est pleine. Voilà, celle-là. Toutes les tenues sont pleines là? Ouais, toutes les tenues sont pleines, ok. L'oxygène, alors on a dit que c'était tout à droite, ça sert
Non, du coup, c'est en dessous. T'es paumé dans les abysses, pas mal. Bah, j'ai ouais. Là, j'avoue, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait qu'on foute, hein. Bah, non, ouais, bon, bien. T'es toujours en production de turbines n'importe comment là. On bouge là, Scan ? Ouais, ouais, on bouge, ouais. Ok. Du coup, il va falloir rallumer l'autre. Tu sais, ils me disent température basse et production élevée. Putain, mais. L'équilibrage, il est à chier en fait. Ah hein. Oui, mais parce que là, on plonge, on est à 2 km 100 donc. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait faire le tuto. Mais on l'a fait. Moi, le tuto, mec. Ah, tu le tuais, ça vous est pas expliqué comment non, ça marche ? Non, non, du tout. Le tuto, il est vraiment super rapide, hein. Je vais allumer le réacteur. Bah oui, il est allumé hein, le réacteur, je sais pas pourquoi il dit ça, mon con, mais... Oui, oui, bah heureusement, parce que sinon je serais un petit peu en galère. Changer le moteur nucléaire, ouais, mais ça coûte les pépettes un peu. Faut qu'on aille voir ah, si là, on peut pas choper un moteur plus récent. Hein. Après, on pourrait faire des trucs, on pourrait farmer aussi au niveau des... la station balise, du coup, qui est en dessous. Ouais, ouais, avec okay. La voie. Impeccable. T'as dit qu'il y avait des flingues ou quoi? À droite, dans l'armurerie, tout à droite, littéralement tout à droite. Moi ouais, j'ai toujours ton gun, moi, Scan. Hein. Ouais, mais j'en ai aussi, t'inquiète pas. D'accord, bon bah je garde le tien. Hein. On a un peu farmé le gun. Quand tu dis de l'armurerie, étagère munitions, y'a rien, mec. Hein. Y'a pas d'armes, et y'a un placard en acier sécurisé, mais moi je peux pas l'ouvrir. Hein. Ah. Ouais, on est d'accord, y'a pas d'armes. Hein. Bah c'est chargeur, moi je cherche une bonbonne Attends, par contre Lucien, comment ça se fait que t'as des lacérations? Je sais pas, je me suis niqué un bras tout à l'heure. Je te soigne ou on s'en branle? Si tu veux, ouais. Ça fait pas grand chose, hein, oh, mais ouais, tu peux. C'est un PV au pire, hein, ça va pas s'infecter. Ouais, ça. Voilà, ouais. Je nous ai stabilisé à proximité de la balise. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer pour faire un flingue ailleurs? Attends, j'arrive. Du coup, faut qu'on aille faire quoi? Faut qu'on aille réactiver une balise. Apparemment, ouais. Bah écoute, je vais aller... Momo, on y va ensemble? Ouais. Ok. Et du coup, y a plus rien dedans. Ah non, mais c'est là. Oui, mais le placard en acier. On peut pas l'ouvrir. On n'a pas les recommandations. Ah bon? Attends, Momo. Ah, tu peux aller. Attends. Bah attends, regarde, je vais faire. Tac. Du coup, c'est en dessous, normalement, c'est ça? Tac. Vas-y, ferme. Je les mets dans le placard d'à côté. Ah, tu fermes pas? Bon, c'est pas grave. Bah, comme ça, on rentrera rapidement. Vous voyez avec ma lumière ou quoi là? Elle est en dessous de la balise? Ouais, genre en dessous, ouais, juste en dessous, directement en dessous de nous. Du coup, j'ai déplacé tout ce qu'il y avait dans le placard à droite. Elle est là, je sais pas si vous la voyez. Ouais, on voit ton truc. Ouais, d'accord, ok. Je vois que dalle, ok, ouais. Comment ça s'active, c'est bien. Il y a un bouton là. Bah, écoute. C'est quand même pas ça. Non, mais c'est pour rentrer dans la balise, ouais. Pour rentrer, ouais. Y'a une pompe? Pompe. Ah, peut-être falloir raccorder des trucs, les mecs. Là, y'a un casier de combinaison de plongée. Et un bouton, je sais pas ce qu'il manque. Ah, moniteur de sonar. Merde. Ah! Tout en sonar actif, pourquoi pas. Lampe. Ah, ouais, c'est cramé ici. Du coup, les poteaux dans l'armurerie, tout ce qui était dans le casier sécurisé, je l'ai déplacé dans le casier de droite qui est ouvert à tout le monde. Donc, y'a deux harpons, y'a deux flingues, y'a un couteau. Une matraque. C'est quoi? Je vais juste prendre la matraque. Générateur d'oxygène ici. Casier de combinaison de plongée encore. Mais attends. Y'a un lit de camp. Je sais pas exactement ce qu'il faut qu'on. Je vais commencer par réparer les brèches dans les murs. Avec un peu de chance, ça va. Y'a un réacteur nucléaire ici aussi. Barre de combustible. Bonbonne de gaz. Composant ACOS. Ok, on a. Bon, tout ce qu'il y a au pire, parce que ça nous permet aussi de looter des trucs et pouvoir les revendre ou quoi. Écoute, je leur foute leur truc en contrôle automatique. Merde. Ça marche pas? T'es censé y avoir des pompes ici? Ah si, voilà. J'ai activé le réacteur, Momo. Ouais. Okay, la station balise est de nouveau opérationnelle. Ok. Bah, je pense qu'on peut se barrer, Momo. Ouais. Ah, c'est l'air de bon, hein. Bah, la pompe elle marche ou pas? La pompe en bas elle est. Non, elle est bonne. Hein. Elles sont désactivées, oublie pas de les activer, hein. Scan, c'est désactivé, ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a une brèche, comment ça se fait? On est tombé sur le. Je suis mort. Il y a une bestiole. On s'est fait attaquer quand vous avez ramené le truc, ça a ramené des mobs. Raptor debout, ouais.
Ah bah attends. Ah bah je suis niqué, je peux rien faire. C'est, okay, peut-être, ouais, c'est peut-être un peu de ma faute. Oh. Ah putain. Parce que j'ai foutu okay, le sonar actif. Et le sonar actif fait du bruit en fait. 1, 2, il y a 4 bestioles. Ils ont tué le bot et moi. Ils vont me tuer moi aussi. Ça compte rien, Momo, là. Non, mais là c'est flingué. Hein. Ils sont en train de tout péter, ouais, c'est mort. Merde. Il y a 5 bestioles dans le. J'ai tiré autant que je pouvais, mais. En fait, j'étais sur la map, j'ai vu l'eau faire. Ah, parce qu'on est là en fait, ah oui, il est là notre. Ouais. Ouais. En effet, ouais. Tiens, je vais essayer de retourner à l'intérieur. Hein. Bah ouais, mais écoute, j'ai un gun. T'es sûr? J'ai pas de gun, moi, mais. Bah t'es sûr? Il y en a deux dans le sas, deux dans la salle des commandes, un qui est descendu en bas et un au niveau du ballast. Ok. Sauf donc qu'il faut au moins 8 balles pour en buter un. Ouais, voilà, donc il y en a des millions en fait. Ah, j'en ai compté 5. Oh, c'est la merde, hein. C'est la merde, hein. Ah, oh la vache. Oh bah ouais, bah je suis mort. Ouais, alors... Nobo, il est en train de se faire, mais il est dévoré. Putain, à court de munitions. Ouais. L'aide. Je te chalume, je te chalume, je te chalume. Je peux lui mettre des coups de clé à molette à l'enculé? Oui. Ouais, bon. Oh, je suis en train de saigner ma race dans ma combinaison, mon gars, je me noie dans mon sang. Ouais, non, je suis KO. Et je pense que c'est de ma faute, hein. Ah, mais non, après, mais la balise, c'est une quête 3 étoiles aussi, mec. Je pense pas que c'est faute de... Et t'as pas envie qu'on teste, comment dire, le barzo qui met en attaque? Bah, si tu veux, oui. Oui, bien sûr. Pire, hein. Ouais, il aura fallu un mec au périscope. Mais en fait, en activant le sonar actif, ça attire des bestioles, en fait, parce que ça fait du son. Et elles y sont très sensibles. Et du coup, je pense que ça a dû les activer. Et c'est pareil pour le sous-marin, d'ailleurs. Hein. Si on passe en sonar actif, ça fait du bruit. Alors, et ça peut attirer des bestioles. Le problème, en fait, c'est que dès que je ping des bestioles, il faudra que je passe en sonar directionnel. Mais c'est une horreur. Bah oui, c'est ça, c'est super dur, mais c'est stealth, quoi, donc faut qu'on choisisse, mais bon. Je vais essayer, t'inquiète. Bon, de toute façon, on refait une petite partie avec le barsouk, là, et puis ensuite on va couper, je pense que je suis claqué, moi. J'ai trop chaud, ouais. Même si ça va, là, encore, ça baisse un peu, mais putain... Mais niveau armement, il est bidon un peu, non? En avant... Trouves-tu? Mais il y en a un en avant et un en haut, en fait, c'est ça? Bah ouais, c'est ça, ouais. Quand tu zoomes sur le truc, ouais, c'est ça, mais après, du coup, c'est des grosses tourelles, hein, par contre, hein, c'est plus les petits harpons qu'on avait. Hein. T'as vu, par contre, un truc que j'aime bien, par contre, c'est qu'il y a un gros fat ballast. Ouais, il y a ballast devant, et du coup, le point inférieur pour, je sais pas quoi, le type de soin qui est devant. Le sas, ok, donc on part par la droite, là, ici, ok. Par la droite ou par le haut, ok. Et ouais, il y a un Fatal Ballast là, et ok. Bon, on va essayer. J'espère qu'on va commencer encore avec de la thune, faudrait qu'on améliore directement encore le moteur. Ouais. Et bah écoute, on est parti. T'as mis deux bots? Ouais. Tu sais quoi, même s'il y en a un genre qui peut glander à nettoyer, à comment dire... Genre un à clean, autre en ingénieur, comment ça se fait qu'il y a déjà de la flotte? On est pas dans le sous-marin normalement. À la fin du 20e siècle. Toum toum. Ah, c'est bon là, on sait qu'on est dans l'océan. Putain, on est en 2022 en plus dans le jeu. C'est là, c'est un. Ouais, on est dans le futur un petit peu. Ok. Alors, on commence du coup avec un autre médecin et un ingénieur. Ok, alors je vais prendre directement un masque de plongée. On a qu'une diving suit par contre. Non. Non. On en a trois. A trois, ok. Mais t'es pas dans le sous-marin, hein? Si. Non, pas encore, mais de ce que j'avais vu sur le Prium, c'est lui qui en avait qu'une. Oh si, ouais, il y a trois trucs, quoi. Ok, bon, on va payer. Ingénieur, c'est quoi? C'est mécanique ou C'est l'électricité. Genre de grenade sous-marine. Ici, il y a le moteur. Ok, le moteur, il est juste là. Là-dedans, il y a quoi? Je vais prendre un chalumzing et une bonbonne de gaz en rab.
ça c'est quoi ça? À chaque fois j'ai peur d'ouvrir un putain de sas, non, ok, c'est bon. Une barre de combustoche, un pied de biche. Mais on en a trois, exact. Ça, ok, c'est une merde. Qu'est-ce qu'on a ici? Hein, hein. T'as commencé les conneries, ou? D'accord. Mais d'accord. Ouais, ça c'était le sas, tu vois. Eh, tu sais quoi, du coup, je voulais que j'aie mis reprendre premier le moteur. Merci Lyoda qui nous donne 10 balles, dis donc. Qui dit, ça change du Léviathan de Subnautica. Bah, c'est-à-dire que là, ils ont pas besoin forcément de nous en mettre trop plein la gueule pour qu'on se fasse enculer la race, en fait. Mais j'avoue que je préfère ce jeu à Subnautica. Hein. Ouais, bah ouais, moi aussi. Mais merci beaucoup, en tout cas, mec. Merci du fond du cœur, Lyoda. Merci. Par contre, du coup, on a un... Ouais, on a un gun avec des munitions. On a un gun spear et un gun laser, en fait. Mmh. Donc vous ferez gaffe, il se recharge de façon différente. Hein. Enfin, avec des munitions différentes. Ici, c'est le balai couille. J'ai amélioré les moteurs et je crois la console. La production et les comment dire, la consommation que nous on fait en bougeant. Ok, ça marche. Merde. On n'a pas de bonbonne d'oxygène en rab, par contre. Non, pas la SCAD. Ouais, j'ai vu. T'as on a bonbonne d'oxygène en rab. Ici, balle de revolver. T'es dans Metal Slug. Rocket Launcher. Je vois pas d'autres bonbonnes, en fait. Vous en avez vu, vous? C'est quoi ici? Ah, mais c'est juste un compartiment de merde ici, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est bien, ça fera tampon, en fait. Bah, limite, ouais. C'est peut-être pour ça que c'est un truc d'attaque aussi, hein. Ouais. Et les balas, ils sont là? Ouais, ils sont là, ok. Ils sont vraiment en plein milieu, ouais. Je peux pinguer ça au sas, par exemple, pour dire que, voilà, c'est la merde. Tu veux pinguer au sas? Essaye de pinguer au sas? Bah c'est fait, regarde le sas en haut à droite. Ça fait pas de ping moi. Hein. Ah d'accord. Écoute. Bah super. Et dans le placard à provision, ouais, en fait on a des bonbonnes dans les éléments, mais on a pas de bonbonnes tout seul quoi. Il doit être chaud en solo si tu dois gérer tout ça. Si t'es en solo, de toute façon tu prends plein de bots. Mais ce sera forcément plus chaud. Mais ouais, avec des bots c'est chiant un peu hein. Ouais. Mais ils sont quand même en train de préparer un mode campagne solo. Hein. Ah ouais. Ouais. Alors par contre, ce qui est pas très clair, c'est au niveau des quêtes. Je comprends pas trop comment on les voit, comment on les fait. C'est fou en fait. Alors pour les voir une fois qu'on les a. Je sais pas si on peut les voir une fois qu'on les a pris, tu vois. Si, dans Tab, t'as un onglet mission. Hein. T'as un onglet mission, mais déjà, elles y apparaissent pas. C'est quand une fois que tu les as pris, par contre. Et c'est quand tu fais carte alors, du coup. Et du coup, tu m'as dit... Ah putain, par contre, les gens... Attends, tu m'as dit qu'est-ce qu'il fallait des... Bonbonne d'air. Bouteille d'oxygène, ok. Ouais. Donc là, c'est transport de matériel minier. J'en prends 5. L'équipe du secteur sécurité avant Randcloft a besoin d'être ravitaillée. Et du coup, ouais, d'accord. Et nous, on parle de New Siberia, ok. Il faut qu'on aille à Randcloft qui est au sud. Ok, en fait, faut pas regarder l'onglet mission, faut regarder l'onglet carte en fait. Ouais, je vois. Ouais. Il est beaucoup plus bizarrement. Moi, l'onglet carte, j'y piche que dalle. Bah, en fait, c'est un réseau de cavernes, etc. Oh, tu vois qu'on est tout à gauche à New Siberia. Avec le petit symbole de sous-marin. Oui, ouais. Tu vois qu'en bas, Randcloft, il est surligné de bleu et il y a un petit point qui fait mission, tu vois. Ouais. Et bah voilà, la mission de transport de matériel minier se trouve là. Et il y a une autre mission. D'élimination de Squall Marteau, tu la vois, Powys, à droite? À droite de New Siberia. Ouais. Voilà. Ouais. Ben voilà, nos missions apparaissent comme ça. Par contre, on peut pas voir l'autre mission à droite. Enfin, moi, j'ai un encart, enfin un pop-up à droite qui met avant-poste, temps de coup, machin, transport matériel minier. Ouais. Mais je vois pas la mission d'élimination de Squall Marteau, tu vois. Parce qu'en fait, elles sont sur différentes zones. Genre, par exemple... On est à l'avant-poste, c'est à l'avant-poste Randcloof là, c'est ça? Non, ouais. On est à New Siberia. Powys, c'est les requins marteaux, les squales marteaux. Randcloof, c'est le transport minier. Ça, on fait ça, ouais. Le problème, c'est que transport minier, on se fait 400 balles. Si on affronte les. Ah, c'est toi qui cliques! Ok. Ouais. Mais du coup, Randcloof. Randcloof? Bah, on fait le transport minier, oui. Ça nous fait que 400 balles. Hein. Mais on va commencer doucement. Ouais, mais regarde, si on fait Randcloof, après on peut repartir sur. Oui, Powys.
Bah tu vois, en fait on arrive à Rancluft, on rend la quête et on... J'entends beaucoup d'eau quand même là. Oui, moi aussi depuis tout à l'heure. Mais on est d'accord. Non, mais c'est marrant, c'est vrai. On va à Rancluft et tu prends pas d'autres missions et on va éliminer les squales. À moins que, comment dire, sur le coup, on peut choper genre des matériels médicaux ou des gens. Quoi. Ouais, mais tu prends pas d'autres missions. Non, mais c'est passif, justement. Bah non, mais c'est pas la peine si on veut juste montrer la mission de baston. Alors, est-ce que ça a marché un petit peu mieux? Enfin, non, on est toujours en... Avec la production de la turbine, j'ai un demi-millimètre pour essayer de taper dedans. Et pareil, le contrôle automatique, il est à chier de la bite, hein. Et pourtant, je te rassure, même aux commandes, le contrôle automatique, c'est de la merde. Le réacteur sera refroidi à merci. Non. Plus le rendement de la turbine est élevé, ok, plus le réacteur essaie de produire de l'électricité. Si le rendement est trop élevé en rapport avec le taux de fission, le réacteur sera refroidi. Et inversement. Si le rendement est trop élevé en rapport avec le taux de fission, le réacteur sera refroidi. Et inversement, il surchauffera si l'indice est trop bas. Donc là, par exemple... T'es en train de demander plein de gaz là? Ouais. Et bah il peut pas en donner beaucoup plus. Et si je fous une deuxième barre de combustible? Il va exploser. Il va exploser quasiment instantanément. Ok. Et bah écoute, c'est pas encore tout à fait obligé le délire. Hein. Attends, si je fous une autre barre mais que je garde la fission basse, ça doit refroidir normalement le... Ouais. J'ai l'impression que ça tient un peu mieux. Oh là là. tu sens qu'il répond bien là, Scad, ou quoi là. Si tu fous, franchement, ça va, j'avance tranquillement. Si je fous le contrôle automatique, il va surchauffer. Non, pardon. Je fais des bruits encore. Je couine un petit peu, c'est ma faute. Si je fous le contrôle automatique, il va essayer de surcompenser ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, il bouge pas, mais Scad, t'es en train de... faire des trucs là ou... Je bourrine à droite là. Ouais. Là il bourrine à droite, ouais. Je vois qu'en production de la turbine il nous demande beaucoup. Ouais, mais du coup tu. Ouais, voilà, tu. Ça, c'est... Voilà. Dès que ça varie un petit peu, il pète un pont quoi. Bah après c'est un peu normal parce qu'il montre que la production a besoin de beaucoup moins du coup. Donc la flèche va lentement retourner en bas. Le problème c'est que si tu restes à bas régime trop longtemps, la fission sera trop haute vu que j'ai foutu deux barres de combustible. Donc du coup la production sera trop basse pour ce qu'on produit en fission. Et là ça va surchauffer. Oui, un peu de flotte. Là, normalement, j'ai l'impression que ça va tenir là. Hein. Là, j'ai plus besoin de beaucoup d'énergie maintenant. Production critique. C'est-à-dire. Ouais, attends, je crois qu'on se fait attaquer là. Ouais, on se prend les côtes. Mais je suis en train de les larguer. Ouais. Faut que quelqu'un opère. Sur la gauche. Oh la vache! Putain. Mais y avait rien en plus sur le sonar là. Putain! Ça a pété d'un coup. On tombe, on va taper. On tombe direct. Et ça tape 3-2-1, ça tape. Mais ouais, elles sont là. Voilà. Nom de Dieu. On peut plus bouger, on est coincé au fond. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des bestioles. J'ai pas compris. Il y a des bestioles sur le pont supérieur, fais gaffe Scad. Les rampants sont rentrés littéralement là où t'es. Putain merde, mon masque, vite. C'est bon? Il est où le... Non. Merde, c'est en bas. Ah, oh, fais chier. On prend la flotte d'ouf. Ils sont où les connards? Ils sont sur le pont supérieur à gauche. Ah mais on prend la flotte de partout, Samir. J'ai rien ici. J'en ai vu un à gauche moi. Oh la carlingue en dessous, elle a tout mangé sa mère. Elle a tabassé ouais. Bah, il y a plus de diving suit. Putain, sous le diving suit. J'étais en train de monter à moins 2 tranquillement, tu vois. Et d'un coup ça fait 0. 3, 7, 9. Mais moi j'ai carrément vu la lumière devenue de l'extérieur. Ouais pareil, j'étais juste avec toi je pense. Ah mais j'ai rien pu faire, hein. J'ai tiré à fond de l'autre côté mais j'ai rien pu faire. Je suis en train de fermer les problèmes au ballast. Ok. Normalement on va prendre beaucoup moins de flotte là. Est-ce que quelqu'un peut vérifier si les pompes sont toujours en fonctionnement? Elles ne sont pas. Par contre tout à gauche on est pété. Hein. Vraiment à gauche, extrémité gauche, on est complètement pété. Ok, mais, j'y vais. Mais pourtant y'a rien. Ça doit être la carlingue, Momo. Ah, de l'extérieur, tu veux dire? Ah ouais, le moteur, il a mangé aussi. Attends, je vais réparer le moteur. Le moteur, il a mangé, ouais. Mais sinon... Ah, quoi, attends. J'ai coupé le sonar actif 2 secondes. Ouais, carrément. Ouais, c'est là, ok, d'accord. Ah, merde notre... Laisse-moi réparer le moteur, ta mère, là. Je sais pas comment pinguer à la main, en fait. Moi, je peux pas vraiment pinguer à la main. C'est ça, le problème.
merde. Ok, on est plutôt bon normalement au niveau brèche là. Exact, ouais, on est pas mal, ouais. J'aimerais bien réparer, j'ai pas fini de réparer, pourquoi il me dit que j'ai pas besoin de réparer? Ok, j'ai dit à la meuf de s'occuper des trucs électriques et aussi du coup des dégâts d'entretien, en gros. C'est si jamais il y a des trucs qui sont un peu dans la merde, elle va s'en occuper. Ok. Il me faudrait des données sur tout ce qui est réacteur. Le réacteur, il est bon. Le réacteur, j'ai viré une barre de fusion pour qu'on soit à la production minimum sans risque en fait, et j'ai foutu en automatique. Est-ce qu'on peut repartir ou pas? Oui, okay. On repart. On peut repartir. Tu veux? Attends, écoute, je vais le bourriner un petit peu alors. T'as, je repasse en contrôle manuel. Ok. Ah, c'est quoi? Je vais me foutre direct. Il y a un mob qui nous suit sur le côté gauche du navire. Côté gauche du navire. Ça. Okay. Côté gauche, il y a un truc qui nous suit. Sur la gauche, littéralement, il est sur notre gauche. Dans notre côté gauche, en fait. Il y a un truc qui a jeté une mine. Je sais pas s'il y a des mines marines. Je le vois pas, hein, ce qu'il y a dans... Je suis avec la lumière, je vois rien, toi. Bah écoute, moi je vois un petit point. Dans le vaisseau, sur le côté gauche. C'est pas un bot? Je sais pas. Bah écoute, je vais le laisser en contrôle automatique. Dans le vaisseau à gauche? Là ouais. Où je suis là? Vers le haut, à gauche. Vers le haut, à gauche? Ouais, c'est tout ce que je peux voir là. Ça c'est le... Ouais, ça c'est le truc de devant. Ouais, je peux pas voir à gauche là. Prends celui-là, regarde, Lucien, normalement on peut voir un peu sur la gauche, mais y'a rien. Hein. Je sais pas, j'ai un point qui arrête pas de se mettre au sonar actif là. Bah ouais, je le vois pas. Bah écoute, c'est pas grave, pas dans le vaisseau, hein. Bah si. Si. Ah, dedans? Attends, ouais, ouais. Viens voir, hein. De toute façon, on se rapproche du quai là, fais ce que tu peux. T'inquiète. Bah, ah ouais, dedans! Merde, putain, j'ai encore oublié de virer mon masque à gaz. T'as à chaque fois. Faut que je le re-remplisse. Ça va vite, hein! Mine de rien, une avarie, mec, ça va vite! Ouais, c'est un truc de fou. Bah là, c'est un cadavre, ça. Y'a un cadavre de bestiole, là, qui est en train de tomber, mais c'est tout. SCAD. Ah oui, ok. Échec de la mission. De quoi? Bah. Pourquoi? Bah, je sais pas, mais c'est écrit échec de la mission. Pourquoi échec? On l'a transporté, matos, nique ta mère, non? Si ça se trouve, le truc. Oh putain, ça se trouve, c'était dans des caisses qui étaient pas imperméables. Oh putain. Et du coup, on a pris la flotte à l'arrière. Puis ça me paraît bizarre, mon. C'est possible, ça m'étonnerait pas que je sois. Con? Oh oui. Bâtard, un pute, culé. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que. Ouais. Je pourrais trouver un sens à ce que tu dis. Et ça, du coup, interrupteur? Online, ça remplit les batteries, du coup, ok. Ça, une bouteille d'oxygène, ok. Du coup, vous voulez qu'on aille essayer de buter les squales marteaux? Allez. Bah, il nous faudrait des armes, par contre. Parce que moi, j'ai 6 balles, hein, je veux pas aller loin. Hein. Des balles de revolver, t'en as besoin de combien? Bah, il en faut au moins 6 ou 7 pour... Faudrait limite qu'on soit pas au revolver. Hein. Faudrait qu'on trouve des fusils d'assaut, des conneries comme ça, quoi. On a des canons à repos, mais c'est 200K, quoi, aussi. Ouais, et puis va falloir les buter avec les flingues. Bah oui, avec les périscopes, non? C'est ça. Oui, bah oui. Bah faudrait juste un truc au cas où à l'intérieur, quoi, mais on a pas un gars à la sécu là? Non, on a personne à la sécu. Tu sais quoi, je prends quand même 2 flares, parce que du coup ça permet d'aggro les ennemis. Déjà, ça peut être pas mal. Ah bon? Oui. La boîte de mission pour canon automatique, qu'est-ce qu'on a du coup nous? On a une boîte de canon automatique? Non. Combien? On a spire et laser. Spire et laser, elles sont comment niveau balle? On est comment? Bon, on a pas touché, il nous reste une boîte de chaque et les boîtes qui sont déjà dedans sont pleines. Parce qu'on a pas tiré, okay. Hein, pour l'instant. Il y a le couteau, une mission de canon électrique, un canon à harpon, des balles de revolver. Et les balles de revolver, ils disent on en possède 42, Scal. J'en ai vu des balles de revolver, il y en a... allez, nom de Dieu. Ici, non? Il y en a 12, et 12 plus 6. Ouais, escade, là où t'as ton placard en acier sécurisé, là. Il est où, Scad? Scad? Il est parti pisser. Non, il répond juste pas. Scadure?
Attends. Ah putain. Quoi? T'étais où, capitaine? Et là, j'ai pas bougé. Mais ouais, du coup, il y a des balles de revolver à côté de ton placard en acier sécurisé là. Il est où ce placard? Je l'ai pas trouvé tout à l'heure. Monte au pont supérieur et va à gauche. Après les diving suits. Regarde, ouais, par là. Exact. Et ici, t'as des balles de revolver et dans le placard, il y a peut-être des trucs. Je vais vous déplacer des revolvers déjà. Alors du coup j'ai des bouteilles à oxygène. Je fous toutes les bouteilles à oxygène à côté du à côté des diving suits. Il y en a 5. Ouais. Moi je vous déplace les armes. Où est-ce qu'il est le boîtier de les boîtiers de raccordement électrique, ils sont où là? C'est ça là, il y a un super condensateur. Parce que j'ai des fils rouges sur moi, si j'en ai jamais envie de raccorder des conneries. Voilà, je vous ai laissé des trucs dans le placard. Ok. Alors du coup je vous dis en mission. Soit on va vers l'avant-poste habité pour un transport de personnel, soit on va... Bah non, tu vois, Powys, on a plus la mission. C'est celle-là qu'on a échoué alors ? La mission n'est pas rattachée à cette station-là. C'est que ça doit se reset en fait quand tu... Ouais, non, c'est que cette station-là nous donne pas cette mission, je pense, c'est tout. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on l'a plus, quoi, en fait. Bah oui, il faudra retourner à l'autre station, mais... Après, on a élimination d'une importante nuée. Une nuée de rampeurs terroristes des sous-marins entre les secteurs, là. Une récompense de 3000 marques à ceux qui parviennent à les neutraliser. Est-ce que vous les contentez au pire pour le dernier coup, quoi? Bah écoute. Bah écoute, hein. 3 étoiles. Comme ça, une fois que tout est en marche, vous vous foutez au périscope, tu vois? Ouais, mais de toute façon, là, je vais laisser le... Est-ce qu'en automatique, moi, je vais me démerder avec la puissance que j'ai, tu vois? On va tous se foutre au péri. Et je pourrais juste vous dire d'où ça vient, du coup, en me déplaçant. Vas-y, laisse-moi aller directement à un péri là. Je vais prendre le péri laser qui est devant là. Ok, je suis devant. Alors attends, par contre, moi ce que je me demande c'est où est-ce qu'ont été livrés les marchandises, parce que j'ai racheté des balles quand même. Par contre, des rampeurs, il y en a un paquet hein. Tu vois les signaux déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un truc comme ça. Et ils sont. Tu les vois sur le radar? Ouais. Ils sont où? Ils sont loin, ils sont à 500 mètres. Ok. Bon, écoute, tu m'avertis quand ils arrivent plus proche, je vais aller voir vite fait le... Scott, t'as dit qu'ils étaient où, les armes? Sur la gauche, tout en haut à gauche, je crois, non? Dans le placard. Bon, écoute. en automatique, ça a l'air de bien se démerder, Scad, donc je vais aller sur l'automatique. Franchement, je vais faire avec ce que j'ai, t'en fais pas pour ça. Ouais, mais en fait, j'ai rajouté les deux... j'ai deux barres de fission dedans. Ouais. Donc du coup ça va envoyer normalement du jus. Tu peux normalement tirer un peu dessus. Ok, ça marche. Mais vous voyez quelque chose là? Bah non, c'est l'océan. Non, t'inquiète. Là on bouge juste. Ah, on traverse des petites méduses. Je vois les méduses. Ah, j'ai pas réussi à lui laseriser la gueule. Ah, je pense qu'il faut le tenir le laser. On descend là, Skad, hein? Ouais? Ok. Ouais. Par contre, Skad, j'ai pas trouvé tes armes. En haut à gauche, là où il y a les deux placards, j'ai tout mis dans le placard à côté. Ouais, j'ai récupéré un magnum et 12 balles. Ouais, t'as peut-être récupéré tout ce qu'il y avait en fait. Il restait des lance-harpons, des matraques électriques, etc. etc. Et il s'est mis où? Tout en haut à gauche. Dans la salle où il y a un rack, c'est une toute petite salle. Ah, ok. Matraque, canon harpon. Je flippe sa mère là. Mais c'est rien lui, Alex. Il va y avoir des ennemis devant à droite là. C'est juste l'eau. Oh la vache, putain, oui. En haut, au-dessus. Je vois que. Oh, ok, si, c'est bon. J'ai pas l'angle. Je vais pas donner plus d'angle parce qu'il y a le fond qui arrive là. Ils vont nous bouffer. Momo, faut que tu les chopes. Ah, ouais, mais. Bah, j'en vois plus. Moi, j'en ai vu un. Je l'ai. Mais on en a deux qui nous suivent là en fait. Et nous suivent derrière. En bas à droite. Ah, mais j'ai pas d'angle en bas à droite. Ah non, mais je descends comme je peux, mais ils nous suivent aussi vite que nous, ces bâtards, donc je peux pas faire grand chose de plus. Putain, je peux pas, j'ai pas d'angle en haut à gauche moi. Je sais, j'essaie de bouger, mais ils suivent en même temps. En haut à gauche, je m'en occupe, hein. Ok. Mais je vois rien là, hein. À droite, maintenant ça arrive. Oh merde. À droite? Ouais. Ça? Il y a plein à droite maintenant. Putain. Mais allez! Je crois que j'ai touché rien du tout.
Ah mais c'est des vieux poissons morts que je flingue là. Ils sont pleins derrière. Ouais. Je remonte un peu. Ouais, parce que là il y a des cailloux là. Point derrière avant, apparemment on a des fuites. Je ne peux pas ralentir la descente, je ne peux pas ralentir la descente, on va taper. Voilà. Ouais. Non mais j'essaie depuis tout à l'heure hein, mais ça descendait pas. J'arrive même pas à monter donc il se passe un truc au réacteur. Le mec, le réacteur il est à l'optimal hein. Oui mais on a le ballast qui est entièrement rempli, du coup ma puissance ne suffit pas pour remonter. Mais qu'est-ce qu'il a ce con de ballast, c'est dingue. Il est pété, il y a deux brèches. Ah c'est peut-être pour ça alors. Ouais, il y a deux brèches en bas dans le ballast et du coup je suis à fond en haut mais ça ne remonte pas. Ouais attends je vais essayer de réparer. En fait, du coup j'ai pas pu ralentir. Ah bah oui putain il est bien pété ouais. Allez descends. Mais... Ah merde. Ah ouais bah ouais il est bien pété parce qu'on a vraiment un trou en fait, on a un trou béant en fait. C'est ça. Hop là, tu devrais retrouver un petit peu de pêche Tascade non? Bouge pas j'ai dire ça. Attends, il y a des bestioles qui sont dessus, Non, toujours pas. Le ballast est vide là, le ballast est vide. Alors en fait on a la salle du générateur d'oxygène tout à gauche qui est remplie d'eau. Et le ballast, la salle du réacteur qui est remplie d'eau aussi. Salle du réacteur? Ouais, en bas à gauche. Oh putain là, là, ouais. De où par contre? Brèche de la coque dans le compartiment du réacteur d'oxygène. En bas. Et la salle du réacteur tout à gauche, c'est sur le tout le haut à gauche en fait. Ouais, ils sont en train de le bouffer au fur et à mesure. Ah la vache, mais c'est... Ah merde. J'ai la puissance qui est à fond, mais je ne peux pas m'extirper là. Ils sont en train de bouffer au fur et à mesure. Putain, j'ai pris cher. En fait. Non, même sans solar, j'ai aucune pêche. Ah putain, y'en a un là. Y'en a un qui est rentré. Y'en a plein. Oh là 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 là, le sous-marin il se fait bolosser dans le mec, t'as pas idée. J'ai essayé un de les niquer qui était dehors, mais il y en a beaucoup trop. Ils sont dedans, ils sont rentrés. Je vais déclencher un core melting, les gars, je vais faire péter le truc. Je fais. Ils s'en sortiront pas, je vais faire tout péter. Normalement, là on va être bien en charge là. C'est bon, on est encore meltdown ou pas là? Encore, mais c'est 3. Meltdown. Sortez de là. Putain. Cassez-vous, bah les enculés. Non, je peux pas leur tirer dessus, vous êtes dedans. Oh là là là, Hitbox il fait. Une balle. Ah, voilà. Voilà. Ah, donc t'as tout fait péter. Ouais. Ils sont morts? Ah non, Momo il est en train de se faire bouffer. Moi oui, par contre, alors je suis mort avant. Ah si, brûlé vif, il y en a 3 qui sont brûlés vifs quand même. Ouais, ouais, c'est moi, ça. Moi par contre, je me suis fait écraser par la pression. Ouais. Lisa et Dimitri, impec. Ouais, incroyable. Mais c'est un peu un pet fouf le meltdown du writer quand même. Hein. Bah, ça fait une belle lumière blanche, mais sinon j'ai pas vu moi de près. Ouais. Mais pourtant, tu vois là, je les ai vus, j'ai essayé d'approcher tranquillement, mais même là avec les canons, on a rien pu faire. Hein. Alors, le canon de devant, j'avoue, c'est ma faute parce que, en fait, c'est un canon qui fait et il tire pas directement quand tu cliques, il faut le charger en fait. Et du coup, vu qu'il nage très vite et que nous on va très vite vers la droite et eux vont très vite vers la gauche, j'ai pas pu les toucher. Le problème, c'est que dès qu'ils étaient à portée, j'ai coupé en fait mon alimentation pour vous donner un maximum aux armes. Et même ça n'a pas suffi parce que du coup, dès que j'ai voulu annuler ma vitesse et que j'ai voulu monter, je l'ai pas pu. Hein. On tombait en haut à droite, j'ai fait à fond en haut à gauche et ça n'a rien fait. Bah oui, et j'ai pas compris parce qu'en plus il y avait 2 barres de matériel fissible dans le réacteur. Genre il était plein. Normalement il y avait de quoi faire. Il y a eu de quoi faire un beau meltdown quand même. Donc il y avait de quoi bien gérer normalement la vitesse. Mais je sais pas ce qui s'est passé là. On a vraiment coulé comme une pierre à un moment quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le ballast. Hein. Ici, nous avait pas déjà bouffé le ballast. Je pense parce qu'il y avait vraiment un trou, mais béant sa mère dans le ballast. Hein. Ouais, et à mon avis, genre, Russian, vu que t'as pas pu trop t'en occuper à l'avance, ils sont passés en dessous, ils ont tout défoncé. Hein. Non, mais de toute façon, en avançant, le problème c'est qu'il y en a plein qui sont apparus un peu de partout. Ouais. Ouais, bah voilà. Je pense que c'est ça, Momo. Je pense que c'est ça, Momo, en plus, parce que quand je les ai loupés, il y en avait qui étaient passés par-dessous, je crois. Bah, parce qu'à un moment, si tu veux, tu vois, j'avais le sonar où je voyais les bords de la map. Et d'un coup sur un cran le sonar, paf, j'ai eu 10 machins. Ouais. Mais du coup le temps de ralentir, on arrive aux cibles.
Le laser sur le péri d'en face, le laser, c'est très bien quand il y a des grosses bestioles ou d'autres vaisseaux, je pense. Mais alors, pour des petits trucs comme ça, c'est de la merde. Ah non, c'était... Ouais. Je vois pas trop comment, en fait, t'es censé jouer au truc, parce que... Genre... Les seules missions qu'on a réussies, du coup, c'était les missions où il fallait transporter des gens et on se faisait pas trop attaquer. Voilà, il fallait aller à droite et en haut, quoi. Ouais, voilà. Mais par contre, dès qu'on s'est fait attaquer, c'était beaucoup trop vénère. Mais pourtant, on avait un vaisseau d'attaque. Bah oui, et genre, enfin... Bah non, mais déjà, on avait un vaisseau d'attaque vanilla, enfin on l'avait pas amélioré. Oui, la quête, c'était une quête 3 de difficulté. On a commencé à jouer aujourd'hui, on avait deux bots qui servaient à rien, on n'a pas trop compris comment servaient les trucs. Moi, j'ai pas pu tirer sur les ennemis. Enfin là, il y a eu énormément de facteurs qui font qu'on s'est fait défoncer le début. Mais regarde sur les autres quêtes de tout à l'heure, même quand ils rentraient et tout, bah écoute, on les butait, on réparait et on repartait, quoi. Là, c'est une quête de nuée quand même, hein. C'est ça, ouais, bah, je l'ai vu, hein, parce que en plus de la nuée, donc des 10 qu'on devait buter, à un moment on est arrivé sur un truc où j'ai eu 10 signaux qui se sont allumés en plus. Ouais, il y en avait plus que 10. Hein. Clairement, il y a eu deux nuées en fait, donc. J'ai pas compté, mais j'ai vu genre des points, genre il y avait du bruit, tu vois, sur le sonar. Ouais. Littéralement, il y a eu du bruit. mon écran, il y a de la neige dessus, c'est pas de la neige, non, c'est des signaux. Le pire, c'est que je les ai même pas vus venir. C'est qu'il y avait mon radar, je voyais le bas, je voyais le fond. Et sur le coup du radar d'après, ça fait. Bah ouais, non mais oui, non mais c'est clair. Bon, là j'ai fait attention, les mecs, il y en a en haut à gauche, en haut à droite. En fait, c'est plutôt sympa à jouer en vrai. Hein. C'est vrai qu'avec l'habitude, ça doit être super cool en vrai. Mmh. Ouais. Parce que moi, capitaine, ok, c'est chiant parce que tu dois le gérer avec un contrôle qui est très alternatif. Mais en y allant doucement, tu te démerdes. Tu vois, mais à la limite, en fait, la prochaine fois, faudra qu'on trouve un bot et qu'on le foute capitaine, non? Si tu crois qu'il peut faire le déplacement. Mais bon, en fait, tu vois, genre, limite, faudrait. Ce que je pense. Genre, tu mets 3 bots, t'en mets un, genre, au pilotage, et 2, justement, aux tourelles. Genre, histoire qu'ils s'occupent des trucs. Mais après, le problème, c'est qu'on n'a plus rien à faire, nous, en fait. Ou alors, justement, tu les laisses s'occuper des dégâts électriques et de nettoyer les trucs pétés, quoi. Peut-être aussi. Mais ouais, le jeu est très très bien, et il est quand même plus simple que SS13. Et là, t'as vu en 2 heures de jeu, là, on a réussi quand même à faire 2-3 trucs. On a compris des choses. J'avais fait aucun tuto, moi, avant. Bah ouais, voilà, Momo, la toute première partie, là, quand on était tous claqués, il restait que Momo et Scad. Oui. Et les deux ont réussi à se démener. Momo, il avait compris tout d'un coup. Donc franchement, c'est bien passé. En vrai, c'est bien passé. C'est assez intuitif, quand même. Il y a des trucs, forcément, qui sont un peu complexes. Peut-être que la prochaine fois, du coup, je laisserai mon, entre guillemets... Le pass de gérer les thunes, parce que savoir quoi acheter pour quelle personne, quand, comment dire, et tout ça. C'est pas évident, hein. Mais par exemple, tu vois, genre au niveau des missions de revolver, je savais pas quand est-ce qu'il fallait que je t'en prenne ou quoi. Et les vendeurs, le problème, c'est qu'à un moment, j'en avais 16, donc j'avais un stack et demi, donc je me disais, c'est bon, tu vois, c'est large. Oui, parce qu'en fait, ils sont quand même assez résistants. Et je voyais quand même, en faisant les tutos, t'as des fusils à pompe, etc., qui claquent en 2 balles, quoi. Ouais. En fait, le revolver, c'est vraiment pour... c'est un petit peu comme les guns qu'ils ont pilotes d'avion, en fait. C'est vraiment... Enfin, c'est pour se tirer une balle si jamais t'es dans la merde, quoi. Et je pense que... Enfin, pour s'attaquer contre un truc comme ça, faut déjà un mec à la sécurité et faut qu'il ait une grosse arme. Il y a pas à couper, je pense. Après, par contre, le truc, c'est que ce qu'on n'a pas dit aussi, qu'on n'a pas trop maté, c'est qu'il y a beaucoup, énormément de mods aussi. Oui. Qui permettent de, soit de changer un petit peu la gueule du jeu, le rendre un petit peu plus accessible visuellement, et même avoir des sous-marins déjà construits, en fait, par des joueurs, qui sont peut-être un petit peu plus abordables ou quoi, ou même. C'est vrai. Abordable. En tout cas, j'y rejouerai, parce que très intéressant. Ouais, Foxy, tu demandais tout à l'heure si on allait refaire en stream, mais ouais, on va en faire hors stream, je pense. Peut-être même en stream aussi, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, donc il y a moyen qu'on s'en fasse. Franchement, c'est le genre de truc que j'adore, ça. Donc, Et alors, le problème, c'est qu'il était à 4 balles il y a pas longtemps, et là, je crois qu'il est retourné. Je l'ai chopé à ce prix-là sur IG, moi. Ah oui, sur IG, parce que là sur Steam, il est à 25, donc. Je l'ai eu à 5 balles. Mais ouais, je pense qu'on en refera de ça, tant qu'on fait pas de SS13, je pense qu'on est bien. Oui. Et mais ouais, on va en refaire. En plus, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 12. Oui, 12 jusqu'à personnes. 16. Jusqu'à 16. Donc, est-ce que tu imagines 16 personnes, 4 mécanos, 4 ingénieurs? Mais la prochaine fois, on va faire ça avec vous en stream. Hein. On va faire en sorte que les gens viennent. Non, mais au pire, en plus, genre, si on n'a pas envie de s'emmerder avec eux dans le Discord, on utilise la radio in-game. Oui. Oui, il est repassé à 24€ Fuxel, mais va sur Instant Gaming. IG, ouais.
Tu vas sur Instant Gaming, il est encore à 4€, il garde, attends, les promos, donc... Bouge pas, j'envoie un lien ouais. Directement sur le jeu, bougez pas, tac. Et oui, c'est ça, faut trouver un sous-marin qui a les tourelles bien réparties. Là, c'est vrai que ici, la tourelle à l'avant qui tape lent et la tourelle à l'arrière qui a pas d'angle, c'était pas top. Hein. Là, vous l'avez pour 4,45€. Ouais, voilà. Donc, je peux pas faire mieux. On s'en refera dans pas longtemps. Et puis demain, il y a une Surgency. On vous rappelle, si vous avez envie de venir jouer avec nous, il doit y avoir 2-3 slots qui pourront tourner entre vous. Et puis, bah écoute, moi je vais prendre une douche glacée pour claquer l'hypothermie. C'est carrément une meilleure mort que ce que je suis en train de subir là maintenant. C'est-à-dire la mort au petit feu, ouais. Là, je suis en train de me liquéfier en fait. Et je pense que je préfère mourir comme Torrance dans The Shining, tu vois, ça va être stylé. Allez, je l'ai acheté. Ok, bah Foxy, écoute, la prochaine fois qu'on se fait du barreau de trauma, je pense dans pas très longtemps. Bah là, la semaine prochaine, ça va être un peu Tandax peut-être. Oui, vu qu'il y a le meet-up. Il y a le meet-up. Après, je serai plus là, voilà. En fait, il va tous nous buter au meet-up. Exactement. Mais ouais, bon, en tout cas, passez une bonne soirée, à demain. Et moi, je vais reprendre sur un petit peu de Medieval Dynasty. Ah, tu reprends le stream tout de suite. Eh bah, super. Oui, évidemment. Je coupe direct, et puis Skad reprend tout de suite. Allez, bisous les gars, ciao. Yes, bisous. La bisette.